Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL. C'est le grand lancement des playoffs du Spring Speed 2022 du LEC. Aujourd'hui, nous aurons le droit à un premier best of 5 entre Misfits et les Rogues. Et on va bien sûr vous décortiquer tout ça et vous mettre dans l'ambiance dans ce pré-show. Un pré-show que je conduirai en compagnie de Tréton et de Noix. Messieurs, comment allez-vous? Ça y est, c'est le grand jour après plus de deux semaines de pause du LEC Noix. Alors déjà, ça me manquait et ça va très bien parce que j'avais vu qu'une toute petite partie de l'intro et elle est archi banger. Elle est trop trop belle cette intro LEC. J'avoue que j'étais pas mal... prêt à critiquer le LEC par rapport à la prod, etc. durant cette année. Et là, pour le coup, ils ont fait une super production. Du coup, Carnage, j'espère que tu as prévu de step up rapidement à LFL pour avoir d'introduction de la sorte pour des playoffs. Parce que honnêtement, celle-ci était sacrément banger. Elle est propre, messieurs, exactement. Alors, ça fait deux bonnes semaines qu'on ne s'est pas vu en LEC. Si vous voulez un petit récap, on en a un, bien sûr, de la dernière semaine sur le Twitter OTP. Donc, n'hésitez pas. Et en vidéo, messieurs, on va également se remettre en match, en tête, les derniers matchs, les cinq derniers matchs du dimanche. Donc, Tréton, ça remonte. Mais on avait commencé par un petit SK contre Misfits qui ne comptait pas pour l'SK Gaming, mais un pentakill pour Jésus. Ah, le pentakill de Jésus qui avait fait extrêmement plaisir contre Misfits. Pour Misfits, ce match-là comptait, et donc c'était un petit peu une galère de le perdre. Pour les Vitality aussi, ce match-là comptait, il fallait absolument l'emporter. Oui. Contre l'Astralis, et ils ont fait le boulot. Ouais, ils ont fait le boulot, exactement. Noix, les Vitality qui n'ont pas connu une dernière semaine facile, mais ils ont su se réveiller au bon moment. Il y a eu un peu de peur, sachant qu'on savait qu'entre Vitality, Mad Lions, il y allait sûrement avoir une de ces deux grosses équipes qui allait rester sur le carreau, et Vitality ont réussi à faire le dernier effort au bon moment. On se qualifie tout juste, maintenant on les attend bien plus fort sur ces playoffs tout de même. Oui, oui, et bien sûr un élément qui va dans ce sens, en tout cas qui nous laisse nous poser beaucoup de questions sur la situation de ces playoffs, c'est qu'on a eu deux grosses semaines de pause, oui. Un changement de patch, Tréton, et c'est vrai que par rapport à ça, on a beaucoup d'incertitudes en fait. On ne sait pas où on en est pour les protagonistes des playoffs. C'est clair, on ne sait pas où on en est. Pour sa famille, par contre, tu sais où il en est. Il est jusqu'en 2024 avec Vitality. L'air de rien, ça peut lui donner un petit peu de confiance en réalité avec son équipe. Alors qu'on revoit la dernière game de son régulière des BDS qui ont tout de même fait une bonne dernière partie dans leur style avec Darius sur Adam, avec Nuclear sur un Yasuo. Ils ont fait des combos qui étaient intéressants. Ils ont absolument tout donné dans cette game. Syncroft fait encore une fois une plutôt bonne partie. On va dire qu'ils sont partis sur une bonne note par rapport au reste de la semaine de BDS qui était très compliqué. Et du coup, les Mad Lions, eux aussi, partent sur une bonne note puisqu'ils partent sur un 3-0, si je ne m'abuse. Ouais. Un 3-0 assez impressionnant, et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir ces Mad Lions en playoff. Ouais, ça n'aura pas été suffisant pour les Mad. Le Excel, Noix, les Excel qui se sont enfin qualifiés pour les playoffs après plusieurs années de quête. On n'y croyait presque plus, hein. Ça devenait un peu le running gag côté Excel. Et mérité, avec ce changement notamment de support en cours de saison, qui au début était un peu critiqué mais qui a fait ses fruits. Et bon, on les attend en play-off, mais c'est peut-être le petit poussé de ces play-offs qui joueront dimanche si je me trompe pas. Ouais. Après, alors, on va voir, hein, mais il y a pas mal de rumeurs qui disent que les Excel sont très très bons en scrim. Et que l'équipe arrive potentiellement favori contre Vitality. On verra bien ce que ça donnera. Le Rock contre G2, Tréton, c'était une belle conclusion. Ouais, c'était une belle conclusion avec Pikachu sur comp qui a vraiment fait une partie extrêmement bonne, qui s'est jamais véritablement fait catch, qui a réussi à chaque fois trouver les bons teamfights, et surtout un Larsen qui a maîtrisé Caps en phase de lane, qui lui a mis un Flame Horizon en CS, qui a fait une game de victoire absolument incroyable. J'avoue qu'on ne s'attendait pas forcément à ça parce que Caps était en train de se relever un petit peu, il fait une très mauvaise dernière partie, on se posait un petit peu des questions sur son état de forme, là où du côté des Rogues, en dernière game contre des G2, claquer un 27 minutes, c'est plus que convaincant et ça annonce une bonne forme contre les Misfits aujourd'hui. Alors, le programme de cette semaine et le programme des playoffs, je pense que vous commencez à être familier de ce format. Donc Misfits contre Rogue aujourd'hui, demain G2 contre Fnatic, un classico ce samedi, et donc dimanche, comme tu le disais, le Vitality contre Excel. Et voilà, donc après on enchaînera, le gagnant de Vitality contre Excel progressera et affrontera l'équipe la moins bien seedée qui aura perdu dans le haut de l'arbre. Et donc entre Vitality et Excel, le perdant notamment verra sa saison de printemps terminée. Mais ce sera ce dimanche qu'on parlera un peu plus de cette rencontre. On va tout d'abord
aborder le patch. Parce que voilà, deux semaines de pause, on a un nouveau patch, et ce n'est pas le même patch que les playoffs de LFL, au passage, mais c'est le même patch que les playoffs de LCK, donc le 12.5B, avec un certain nombre de modifications, traitons quand même, qui nous sortent peut-être un peu de notre zone de confort et de nos habitudes de la saison régulière du Spring. Ça change absolument tout, pas sur la carte, mais quasiment que sur la botlane, parce que c'est beaucoup les ADC qui ont changé, et même la Rune Solari, l'air de rien, ça peut faire un petit changement sur le support, je pense pas que ce soit majeur, mais sur les ADC, c'est quand même assez gros comme changement, notamment sur Jinx en termes d'early phase de lane. On a beaucoup plus de mal à prendre le push gratuitement, ça n'a pas tué le champion, loin de là, je pense que ça reste le meilleur ADC actuellement, mais c'est un nerf qui est le bienvenu et qui donne quelques faiblesses à une Jinx qui pourrait être attaquée en phase de lane. Par exemple, par des Lucianes qui ont été up, ça pourrait sortir en LEC. Oui, complètement. C'est le genre de champion qu'on peut encore avoir. Alors ça, c'est du côté des nerfs, parce qu'il y a eu d'autres changements pour les AD carry et pour la botlane en général. Et notamment, les ups donc, de Lucianes, hein, qui est quand même un champion qu'on voyait un peu. Varus, pareil. Et Ashe, par contre, qui était quand même une des grandes absentes du Tout à fait. Split. Tout à fait, et voilà, il y a des AD carry, alors Lucian est un peu mis à part, mais des AD carry très utilitaires avec du setup en la présence de Ashe et de Varus. On n'en a pas trop vu du côté de la LCK, on est beaucoup sur de la Xayah, mais notamment connaissant les deux énergumènes à la AD carry, on sait qu'il y a une Ashe notamment dans les mains de Néon par exemple, donc c'est peut-être un personnage que j'attendrai plus du côté de chez Misfit. On aura un petit bilan tout à l'heure, bien sûr, sur les champions attendus potentiellement au poste d'AD carry. On allait chercher un peu ce qui s'était tramé dans la carrière des deux joueurs pour éventuellement déceler quelques tendances. Traitons, est-ce que les drafts au bot vont changer dans ces playoffs? Noël le disait, en LCK, il y a eu quand même pas mal de modifications. Oui, ça va changer, c'est sûr et certain. Il y a, comme Xayah remonte, il peut y avoir Kai'Sa qui est plus jouable parce qu'en réalité, en match-up direct, c'est relativement faisable et Kai'Sa a plus volonté à atteindre les 2-3 items, pas forcément à jouer la lane. Donc déjà, ces deux champions-là vont remonter. Lucian peut être très très fort de pair avec Nami, on le connaît déjà, mais Lucian, Yumi, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Et derrière, d'avoir des carrières utilitaires comme Ashe, c'est quelque chose qui peut être très très utile dans les drafts. Donc honnêtement, en backline, ça devrait tout changer. Mais il y a quand même du blind pick Jinx qui devrait arriver et Aphelios seront toujours présents. C'est juste qu'ils sont moins dominants. Ouais, tu penses quand même qu'on aura toujours ces deux champions Je serais très étonné de ne pas du tout les voir en draft. De les voir moins prio, certes, mais de pas du tout les voir, je serais étonné. Noah, même avis. Oh, pareil, hein. Après, bon, en LCK, encore une fois, on n'a pas vu le Varus, on n'a pas vu la Ashe, et on a vu exactement les mêmes, donc moins fort, avec toujours Zeri qui est top prio ban. Mais bon, après, la Corée parfois bouge un peu plus lentement, en Europe, on tente d'autres choses. Pareil, le Varus, hein. Encore une fois, le Varus, Néon a Varus, donc. Encore une fois, dans les champions que j'attends, peut-être. Moi, je trouve que ça change plus de choses chez Misfit, peut-être. Après, à voir. Mais comme traitons la Jinx, je l'attends quasiment en première rotation de draft. Bon, eh bien, attendez, on va voir. On va voir, dans tous les cas, chaque BO aura sa petite vérité. Et ça va être intéressant de voir, justement, les lignes peut-être un peu bouger au niveau de la botlane. Dans les petites nouvelles qu'on a eues lors de ces deux semaines de pause, eh bien, les All Pro Team du LEC sont sortis, mesdames, messieurs. Et du coup, on avait envie un peu de revenir, justement, sur les trois All Pro Team, donc les top 3 joueurs à chaque position. Et la meilleure team européenne, si on devait la composer là maintenant, traitons, ça ressemblerait donc à Odo Amné, Malrang, VTO, Upset, Illisang. Est-ce que tu es convaincu par cette All Pro Team numéro 1? Oui, je pense que Upset, Illisang sont absolument imbougeables. Je pense que Malrang et VTO aussi. Odo Amné, il y a peut-être un petit peu plus de discussion. VTO, tu peux discuter aussi avec Humanoïde peut-être. Ou l'Arseb, non? Non. Tu fais une belle saison. Avec Humanoïde peut-être. Ou l'Arseb? Avec Humanoïde peut-être, et du coup ouais, c'est honnêtement la team que j'aurais mis personnellement aussi, donc plutôt content de voir cette équipe et très heureux pour VTO, parce que l'air de rien dans une All Pro Team, c'est souvent des joueurs comme Caps, comme Perth. Mais justement, on va en parler après, parce que oui, c'est assez intéressant, parce que VTO brise quand même un petit cycle assez gigantesque. La All Pro Team 2, pareil, est-ce que ton point de vue, ce sont les joueurs qui méritent d'être à la deuxième position à leur poste? Alors pour Comp Trinby, oui. Humanoïde, entièrement d'accord. Broken Maid, Yankos, j'ai peut-être un peu plus de mal parce que pas emballé par les G2. Pas trop déjà, parce qu'ils ont eu des hauts et des bas, et aussi parce que certes Broken Maid est bon, mais il absorbe 80% des ressources de son équipe en early game, donc c'est plus facile de bien jouer quand ton jungler passe toutes les 3 minutes et qu'on te donne les meilleures conditions. C'est pour ça où je nuance un peu, et Yankos en vrai, pourquoi pas. Et pas que le jungler, mais le support aussi, un Targamas justement qui fait partie de la All Pro Team 3, traitons, et qui se glisse du coup dans le top des supports. Alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Il y a eu des grands moments pour Targamas dans ce split.
Mais est-ce qu'il fait partie du top 3 de ton point de vue? Je pense que oui. Il y a quelques supports qui ont un petit peu underperf, du type Kaiser, Treat par exemple, que j'attendais un peu plus haut, qui n'ont pas forcément bien performé durant ce split. Donc c'était entre Targamas et Kaiser de mon point de vue. Et ça ne me dérange pas que ce soit Targamas qu'il est. Patrick, c'est totalement logique. Larsen, lui, logique aussi. Et pour Ilya Wunder, et même globalement, je trouve que ça manque un petit peu du top side de Vitality, que j'aurais peut-être plus vu. Par exemple, tu vois, Yonkos, je pense que Selfmade peut prendre un petit peu sa place. Je pense qu'en top lane aussi, qui n'est pas du tout Alfari. Je suis pas forcément convaincu. Je pense que dans le top 7 de Vitality, il y a peut-être des joueurs qui auraient pu s'immiscer dans une de ces trois équipes. Ouais, potentiellement, effectivement. Mais je pense que la saison régulière, vraiment, en dents de scie, la qualification à la dernière journée, ont peut-être un peu pesé aussi dans les votes. Certes, mais je sais pas si c'est à cause du top side, tu vois. Je pense que c'est plus à cause du bot side mid lane, personnellement. Ça se défend, c'est sûr. On verra, hein, les Vitality qui vont sans doute nous présenter un nouveau visage. Et alors, justement, on voulait revenir un peu, je vous le disais, VTO. All Pro Team numéro 1 et petit listing de ce qui s'est passé par le passé, donc ces dernières années. Il faut quand même voir que VTO casse un cycle qui avait vu Caps dominer l'Europe à cette position pour les 4 dernières années. Petit passage de Perse également lorsqu'ils avaient swap avec Caps au niveau du poste de mid et ADC. Mais VTO, concrètement, la relève ? La relève est aussi... plus que la relève, parce que même si ça n'avait pas été VTO, comme on l'a vu dans les All Pro Team, il y aurait eu encore 2 autres joueurs, voire même 3 autres joueurs avant Caps. C'est-à-dire qu'on avait Humanoid à faire rentrer, on avait Larsen à faire rentrer. Donc oui, on a une nouvelle génération de mid-laners qui est excellent, mais aussi on a un peu une dégringolade de l'ancienne. C'est pour moi ces deux courbes qui se croisent. Traitons. Bon, VTO, petit événement quand même. Hein. Quand on regarde quand même cette liste, on se dit c'est pas rien en réalité. C'est plus que pas rien, c'est vraiment très bien pour le joueur, à voir maintenant comment il va le prendre. Faut pas prendre la grosse tête. Mais globalement, il est vraiment très bon et il le mérite. Et étonnamment, il n'y a pas eu Mano Fraud dans ce listing de mid-laner. Il n'avait pas réussi à prendre la place à Caps jusque-là, qui était du coup le meilleur mid-laner avant lui. Et c'est VTO qui casse la streak. Donc parfait, écoute, c'est une très très belle storyline pour moi. Je trouve très médisant tout de même. Un peu révérencieux. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Je crache des faits. Ouais, après l'année dernière, franchement, ouvrir les contestable. C'était contestable. C'est ton avis. L'avis des experts du LEC, ça a été que c'est Caps. Ouais. Ok. Non, mais c'est vrai. Les experts du LEC. Non. Certains. On a nous-mêmes voté chaque année, donc on a participé à ce classement. Oui, mais est-ce qu'on a voté forcément Je sais pas si on avait mis Caps ou Humanoid, j'ai un doute. Les autres années, je sais pas. Je pense qu'il y a eu un petit Caps qui a dû partir. Sur la précédente, sur le Summer, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Ce qui est beau, c'est quand même que Vincent a cassé cette série, justement, de Caps, notamment. Le petit passage de Perks. Mais on sent un peu, peut-être, un passage de relais. En tout cas, une montée en puissance du côté de VTO. Et ça nous fait quand même chaud au cœur, puisque, bon, voilà, il est français. Et on l'aime beaucoup. Voilà, même s'il va falloir qu'il fasse des efforts pour pas se faire... Bon, c'est ce que je lui ai dit, hein, parce que je pense quand même très fort qu'il a les moyens de battre Larsen, mais je lui ai dit, bon frérot, tu vas faire un effort là. Et... Je pense qu'on va en parler, mais dans le dernier BO5, il n'avait pas forcément fait, donc c'est aussi un... Il faut confirmer dans ce BO5 contre Larsen qu'il est vraiment passé au-dessus. On est d'accord. Larsen étant un peu le gatekeeper de notre point de vue des midlaners en Europe. Parlons maintenant du BO qui nous attend, donc trêve de bavardage, Misfits contre Rogue. Le rematch d'un BO qui avait fait très mal aux Misfits au Summer Split de l'année dernière. Comment on se retrouve donc? Ça avait été en 5 games l'année dernière. Petit tour d'horizon donc statistique de ce qui peut nous attendre entre les deux équipes. Quels sont les styles de jeu? Bon, alors déjà, on le voit. Noix, bah ouais. Bien sûr, les Misfits en early game, ce n'est pas une valeur sûre. En tout cas, c'est peut-être une valeur sûre dans la méforme. Oui, en early. Parce qu'à chaque fois, il se passe des dingueries en side lane, pas uniquement en bot side, hein, que ce soit du côté de Irith ou que ce soit du côté de Neon Mersa. Il se passe des dingueries avec des misplays qui coûtent extrêmement cher et après, ça rame pour remonter avec un excellentissime teamfight, mais il y a vraiment tout de même des... C'est même pas des erreurs stratégiques, pour moi c'est des erreurs purement mécaniques de lane et qui coûtent extrêmement cher à chaque fois. Et j'espère qu'ils ont eu 2 semaines pour rectifier ça et que ça a été fait. Traitons, on voit au niveau des sides, oui. Les deux équipes du coup sont très friandes de blue side, le red side, et on l'a pas mal joué notamment du côté Misfits, mais le win rate n'est pas délirant. Et pour eux qu'on est vraiment pas bon du red side par rapport à ce qu'ils ont fait durant cette saison, ils ont fait pas mal de loose du côté du red side, donc ça va être intéressant de voir comment Misfits s'adapter à ce niveau-là. Et je pense que les deux équipes vont beaucoup viser le blue side, même si actuellement en termes de side c'est difficile de savoir en BO5 ce qui est le plus fort. Et on peut noter aussi que les Rogues, le 15-25 minutes,
On parle de celui de Mystique qui est horrible, mais celui de Rogue est vraiment impressionnant. Oui. Ça fait un peu penser au Mad Lions de l'année passée. Ouais, effectivement, ils ont ce truc où, où ils snowballent beaucoup mieux finalement qu'avant. Moi, tu voulais. Je vais dire, pour rebondir sur Triton, pour les sides, on a un début de réponse en LCK où tout de même le blue side est très dominant. Sur 5 games, on a call 5 fois le blue side et l'équipe qui a gagné est l'équipe qui a réussi à remporter un red side. Donc il y a peut-être un indice à aller chercher du côté. Ouais. On a un petit échantillon de game pour l'instant. Pas donc, très grand. Donc on va voir comment. Puis parfois, il y a aussi les différences de playstyle et entre les scrims qui se construisent entre les régions. Et tu as une situation où les sides sont pas forcément. Enfin, le side fort n'est pas forcément le même selon les playoffs. Donc on va voir quelle sera la vérité du LEC. Ça va commencer aujourd'hui, bien sûr. On enchaîne donc avec la Goldif à 15, si je ne m'abuse. Donc voilà, pour un peu confirmer finalement l'état de forme en lane. Bon, Triton, il y a quand même un îlot du côté des Misfits. Vincent. Il y a un homme à V9 quand même, hein. C'est quand même très très grave de voir que c'est le seul qui est devant en termes de gold en early. Après, je pense que Shlatan quand même le suit de près. On pourrait mettre le mid jungle de Misfit qui globalement est un petit peu au-dessus en termes d'early game. Après, c'est clair que sur le reste des lanes, ça va être difficile face au Rock. Ça va pas être évident et ça va être un des gros défis, bien sûr, pour les Misfits au niveau du style de jeu. Donc là, jungle proximity, qu'est-ce qu'elle nous révèle? Elle nous révèle eh bien, qu'il y a plus de présence autour de VTO. Donc l'axe VTO Shlatan semble être. C'est l'axe fort, a priori, Triton, du côté des Misfits. Là où du côté des Rogues, on a tendance à jouer un peu plus pour comp, bien sûr. Oui, on joue un peu plus pour comp. De toute façon, des deux côtés, on joue sur leurs forces. On joue sur les forces, sur les lanes qui gagnent. En général, VTO est la seule lane qui gagne. Et sur la botlane du côté de Rogue, c'est une valeur plus que sûre. Comp, Trimby, c'est vraiment très très fort actuellement. Petite heatmap, il y a des points de partout, mais on voit quand même une chose, c'est que du côté des Rogues, il y en a un peu plus du côté de la botlane, donc ça confirme un peu l'activité du côté de Malrang auprès de son botside, et la top lane ne sera pas forcément l'endroit le plus prisé par les deux équipes. Ouais, pas du tout, même pour Misfit, hein. On regarde, pour Misfit, Irid, très peu, hein. Irid complètement isolé, et ça joue vraiment sur le reste de la carte. Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher pour les Rogues sur un focus, sachant que Irid, c'est pas l'homme qui prend le moins de risques. Donc il y a du kill à prendre. Quant à Odo Amné, qui peut être, alors bien sûr soit le weak side king, mais qui a aussi, je trouve, été très très bon dans cette saison. Moi, je m'inquiéterais surtout pour le top side dans ce match. C'est une possibilité. Après, un Irid dans un bon jour, on sait qu'il peut nous surprendre. On enchaîne avec en régie. Le win rate, merci, s'il vous plaît. Donc, alors, voilà, pour vous confirmer la situation, Rogue, ils sont très bons en early game et en général, ils gagnent. Mais attention, puisqu'il y a ce comeback factor chez les Misfits, Triton, oui, qui est une réalité et qu'il ne faut certainement pas occulter, sachant que certains des matchs les plus surprenants de la saison, ils ont été faits par les Misfits avec des comebacks de folie. Oui, et contre des énormes équipes, contre Fnatic, contre G2, donc c'est pas contre n'importe qui. Après, les Rogues ont montré quand même un snowball qui est extrêmement, extrêmement clean. Ce qui est intéressant côté Misfits, c'est que si jamais ils arrivent par miracle à être devant à 25 minutes, ils gagnent beaucoup quand même. Donc s'ils sont devant, oui, s'ils sont en moment de teamfight où ils ont déjà réussi à être juste even avec les Rogues, ils ont véritablement une chance. Maintenant, ça va être leur late game qui va être très compliqué. Et honnêtement, leur late game est largement en faveur de Rogues. Effectivement, mais les Rogues ont quand même tendance parfois à ne pas tenir leurs promesses de la saison régulière. Ah. Alors, on s'est justement intéressé à ce mythe, messieurs. Le mythe des playoffs. Mythe ou réalité, on va débunk ça. Et la réalité, c'est quand même que par rapport à la position de la saison régulière, le bilan en play-off, qu'on prenne le résultat en BO ou le résultat en game individuel, il ne fait pas rêver. Et donc, effectivement, il y a ce blocage peut-être en play-off pour les Rogues. Après, c'est un peu ce qu'on évoquait pendant toute l'année, c'est qu'on a eu aussi parfois des saisons super stomp par Rogues. Et on sait que les équipes qui font que stomp, ils vont stomp early game et ils vont avoir du problème en mid game. On se souvient des Rogues qui jouent sur 3 lanes en prenant la jungle et un buff en même temps. Ils jouent mais un peu partout. C'est plus le même Rogue. C'est plus le même Rogue. Mais ils avaient ces défauts-là. Ils ont quand même fait une très belle saison aussi. Et on est toujours un peu en train de se demander, est-ce qu'il y en a plus derrière? Est-ce qu'on s'est diversifié niveau draft? Et est-ce que sous la pression, on ne va pas avoir un Rogue qui, et c'était le cas avant, va se replier sur son scaling? Alors personnellement, pour moi, c'est un cas flagrant de choke, globalement, pour les Rogues. Et merci pour cette analyse. Écoute, les Rogues ont changé. Tu craches des faits. On est tous d'accord que les Rogues ont changé et je ne connais ni Ant ni Inspire comme des chokers. Donc je ne sais pas s'il reste des chokers du côté de Rogue, mais on va voir, ce sera le moment de vérité. Ah, tu penses que le verre est resté dans la pomme, très tôt. Ah, je pense potentiellement que le verre est toujours présent, mais le verre, je pense, ne se montrera peut-être pas dès le premier BO. Ok, on va voir. On va voir. Le verre, je ne sais pas.
C'est une grande question, c'est sûr. Cette réputation, elle suit, elle précède même les Rogues en arrivant dans ces playoffs. Nous, on est curieux, voilà. Est-ce qu'ils vont enfin réussir à porter leur performance de saison régulière en playoffs? C'est une grande question. Sachant que les playoffs quand même de spring de l'année passée étaient quand même très bons. Oui. Ils sont fait comeback, oui. 2-3 en grande finale, donc ça va. On est d'accord. On va parler de la bot lane, messieurs, puisque c'est l'endroit où le patch finalement a frappé le plus fort pour ces playoffs. Et donc le petit affrontement entre Comp et Néon, on le voit, Néon quand même pas beaucoup de champions à son actif, moi 4 seulement. C'est le joueur qui a joué le moins de champions à son poste en saison régulière. Il y a un mème comme quoi il y a Misfit avec Jinx et Misfit sans Jinx. Après, Jinx est toujours jouable, même s'il est un peu moins forte. Maintenant, je pense que ces deux AD carry qui sont peut-être moins gênés que d'autres par les patchs à la botlane, parce qu'on peut retrouver certains champions dans leur pool. Donc j'aime à penser que Néon sur par exemple du Lucian Yumi avec une petite Akali pour VTO. Alors, Lucian, il n'a pas trop joué, hein. Non. Mais en carrière, on peut remarquer Xayah notamment, qui est son meilleur win rate en carrière au passage. Et un champion qui est extrêmement méta actuellement, qui est beaucoup joué comme tu le disais, Noah, en LCK. Absolument, ouais. Et si on copie un petit peu la LCK du côté du LEC, pourquoi pas après tout, le champion a l'air d'être vraiment très très fort, il était joué aussi en NFL, c'était plutôt costaud. Donc à voir s'il est capable de le sortir, mais c'est quelque chose de beaucoup moins proactif. Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un LC capable de vraiment faire des dégâts facilement côté Misfit? C'est une des questions. Peut-être. On l'a vu aussi parfois se réfugier sur Ezreal. Hein. On verra. Il y a cette possibilité. Il y a toujours Varus également, Noah, qui j'attends est possible. J'attends bien le Varus, mais après avoir vu notamment Deft en action sur Xayah, ça met un DPS complètement débile. Et en plus d'avoir une phase de lane vraiment très fort, donc je vois pas comment on passe à côté de ce pic là, surtout quand on voit le win rate de Néon sur le champion. Et en récent là qu'on a vu aussi, t'as par exemple on a vu Exa ouais, en playoff de LFL très solide sur Xayah, donc c'est un champion qui est adopté assez unanimement là. Dès qu'on a des playoffs qui s'enclenchent, on voit des Xayah sortir, donc on s'attend quand même à avoir cette tendance. Également, on va parler de Comp bien sûr. Alors qu'est-ce que ces nerfs au niveau des ADC peuvent vouloir dire du côté de Comp? Eh bien quand même, en saison régulière, Triton, on l'a vu très solide sur Kaitlyn, une bonne nouvelle. On a un Trimby qui est très bon sur Lux et sur les champions enchanteurs. Oui, ça peut très bien marcher, même sur Thresh ou quoi. Enfin, y a vraiment des champions qui fonctionnent très très bien avec Kaitlyn. Il faudra faire attention à cela, parce qu'en BO5, c'est facile de flipper une game de Kaitlyn et de se dire que peut-être on peut avoir une tri-win juste via la botlane. Mais aussi, je le trouve très très fort sur Lucian et sur Kai'Sa. Il est plutôt correct sur les champions globalement qui sont playmakers. Comp est parmi les meilleurs ADC possibles, je pense, en LEC actuellement. Et pour la Kai'Sa, dans ce style-là, qui a été beaucoup joué par DRX, le Ekarim Kai'Sa Ultra Dive-In pourrait peut-être être une bonne chose pour les Rogues qui, en plus, ont des bons early games très snowbally. Donc, on joue une grosse compo dive, et Malrang est incroyable sur Ekarim, et on prend les misfits très très vite comme ça. Moins de prédateurs pour Kai'Sa, peut-être, Triton, en lane. Ah, le truc, c'est qu'Aphelios et Jinx étaient ses prédateurs naturels très très forts, et ils ont été un petit peu nerfs en face de lane. Donc peut-être Kai'Sa peut ressortir un peu plus, mais ça, enfin, des bons laners détruisent des Kai'Sa. Ouais, donc c'est une option, mais c'est pas forcément le pick qu'on attend le plus. Nous verrons éventuellement s'il y a une situation intéressante pour une Kai'Sa du côté de Comp. Peut-être de Néon aussi, qui était une grande Kai'Sa par le passé. Bah, Kai'Sa Nautilus, c'est un combo qui marche, ouais, quoi qu'il arrive. Et je pense que du côté de Mercer, on est largement capable de jouer Nautilus. Trimby, je pense qu'il a moins envie d'aller sur ce genre de champion. Il a plus envie d'aller sur des choses spéciales et playmaker et plus counterpick, je pense. Ouais, mais Nautilus qui a l'air un peu broken en ce moment. Donc ça devrait quand même être un champion important pour les match-ups de botlane. On va bien sûr se pencher du côté de la midlane. On a fait l'éloge de VTO avant avec la All Pro Team. Petit comparatif des profils. Noah, tout de même, en lane, Larsson reste un joueur redoutable. C'est un joueur redoutable. Je trouve que les stats sont très représentatives. Par contre, un joueur qui ne bouge pas beaucoup, qui kill moins, qui va chercher du scaling à grand coup de Victor. Un moins bon teamfighter. Probablement aussi. Mais disons que VTO, c'est un peu le pompier de son early game, a beaucoup décalé vers le bot side. On se souvient de son suicide de Sylas après que sa duo lane les int au bot. Donc, c'est pas du tout le même profil de joueur. Il y en a un qui est là pour oppresser en termes de farm, en termes de CSing et sur la mid lane son adversaire, et un qui est là pour bouger, c'est plutôt VTO. Ou alors pour aller chercher peut-être des assassins qui scalent un petit peu plus et qui vont pop en mid game. On a le bilan direct entre les deux joueurs, hein, all time, et Triton donc. Alors, Larsson, alors tu es un spécialiste de Larsson, donc tout le monde t'écoute du coup. J'ouvre grand mes oreilles, donc Larsson meilleur teamfighter que VTO. Vas-y, pas forcément meilleur teamfighter, c'est un teamfighter différent. T'as un Larsson d'un côté qui joue beaucoup de matchs, qui joue très safe en teamfight, qui est dur à attraper, qui fera toujours des dégâts mais qui sera pas clutch.
Là où tu as un Veto qui peut faire un excellent teamfight comme le raté, mais quand il fait un excellent teamfight, il en a un V9 dans le teamfight. Pour moi, c'est juste des joueurs qui sont un petit peu différents et ça va dans les statistiques. Quand Noah disait qu'il y a plus de kills d'un côté, bah, c'est juste que ce soit du côté de Veto. Quand par contre, Larsen a plus de DPM, tu vois, et quand tu as un bon DPM, c'est que globalement, tu teamfight quand même bien. Donc c'est juste des joueurs qui sont différents. T'as d'un côté un mec qui est très conservateur, qui est très safe, qui joue ses champions, qui joue bien sa lane. D'un autre côté, un petit génie du jeu entre guillemets qui débarque, qui est un petit peu nouveau, qui a des champions qui peuvent apporter vraiment du 1v9 dans les drafts et dans les games aussi. Et forcément, j'ai de la fibre caps, etc. Et pour moi, la fibre des grands midlaners, elle va beaucoup plus du côté de VTO que du côté d'un Larsen qui est voué à bah, rester là toute sa vie et pas devenir un des meilleurs du monde, quoi. Après, c'est... passe. Alors, c'est pas non plus, je vais pas dénigrer Larsen, mais avoir du DPS en late game avec un Victor Corki qui envoie des obus ou des lasers dans un teamfight où on a un ulti, tu mets 20 000. Bon, non, mais honnêtement, il a une bonne c'est Organa. C'est plus facile oui. qu'un Sylas, quoi. Bah oui, mais à niveau LEC, faut ça. Enfin, honnêtement, il le fait bien. Au moins, ça, il le fait oui, bien. Il, ça, il le fait très bien. C'est certain, c'est certain. Vous parlez beaucoup de champions, messieurs, on va revenir sur les champions qui ont bien fonctionné pour les deux joueurs en saison régulière. Donc, on se souvient, bien sûr. Alors, le Victor pour Larsen, un 6-0, il est invaincu. VTO qui nous a sorti du Sylas, un des seuls midlaners à l'avoir joué. On a eu le droit au Yasuo également quand il y avait de la Diana. Et VTO également capable de sortir un Victor. Ouais, capable de sortir un Victor. Après, moi, j'attends plutôt sur du Ryze aussi. On l'a du côté de Larsen qui a fait des bonnes perfs de Ryze. Mais je pense que VTO peut lui aussi faire d'énormes performances sur le champion. Il y a la Akali évidemment du côté de Vincent. Et du côté de Larsen, il y a un champion qui peut revenir, dont on a parlé pour les botlane, mais qui peut revenir globalement, c'est Lucian. Et Lucian dans ce lane, ça peut revenir. Et Larsen est quand même un grand fan de Lucian historiquement. Ouais, non, effectivement, effectivement, c'est une possibilité. Lucian a été buff. Il prend un buff assez sympa. Hein. D'ailleurs, mais du côté de Larsen, bon, on a justement regardé un peu ce que donnait Rogue en playoff en saison régulière. On a voulu faire le même exercice du côté de Larsen et on voit quand même des symptômes également de son côté. Est-ce que tu as trouvé le verre dans la pomme? écoute, c'est, pour moi, c'est criant. Écoute, mais on aurait pu s'amuser à mettre les stats de Ant en play-off et en saison régulière. Pareil pour Inspire, de voir si c'était eux. Moi, je pense que c'était pas eux. Après, il y a aussi quelque chose qui s'est un peu dit sur Larsen, c'est qu'il était incroyable pour oblitérer des plus petits midlaners, qu'il était incroyable pour les opprimer, pour les oppresser comme ça. Mais dès que le niveau montait, avec un meilleur laner, c'était beaucoup plus dur pour lui d'aller chercher cette domination. Et qu'effectivement, on peut comprendre qu'en play-off, où les meilleures équipes se sont qualifiées et il n'y a plus, on va dire... ceux qui sont un peu persécutés, et bien tout de suite, Larsen, son style de jeu a un peu plus de mal à avoir de l'impact, en tout cas au moins en early game. Par contre, ce qui est bien pour Larsen, c'est que dans les interviews qu'il a fait au cours du split, il avait l'air d'être au courant de ça, ouais. Et l'air de vouloir prouver, et c'est pour ça que ce match-up est super intéressant, parce que d'un côté, t'as Larsen qui doit prouver qu'il est vraiment parmi les meilleurs midlaners de LEC, et t'as Veto qui doit prouver qu'il est le meilleur. Ouais. Ouais, voilà, et qui doit un peu confirmer sa place dans la All Pro Team numéro 1, hein, lui qui a brisé eh bien une très belle série de caps, notamment. Messieurs, on va bientôt passer à l'introduction. Les joueurs arrivent dans le studio, on est bientôt sur scène. Un pronostic, je veux un pronostic pour chacun. Noah. 3-0 Rogue. Quoi ? Ah ouais. C'est un dog. Moi, je crois pas dans les side lane de Misfit. Je crois dans VTO, mais j'ai un peu du mal au top. 3-1 Misfit. Il est ridicule, je suis d'accord. Moi, ce sera un 3-2 Misfit qui part. Twix. 3-0 Misfit pour Twix. Let's go. Noah sera bien sûr pendu sur la place publique pour ce blasphème. Mesdames, messieurs, il est l'heure. Larsen contre VTO. Rogue contre Misfit. Best of 5. Donc, début de ces playoffs du Spring Split du LEC 2022. Introduction. Et on est parti pour les matchs. Rogue are on top once more, but they have fallen at the last hurdle in playoffs time and time again. Is 2022 the year they finally win it all? First, they will have to prove themselves against everybody's biggest surprise of spring, the Misfits. I think Rogue is a really good team against weaker opponents. They are still a good team in best of five, but not as good as regular season. BTO, look for the back way. Flag it! On top of each other, top one. With Hardbreaker, Mercer, Davis, one on BTO.
VTO is on a rampage! And VTO! VTO! Remember the name, put respect on it! For Misfits, I just feel like it's VTO One Man Army. The fact that they don't have a lot of threats makes me not so concerned about playing Misfits. Here comes the Jigs Rocket! Not again, not again, not again, not again! This here is like very different. We have a good moment and we just play like we always do. Neon Cell, a touch, a double for him! The second time Misfits take a game from the jaws of defeat! Yeah, our early games haven't been the cleanest, and I think if we are able to look back on them, we can also improve. Honestly, it's everyone's game at the moment. The longest standing rivalry in Europe's history, but with two brand new lineups. Who will stand tall above the other? With a difference in play styles, this will make for a clash to remember. I refuse to lose. I think more than anyone, I know that what I did last year was not good enough. We keep getting better and better, and for playoffs we can be unstoppable. And now it's the Hillersang show! Hillersang did not give them an inch! Half of the coach Broken Blade with a solo kill in the top lane. We are playing mostly for top lane. Broken Blade is the best top lane in the league, so it kind of makes sense. Last time we played versus G2, they tried to salvage bot, but it was already too late. 3 for 3! This man can't miss! I would like to play against them when they play to their top side and see if we can carry harder. Fnatic is kind of keeping the same style of last year of just going bot, 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 and extra bot. He's going to end the season with 11 deaths, the new death record of all time. So when we go up against Fnatic, just shut down Hulusang, shut down Upset, maybe give him a few more deaths, and we're good to go. I refuse to lose, I refuse to lose. We're just all confident that we are good enough to win. Maybe we lose game one in playoffs, but the rest of the games we're winning. Not winning would just be a failure. XL's first ever appearance in playoffs will be against Europe's latest supposed super team. Interestingly, XL won both matchups against Vitality. And the question is whether the playoffs buff will be a reality or will XL continue their domination over Vitality. I think we had a lot of struggles. Every week we played a different game, and I think that was the biggest issue of regular split. They get the jungler, but the fight can now happen for Vitality. That's a massive Gnar ultimate, and Perks just blows them apart. I'm kind of known to get a playoffs buff, right? So I'm really looking forward to playoffs. It's gonna be very fun. From what we see in regular split is that XL has only one playstyle, right? Hopefully they will keep doing exactly the same so we can prepare against them easily. But I don't think they are that dumb. We're not very explosive, it's just that there isn't a response to slow and steady. I would say the explosive playstyle is more easy to get figured out. Oh, Perks, really not the play he was looking for. Now Afari's gonna be in trouble. Perks coming over the wall, tries to turn it, but Patrick still running forward. Massive play for XL. Lavrov goes all the way in with that Zenith blade. Costs him his life, but manages to pick up Markoon. And here comes Nuketuck. Afari is going to die. Patrick with the Shotgrims rips Vitality apart. I have had my focus on winning the split from the start, and now we've made playoffs, which was just like step one in the plan, you know? The wildfire is spreading. Who will win it all and who will crumble? The spring playoffs are here. Et oui, ils sont là, mesdames et messieurs, les playoffs du LEC Spring 2022, premier best of five. Misfits contre Rogue, match retour, parce qu'on n'a pas oublié le match aller, on l'a pas oublié. Ah, il était il n'y a pas si longtemps que ça, on seulement quelques mois, un PO5, tout de même très important, parce qu'il était qualificatif pour les Worlds, jouant 5 games, un Viego d'Inspire qui avait été incroyable en game 5. Il s'était passé beaucoup de choses, oui. Mais c'était des nouveaux Misfits. C'est aussi des très nouveaux rogues. Absolument, absolument. Beaucoup d'exodes vers le territoire de l'oncle Sam, bien entendu. Tout à fait, je ne l'aurais pas mieux dit. Bah, écoute, mais en tout cas, ça se passe bien pour eux. En tout c'est cas, pour Hans Mama, qu'on salue au passage. Super Best of 5. Vous avez toutes les conditions via le pré-show préparé par l'équipe. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous, mesdames et messieurs, qu'à profiter. Tout simplement, on rentre dans la draft. Les rogues Blue Side et le story ravageur de VTO en raid. Ah, le Red Side, on l'a dit d'ailleurs, en termes de pré-show. Et il est ravagé. Il est totalement ravagé. Il est totalement ravagé. Mais Blue Side, vraiment avantageux sur les statistiques de saison régulière pour ces deux équipes. Donc Rogue sur le papier pour la première game devrait avoir la main. Si on suit un petit peu ces choses-là, mais après c'est qu'un side. Bien entendu. Après,
C'est tout à fait raisonnable d'estimer la préparation des Rogues meilleure, car leur saison régulière l'a été bien meilleure, bien meilleure, beaucoup plus stable. Dépendant de comment l'on parle. Puisque, en réalité... Nonobstant, le début de saison, c'était quand même en 9-0. Bah, pour finir avec beaucoup de défaites. C'est normal. En termes de deuxième partie de saison, je dirais que Misfit a peut-être été plus fort. Mais Tréton, tu dis ça parce que tu n'as jamais été au sommet. Tu ne sais pas ce que ça fait. Et toi, tu as été peut-être. Mais bien sûr, j'étais au sommet. J'étais au sommet de mon art. J'y suis toujours d'ailleurs. Et je te regarde d'en haut de manière dédaigneuse. Excuse-moi, tout comme ce ban de Jinx où les Rogues nous ont entendus et se sont dit bon, Néon sans Jinx, il peut le regarder de manière dédaigneuse normalement qu'on peut. Je suis bien d'accord. On va voir s'il y a d'autres recettes qui peuvent être mises en place aujourd'hui. C'est un petit peu le questionnement à ce patch 12.5B et son sniping sur l'ADC, on va dire le plus important de la méta. Ouverture de draft, on y va. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Par exemple, un homme en bleu qui pourrait être très 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 intéressant, mais ce sera la tentative de hold-up de Game 1 à la Caitlyn. À la Caitlyn, on en parlait, très capable de jouer des enchanteurs, capable notamment de jouer Lux, capable de carry une game de A à Z avec comp. Ça va mettre énormément de pression sur Néon. Après, en termes de réponse... Zeri Open, hein. Alors, Zeri Open. En termes de réponse classique, Varus H. Tous les deux qui sont pas si mauvais dans la méta, qui peuvent être joués. Xayah peut être joué aussi. C'est des champions qui sont corrects contre Caitlyn. Et il a l'air de préférer la Zeri. Ils avaient déjà joué Zeri Yumi. Ça leur avait permis un comeback incroyable contre les G2. Ouais, c'était vraiment pas mal. Et en plus de ça, si on a l'occasion d'avoir une partie qui ne se conclut pas en 20 minutes, 3 items Zeri et la game est relancée, logiquement. Là où celle de Caitlyn, bien sûr, doit être toujours menée sur l'axe du snowball. Sinon, ce pick, évidemment, n'est plus aussi game-breaker. On aura le Xingzao de Schlatan, grand classique. Son Lee Sin a été respect ban, bien entendu. Très classique comme champion pour Schlatan. On n'est absolument pas surpris. À voir si on va chercher de suite le support, du coup, pour Trimby. Ouais, prendre Jarvan, c'est bien, ça. Alors que Viego est open, prendre Jarvan contre Xingzao, c'est Jarvan contre Xing, c'est full ratio. Hein. C'est une recette très délicate dans le 1v1 jungle. Le 1v1 jungle, il n'y a pas de solution pour Jarvan. Ah oui, c'est Xingzao. Non, bien sûr. Et là, la Lux qui fait bel et bien son apparition. Déjà, une draft sur laquelle les Rogues sont quand même confiants globalement. Je pense que c'est une draft qui leur ressemble pas mal. Et à voir maintenant côté Misfit. Est-ce qu'on répond maintenant avec le support ou est-ce qu'on prend un solo laner pour pouvoir ban deux champions de rire? Globalement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on enchante ou est-ce qu'on tamponne ici hein, pour les Misfits? Est-ce qu'on va à l'agression ou est-ce qu'on va bien à la course au scaling? Eh bien, on tamponne. Agression donc, Leona plus Zeri, ça reste une botlane qui peut surprendre. Maintenant, c'est difficile d'aller chercher vraiment Lux, Caitlyn, c'est eux qui auront la main en bot side. Et on va voir qu'est-ce que l'on va ban, est-ce qu'on va essayer de faire de la place sur la mid lane. Il va falloir blind pick de toute façon une solo lane pour Misfits. À voir s'il préfère donner le plus de ressources à Irith ou à VTO. Qui aura le last pick? Qui aura le counter pick? Quel va être le destin de Ryze? Bah voilà. Destin de Ryze, puisque forcément, quand tu joues la composition des Rogues, avoir un midlaner qui push and roam, c'est un petit peu la clé du succès. Mm-hmm. Ça aurait peut-être justifié un pick de jungle, un pick de midlaner par rapport au jungler. D'ailleurs, hein, c'est tout à fait sujet au débat, mais c'est retiré, quoi qu'il arrive, par les Misfits. Donc ce duel midlane. Ça sent très très fort la Akali, puisque là il y a LB, il y a potentiellement Ori peut-être qu'on voudrait retirer, et une Zoé qui pourrait également s'infiltrer. Attention, ne pas oublier aussi la Kai'Sa AP. Hein. Ah, c'est pas, il y a Kai'Sa AP, ouais. On sait jamais, on l'a pas non plus tant vu que ça, mais quand c'est une draft comme ça avec beaucoup de bans, Kennen, très bien. C'est pas non plus impossible. Et... ban de Ken pour on s'attend à peut-être un AD mid du côté des Misfits. On sait que Lucian, Larsen adore Lucian. Il adore ce champion. Et vu que Victor est ban, qui est normalement la réponse contre Lucian, bien, je pense qu'on peut se poser la question, clairement. Ouais. C'est vrai que Victor Ryze, je pense que c'est parmi les meilleures réponses. Ouais. Hein, Lucian. Bah, Victor, c'est vraiment top, top tier. Il y a Syndra aussi, qui est une très bonne réponse à un Lucian, et elle est retirée. Pour moi, c'était ban Syndra, ban Zoé, évidemment, pour les Rogues. Là, il y a un vrai danger de Lucian, et surtout, le bait serait potentiellement la Akali. Mm-hmm. La Akali qui se ferait... détruire par Lucian. Bah, détruire par Lucian en laning phase. Alors, il y a toujours l'espoir de jours plus heureux, mais... Pourquoi pas Akali en flex? Je pense qu'il était capable de la jouer. Ah, ce sera plutôt le Gnar. Mais tu vois, Akali maintenant en 4... et le mettre potentiellement top lane, sachant qu'Akali est vraiment jouable sur la top lane, ouais, pourquoi pas. Ouais, complètement, c'est le seul flex viable. Tout et là, s'ils font Lucian Akali, ils ont un double flex incroyable. Ouais, complètement. Ce qui fait que tu as un match-up top dégueu. Quoi qu'il arrive, logiquement. Est-ce que vous devez amener après les caps de jouer ce champion?
Tu n'as pas juste joué un Graves. Oh la Trindoule, oh la Trindoule. Le bruit du Ghost. Alors, ça me fait plaisir. Merci au doigt amené. Après, c'est dangereux, malgré tout. Et s'il commence à passer derrière, c'est fini. C'est terminé en side lane, mais dans les premiers niveaux, il a de quoi se battre. Attention, est-ce que Larsen est capable de jouer le Rumble mid lane? On ne sait jamais, c'est une possibilité. Je ne pense pas, je mais ne on ne sait pas jamais. Du tout. Là, Larsen, c'est 100% Lucian mid. Et, il va prendre et on va quand même prendre l'Akali. On croit, en fait. Ah non, on n'y croit pas. Okay. C'est un bon pick. Parce que la laning phase perdue pour Akali, in touche, one tap Lucian avec mon R. Bon, on connaît, on a tous fait des solo queue, on connaît notre destin. Là, Zoé. J'avais pas dit Zoé. J'avais dit Zoé. Attends, j'ai un monstre. J'avais dit Zoé. Zoé, probablement Aeri avec une force de lane qui est quand même normalement de trade contre un Lucian. En termes de 2v2, Xin Zhao Zoé. Ça envoie quand même du lourd pendant que le caméraman est un petit peu en galère. Mais ça envoie vraiment du lourd du côté des Misfits. On a vraiment mis jungle très très fort et on sait que c'est leur principale win condition. Donc j'ai envie de te dire, en termes de draft, côté des Rogues, on a eu ce qu'on voulait, on a une botlane forte. Côté Misfits Gaming, on a eu ce qu'on voulait, on a un mid jungle costaud. Donc globalement, c'est ce qu'on devrait voir quasiment durant tout le BO. Ce que j'ai envie de dire, c'est pas forcément très élogieux pour les Rogues, mais je n'aime pas du tout leur composition. Mais alors pas et du tout. Pourquoi cela? Il n'y a pas de CC. Il y a peu de CC. Il y a Jarvan Lux, mais c'est vrai que c'est peu. C'est peu. Et c'est un énorme problème, et ça me rappelle les compositions Rogue spécial playoff, où tout le monde se vadrouille un petit peu sur les sides, et où il se passe un petit peu n'importe quoi. Maintenant, évidemment, la laning phase, la phase de lane, peut totalement leur offrir la victoire si elle c'est est menée à bien. Il faut faire des très bonnes phases de lane. C'est du pur Rogue. Et sur le papier, Lucian, c'est une bonne phase de lane, qui était une luxe aussi. Bien sûr. Mais Kevin, qui va attraper Pikachu? J'ai personne. T'as personne, mais pas parce que Jarvan est un champion nul. Après, est-ce que Pikachu va sortir de la laning phase? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est pas sûr. Et c'est censé pas être facile. Vraiment, vraiment pas facile. Surtout contre Trimby, qui ont été quand même excellents durant toute la saison. Absolument. Mesdames et messieurs, vous avez les échantillons, vous avez la situation, vous avez toutes les infos pour cette game numéro 1. Les playoffs du LEC démarrent enfin après 2 semaines de pause. Rogue contre Misfits, best of 5. Ça commence tout de suite, installez-vous, c'est parti! On est parti en effet avec des musiciens qui ont déjà une idée sur le niveau 1. Ils ne veulent pas se faire abuser par Trimby et par la Caitlyn, donc on veut aller mettre de la vision. On peut peut-être aller mettre une ward du côté de Néon en face de lane d'emblée. Je pense que ce sera intelligent si jamais la Leona arrive à avoir le contrôle des bushs. En réalité, c'est fine. C'est très important ce contrôle des bushs. Évidemment, Lux peut scout avec son E, mais c'est un sort de peau qu'elle n'aura plus, évidemment, pour la lane en elle-même. En tout cas, il ne faut absolument pas start bot, start leash, etc. évidemment. Passage, un Trimby qui joue de manière super agressive. Oui. Parce que honnêtement, jouer sans Resolve contre Leona Zeri, c'est très dangereux. Jouer sans Guardian. Ah, c'est Lux AP mid, quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est Lux AP. Et je peux comprendre parce qu'ils ont besoin de dégâts AP si jamais on doit amener à pas une game de fou. C'est bien d'avoir comme ça un autre AP dealer potentiellement dans cette draft. Mais t'as vraiment pas le droit à l'erreur car. Eh bien, il n'y a pas de heal, il n'y a pas d'exhaust, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout. Si on se fait choper, la Lux, globalement, explose. Totalement. Et là, du coup, ils n'ont pas le contrôle des bulls, ce qui est un véritable problème. Néon est le premier à taper la wave, donc peut-être que Misfits pourrait bien s'en sortir sur la botlane pendant qu'on voit Odo amener, qui joue à la comète, qui a l'air de connaître son match-up, qui va jouer avec les bulls, évidemment. Absolument, avec un start lance-flamme. Évidemment, Odo amener, on ne l'attend pas performant sur les premiers niveaux, mais il a un Ignite, donc dès le niveau 3, en réalité, avec l'Ignite, ça peut totalement partir. C'est vrai qu'il joue Ignite. Oui. C'est pas le type de top laner que j'aurais vu jouer Ignite, jouer à ce point à la lane. Mais écoute, on n'a pas eu le temps d'élaborer un peu plus, mais aujourd'hui sur le top side, tu peux pas, à mon sens, jouer Rumble sans Ignite. Ok. Sinon, ça sert à rien de le drafter, quoi, globalement. Tu n'as pas assez de burst en early game pour vraiment passer devant sans l'Ignite. Il faut que tu sois une menace avant qu'il y ait de la RM qui stack. Et étant donné qu'on a un Hexdrinker fort aujourd'hui, c'est extrêmement problématique. C'est vrai que l'Hexdrinker pourrait être une très belle solution. Pour juste sa phase de lane, alors qu'on voit évidemment le push sur la mid-lane du côté de Larsen, mais tant que Veto ne prend pas trop de dégâts et arrive à farmer, on est plutôt content sur une Zoé contre Lucian. On est d'accord, on voit qu'on prend un petit peu la sauce au niveau de Néon, mais les potions sont encore nombreuses et utiles. Malrang, on est très early. Red Raptor Gromp, j'imagine, oui, tout à fait. Et on voit aussi qu'en termes de warding tôt dans le match, les rogues, les wards sont bien travaillées, elles sont posées assez deep dans la jungle, elles donnent de l'information à Malrang qui peut donc. Peut-être tenter un dive sur le top side avec aussi le dégage de Larsen et personne n'est présent pour couvrir Irith qui est très loin de son dégât.
Il est probablement déjà condamné. Flasher le combo serait une bonne approche ou alors un petit rebond. Superbe. Il n'y a pas de CC, donc le flash est salvateur. Et pendant ce temps-là, sur la bot lane, ça soulève et ça élimine. First blood pour les lapins. Ah, dommage, dommage. Le lapin se fait attraper sur le dernier coup de comp qui va prendre un double buff. Petite mauvaise nouvelle tout de même pour la botlane des Misfits. Pendant que sur la top lane, Malrang reste un petit peu longtemps et pourrait être puni par une belle bulle de VTO. Et on agresse que de Mersa. Il est complètement bloqué ici comp, mais avec la régénération, il a encore des consommables. Honnêtement, c'est des vacances. Et la lane a beau ne pas être dans le bon sens pour lui, il peut tout de même y accéder. Il n'y a pas de souci. Là, il faut absolument réussir à la push cette wave du côté des Misfits. Il faut absolument réussir à prendre son back avant que la Lux ne revienne, sinon ils sont dans une situation. Respect, Kirit, respect. Kirit se fait brûler jusqu'à la fin. C'est le full timing. Et par le lance-flamme de Odo Amné qui prend les devants dans son 1v1. Il n'a pas respecté. Il n'y avait même pas besoin de l'ignite. Ouais, je suis d'accord avec toi. Titan qui était pourtant vu hein, du côté de Trimby. Ah, le flash-in est très bon pour Mersa. La cage de Trimby gagne quand même pas mal de temps sur Néon. Et derrière, Shatan est obligé d'aller super loin pour trouver le kill, avec d'ailleurs au passage pas mal, hein, un petit juke de Trimby sur le W de Xinzao, plutôt stylé. Ouais, pas mal du tout. Shatan qui tombe, je sais pas si c'est vraiment rentable hein, cet échange. Je dirais que non. Je dirais que réponse négative également de mon côté. C'est vrai qu'il est first strike ce Jarvan, tiens. C'est vrai, c'est très étonnant. C'est logique avec Jarvan. Comment ça c'est logique? Bah, c'est logique parce que tu as toujours l'initiative et tu as juste une phase de burst. Donc si tu veux vraiment faire de l'inflation, c'est pas mal. Ouais, mais moi c'est le même principe que Kha'Zix, genre. Ouais, je comprends bien ce que tu me dis là, mais moi je le vois en seul frontline. Je le vois bien sur un Conqueror contre 3 mêlées. Il m'aurait mis bien sans Conqueror. Ah, le Conqueror te rend pas spécialement plus tanky. Ouais, mais plus combatif. C'est sûr, c'est sûr. Bon. Qui peut être important contre un Xinzao. C'est-à-dire que là, contre Xinzao. Bon, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de chance. Après, les Jarvan aujourd'hui, c'est vraiment in-out quoi. C'est pas faux. Après, il est full tank. Hein. Puis c'est un Jarvan coréen, donc on va lui faire confiance. Ouais, ça doit être certainement un build qui nous vient de Chine là. Il a fait quoi, Style of Me en ce moment là? J'en ai absolument aucune idée. Parce que là, on est parti sur Cendre de Bami tout de même. Mm-hmm. C'est pas très commun pour un Jarvan. C'est vrai que c'est pas commun du tout. Ça sent l'item Bami into Warmog ou un délire comme ça. Ce genre de choses qui a été fait par SOFM en effet durant ce split. Irith qui a maintenant une énorme wave en sa faveur. S'il n'a pas d'aide et que Odo Amné passe niveau 6, Irith pourrait remourir. J'en ai très très peur, Twix. C'est totalement probable. Tu vois que Shatan est totalement vu puisqu'il est sur des wards actuellement sur le bot side. On voit que Mersa veut continuer de mettre de la pression avec un X-Flash. X-Flash, lame zénith. Non, on a bait le coup de filet. Le CD est assez long, mais l'opportunité semble pas vraiment être au rendez-vous. Tant que le farming se porte bien en soi, c'est une victoire pour la lane qui est contre Caitlyn. Totalement. Et le farming pour le moment se porte plus que bien. Par contre, malheureusement, du côté de Shatan, on a back sur une ward. On a l'information pour Malrang et on peut démarrer le dragon et le réaliser solo de manière extrêmement safe. Sur la mid lane, rien à signaler. Une Zoé qui continue de bien farmer, même mieux farmer qu'un Larsen sur Lucian. C'est une très bonne nouvelle pour Vincent. Absolument. D'autant plus que voilà, c'est un Lucian mid, donc TP. L'opportunité peut se pointer à n'importe quel moment, à n'importe quelle bulle. Il faut dire que je trouve ça assez osé de ne pas respecter la Trouble Bubble ainsi que l'ulti Leona en tant que Lucian mid. Je te rejoins. Que c'est un petit peu ballsy de la part de Larsen, peut-être une QSS, je ne sais pas. Une QSS. Après je pense qu'il préfère partir sur le Axe Drinker. Ouais, j'en ai bien peur. En tout cas ça fait une cible extrêmement viable dans le mid-game. Même dès maintenant ça devrait être d'ailleurs la source d'attaque du côté des Misfits. Je pense que Shatan pourrait jouer un petit peu autour de VTO. Il suffit juste qu'il arrive à trouver un bon angle de gank et on pourrait le punir. Et si Lucian commence à passer derrière, c'est quand même un champion qui a beaucoup de mal si jamais il se retrouve un petit peu en retard en termes de gold ou d'expérience. Ah, on est bien d'accord. La seule problématique, c'est que Irith, il est forcé de s'itémiser contre de la paix. Mm-hmm. Et donc, quand Larsen va occuper le side, ça risque d'être un moment Nutella. Ça va être très très difficile. Honnêtement, le fait qu'il commence aussi mal sa game Irith, c'est un peu inquiétant pour la partie et c'est même un peu inquiétant pour le BO. Bah, c'est même pas tant le fait de se faire solo kill, ça peut arriver. Hein. Odo Amné est un excellent top player. Pas là, comme ça. C'était. Ouais, non, pas comme ça, Zinedine. En vrai, Irith, il fait vraiment mauvais split, on va pas se mentir. Par rapport à l'année passée, on s'attendait à ce qu'il progresse, qu'il soit peut-être parmi les meilleurs tops en réalité. Bah, il a pas encore atteint ce stade de sagesse. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il a même régressé. C'est ça qui me fait peur. Playmaker. Ouais, j'ai vu. Tu es soit un héros, soit un zéro. Ouais, mais là il est trop souvent en zéro. C'est ah ouais, vrai. Mais de temps en temps. Laisse-moi le flame. De temps en temps, un petit héros. Bah, de temps en temps.
trois fois dans la saison, respect à lui. Ah, c'est définition de temps en temps. Mersa, niveau 6 contre niveau 5, Trimmy, c'est un timing où la lane s'inverse un petit peu, elle est plus en faveur de Leona maintenant. Ah ouais. On a plus les... Ah ouais. Quoi? Ah c'est stylé ça hein. Bah nous on a plus envie de jouer la game. Il y a quoi dans son fusil? Ah je ne sais pas. C'est des balles doum doum. On va pull le héros de la faille. Extrêmement surpris par les dégâts qui ont été faits. Mais il est vu ce héros de la faille, on a une belle vision. Du côté de Erit, on a l'information. J'ai infightable ce Herald, hein. L'equalizer va equaliser tout le monde. Ah. Tu sais, Xin Zhao costaud. Hein. Xin Zhao costaud, c'est vrai. Xin Zhao equalizer, ils s'en foutent un peu. Hein. Ils marchent dedans. Xin Zhao niveau 6, moi je veux combattre. Hein. Xin Zhao et Leona qui sortent de la base, qui vont vers le top side. Ah, mais si, je veux un combat. Et je pense qu'avec ces champions-là, ils devraient l'emporter. Peut-être si on a un bon méga, on peut avoir un fight tout à fait pixel. Manière où on est en supériorité numérique. 4v3, il faut le faire. C'est vrai que Trimby est un petit peu au champignon. Il est totalement en train de... Il est aux fraises. Il est totalement pas présent. À voir maintenant s'il va bouger. Mais c'est dommage. Hein. C'est une bonne nouvelle pour les Misfits de réussir à casser de la face de lane botlane aussitôt. Avoir un support qui roam, forcer peut-être le roam en réponse de Trimby. Ne peut jouer le 2v2 avec aucune plate. Un écart en farm absolument inexistant. Les deux ADC qui sont 1-0. Vraiment, pour le moment, l'early pour Misfits sur le bot side est excellent. Et c'est le moment le plus dangereux, comme on vous en a parlé au niveau de la draft. Alors, ce spellbook de VTO nous a ouvert un Ignite où il jouait avec Ignite de base, je ne sais plus. Non, il jouait avec TP de base. Donc, il a swappé Ignite, donc il a une idée, une intention, un projet. Sur l'entre de ce fameux héros de la faille. Bon sweeper, très bon sweeper. Il récupère la vision. Il est important celui-là. Malrang perd beaucoup de temps depuis tout à l'heure sur l'Herald. La bubble. On sait qu'il y a au passage, Lux, très très bon champion contre Zoé. Excellent. Ouais, tu peux bien pré-shot la cage en effet. Attention, la guerre du héros de la faille est sur le point d'être déclarée. On a un timing méga, on a des flash out, un superbe combo qui s'enchaîne. Equalizer est parfait. Avec le cataclysme, on prend beaucoup de dégâts. Shatan qui est immunisé, mais pas du tout VTO. Et un peu comme prévu, le fight est délicat, voire totalement loupé. Ouais, on perd le flash très tôt pour VTO sur la carte. Très bien joué de la part des Rogues. Très bien joué de la part des Rogues en effet. Trimmy qui force un flash super tôt. Et derrière, sans flash contre un Jarvan, il n'y a absolument aucune possibilité d'outplay. Et c'est les Rogues qui vont l'emporter sur ce héros de la faille. Et Trimmy qui encore une fois fait la différence avec cette toute petite cage. Et le top laner des Misfits était complètement bloqué puisqu'il n'avait pas la priorité pour décaler dans cette river. Donc probablement pas le bon endroit, pas le bon moment pour les Misfits. Et les Rogues, là, c'est parti. Jusqu'à présent, la game était stable. Là, on peut commencer à s'inquiéter. Faut commencer à s'inquiéter, en effet. Surtout qu'on a push la wave mid lane, puis push la wave top. On fait perdre pas mal de ressources. Et Jarvan Rumble. Le trade de flash est vraiment... Il y a la lucidité de Malrang, hein, tout de même. Ah, il se fait pas cesser par Mersa. Frame 1, Ibour, ulti, flash out. Surtout qu'il a combo pendant le stun ultimate de Mersa. Donc il a réussi à trigger son combo malgré les CC. Très très bien joué de sa part. Et Odo Amné, qui a déjà son premier item. Tout à fait, Proto Belt. C'est pas des sandales de Mercure qui vont totalement changer la donne. Après, il a pas de bot spell pen non plus, donc il y a un petit moment, un petit timing. Il a pas démoli. Hein? Il a pas démoli, Chirit. En effet, qu'est-ce qu'il a bien pu prendre? Il est en jeu de jambes, donc il doit jouer en... Et je vais en résoudre. Unflinching conditioning, genre? Ou ah, second wind? C'est très décent de pas avoir de... Bah, étant donné que t'as deux choix, je pense que second wind, c'est raisonnable. Ouais, mais... Après une flinching pour le CC, ouais je sais pas. Mais démolish, sachant qu'il y a une game où potentiellement en side lane il pourrait être un petit peu le roi et tout, il pourrait mettre l'absence sur un rumble, je suis un peu déçu. Pour moi c'est un peu une game Hullbreaker quoi, t'es contre un AP top et tout. Il y a toujours le problème du Lucian qui sera sur sa lane potentiellement, mais on va voir ce que ça va donner pour Irith. En tout cas ça part pas très bien. Ouais. Et les missiles qui vont tout de même jouer dans cette river, qui vont prendre de la vision, qui essayent de faire un maximum, et on a le Chimico Scaphandre de récupérer par ce Jarvan. C'est tôt hein. Il est bien malin. Ouais, le double mythique top jungle, il fait pas plaisir, surtout qu'on va voir le double spike Gale Force de Larsen Comp. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est imminent malgré tout. Et on a un Veto qui a pas de flash, sauf qu'une Zoé qui est absolument freakill. Ah, Zoé, absolument, est freakill. Le Chimico Scaphandre, heureusement, il a récupéré un petit. Qu'est-ce qu'il a utilisé pour s'enfuir Veto? Le heal qu'il avait swap. Ouais, qu'il avait swap en effet, ça m'a mis très très bien de voir la course entre Jarvan et Zoé. Néon par contre, Trinité, bonne nouvelle, mais en face, Gale Force pour comp. C'est sûr, mais le timing est relativement similaire pour les deux. Mm-hmm. Donc bonne nouvelle pour les Misfits. Correct. Il faut en trouver, il faut en trouver.
parle beaucoup de Veto dans cette équipe de Misfits, mais là pour le coup la win condition ça peut être aussi l'Azeri qui a une game gratos puisque peu de CC en face. Donc si Néon est bon, il peut totalement prendre cette game sur son dos. Disons qu'il faut pas cramer son dash avant de se faire cataclysme quoi. C'est ça, c'est tout. Et il y a juste la cache, faut pas courir dedans, mais normalement Azeri c'est bon. C'est vu, hein, c'est complètement vu, il y avait une pink ward dans le dos de Mersa, peut-être un nouveau solo kill ici. En tout cas il est quasiment cuit Eric, il est quasiment cuit. Ça va, l'Equalizer sous la tourelle en légende. Bon, sur la botlane, ça pourrait commencer à craquer en dessous de l'Euro de la faille pour une Caitlyn à 30 secondes de la fin des plates. C'est un très bon timing pour les rogues. Et ce Euro de la faille va évidemment charger. 480 pour Malrang. Qu'on peut pas être gold ? Bah, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression non plus, donc ça reste ok pour Misfits en vrai. Le gold sur Jarvan, on s'en fout. Plus ou moins. Oh, il est quasiment full build déjà, hein, je dirais. Hein. Mm-hmm. On fait quoi après? On fait force de la nature et c'est bon. Un petit peu d'armure, un randuin, quelque chose comme ça. Randuin, force de la nature, allez hop, c'est le but. C'est pas ces items qui vont faire peur du tout. Non. D'ailleurs, juste une petite stopwatch. Même moi, Jarvan Zonier, j'aime bien. Je sais que c'est beaucoup fait en support, mais je trouve que même en jungle, pour temporiser dans ce genre de game, pourquoi pas. J'avoue que si je donne des plaques à mon Jarvan et qu'il fait un Zonia, je pense que je pète un plomb. Mais, je pense aussi. Mais bon, on est en LEC, donc pourquoi pas. Une stase peut faire la différence. Et puis il a de l'argent, après tout, hein. N'oublions pas qu'il joue en First Strike. C'est vrai que le First Strike a peut-être apporté un peu plus de ressources. On voit les Mystiques continuer de contrôler autour de ce dragon. Le premier avait été récupéré par les Rogues et on a une game assez calme. Ce qui, encore une fois, est en faveur des Misfits, que ce soit en termes de style de jeu ou de draft, je pense. Mais c'est vrai que la course au dragon n'est pas forcément intensive. C'est dommage d'ailleurs peut-être pour les rogues. Pour les rogues, mais étant donné qu'on joue avec une TP sans. Enfin un top sans flash plutôt. Sans TP pardon. Tout à fait. Un peu problématique Mersa. De s'investir partout. Flashing de la part de Mersa, on arrive à connecter le combo sur la lutte. Salut, qui se fait full snipe. Superbe follow-up collectif de la part des lapins. Est-ce qu'on peut suivre sur compte? Est-ce qu'on peut toucher la bulle du côté de Veto? Il a un flash Veto, il pourrait peut-être le faire avec sa Zoé. Non, on va pas aller jusqu'au bout, on veut retourner sur le dragon, le faire le plus rapidement possible. Le problème, il y a le push sur la midlane du Lucian de Larsen. Et le dive top qui va arriver. Exactement. Un menu Mac Dive pour Irith. Après, il est en méga. Hein. Un méga menu Mac Dive pour Irith. Malrang. Ah non, il fait juste les Raptors, ok, très bien. C'est Larsen après tout. Ah, c'est un peu dommage quand même. Ah bah là parce que c'était le crash de la wave et tout. Un kill botten pour Misfit plus un dragon contre des raptors. Bon, puis c'est la Gale Force donc c'était vraiment easy peasy hein. Mersa incroyable. Cette ward évidemment salvatrice. Il joue super bien Mersa. Il traverse le Jarvan, il le fait vraiment bien. Ouais, c'est très pourtant très le flash de Tribi est pas loin d'être bon. Il est pas loin d'être bon mais il a été tag par la lame Zenith. Et le follow-up, bon pas la moindre hésitation, Shlatan c'est flash in. C'est flash in. Ça joue plutôt bien, mais tout de même première tourelle par contre pour le Rumble de Odo amené. Je sais pas qui est la tourelle en premier entre la Zeri et le Rumble, en tout cas la tourelle bot 7 qui est tombée en fort des Misfits. Je crois que c'était bot le premier. On a répondu avec la tourelle top lane du côté du Rumble qui aura donc beaucoup beaucoup de gold. Tout à fait, tout à fait. Mais ce Rumble bien entendu a une minute de péremption au sein de la partie. Alors quelle est cette minute justement? Quoi, ça dépendra beaucoup de l'itémisation collective des Misfits, mais globalement ça dépend de la viabilité du fait d'aller au corps à corps avec Rumble. Viabilité relativement faible dans cette game hein, tout de même. Bon, elle est haute pour le moment, surtout avec un Malrang. Si entreprenant Malrang, c'est du zoning pour le moment. Mais oui, en tout cas, la gestion de la sidelane va être rapidement très compliquée. J'estime à peu près à 200-230 de farm, ça va être le prime de dos amené et après c'est. Très bien. Après ça va descendre. Ça dépend comment ils le jouent, mais a priori Rumble c'est quand même du mid-game et de l'early. Et on voit d'ailleurs Odo Amné qui est présent, qui va se battre. Mersa qui est en blind! En blind! Absolument incroyable! L'Equalizer fait quand même pas mal la différence, mais Odo Amné qui devrait tomber, il est coincé dans l'arène de son propre Jarvan, mais il a du stopwatch! Une stopwatch extrêmement clé, c'est loupé! Pour les Misfits, Larsen arrive finalement à porter assistance à ses coéquipiers. Et malgré cette divine engage, le résultat est complètement pour les rogues. Très décevant, pourtant l'engage était magnifique en effet, il n'y avait pas le follow-up, il n'y avait pas de suite VTO. Equalizer a fait mal. Hein. Equalizer a fait très très mal, le flash out d'Odo dans un premier temps a fait mal aussi derrière, en plus il avait la stase, il a vraiment très bien joué, il a très bien temporisé. Sur son Rumble, il fait pas mal la différence, il avait envie de fight et on le lui a offert ce combat et les rogues vont pouvoir enchaîner sur un héros de la faille en plus de cela. Après il y a beaucoup de summoners qui ont été utilisés, VTO un flash, Larsen en train de grid un red buff.
Une bulle. C'est trop ça. Une bulle pourrait le punir. Ah dommage, il a pas vu qu'il avait jump dans le pit. Larsen qui vraiment arrive après la teuf et il ramasse, et ça c'est une situation incroyable pour lui. J'imaginais qu'au début il est en train de cash sa wave hein, quand même. Hein. Après il décale, il prend un kill. Pas mal comme opération. Rien de très mal de la part de Mercer. Là on a Auto-Amené qui va dans un premier temps être repositionné par l'ultimate de Xen, il reflash dedans. Il stop pas sur le timing où il y a le boomerang et VTO aussi qui met son burst. Et derrière on est totalement out of pause pour Irith qui se fait juste récupérer. On est bien d'accord, les deux personnages les plus importants je pense des Misfits ne sont pas tombés, mais bon, les nouvelles sont mauvaises hein, tout de même, très mauvaises. On a le Zonia computé pour Auto-Amené, donc on a encore un excellent fight qui arrive. Et Schlatten qui veut peut-être essayer de se venger de ce Rumble qui n'a pas de flash. Ça peut être une bonne idée. Si on peut faire tomber Auto-Amené, ce serait vraiment très très bien, mais on le voit ici, le fameux dépoche au Rumble. Bien entendu, Equalizer Max Range. Et finito, il a un joli shutdown, c'est vrai, il y a beaucoup de shutdown globalement chez les Rogues. Un mauvais fight pourrait leur coûter doublement cher. Irith. Ok, très bien. Il conteste sur Malrang. Attention à pas aller trop loin tout de même pour que Larsen récupère la tourelle botlane. Ouais, ça trade cross map. On avance sur la T2, forcément on a un héros de la faille entre les mains pour Malrang. Est-ce que c'est le moment? Ça a pas l'air d'être un mauvais timing. On veut plutôt le mettre sur la mid lane j'imagine, pour que VTO, dès qu'il va ulti in, il y aura un spell de luxe. Je pense que oui. Ouais. Ah, le plus vite possible on fait tomber la T1 mid lane, le plus vite on est heureux pour Rogue. Et le plus vite VTO ne peut plus jouer la game. C'est vrai. Après il pourra se tapir dans les buissons. Certes. Mais bon, ce seront pas ses buissons. Je pense que sa game est vraiment difficile. Hein. Vu que c'est vraiment un champion embêtant. La petite bonne nouvelle, c'est que la Zeric Jarvan Néon aussi, hein, ont... est bien en termes de stuff, de items, ça commence à cogner un petit peu. Et oui, Jarvan aussi est un champion. Mais même Rumble en soi, dès qu'il ultime, il y a Rumble, Jarvan, Luke sur ses côtes. Hein. Ah, il faut qu'il ultime depuis le fog. Oui. On n'aura pas le choix. C'était peut-être pas l'idée du siècle. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être l'idée du siècle, la Zoé, pour le moment. Mais attendons de voir... un vrai mid-game et surtout des vrais dégâts de Zoé. Ah, il suffit d'un bon fight, il suffit d'un bel astro. Bah, c'est un petit peu engage, mais au bout d'un moment, si one-tap quelqu'un, c'est relativement worse. Défense de la mid lane, héros de la faille invoqué. Est-ce qu'on peut l'exécute? Ah, il sera défendu, hein, bien sûr, peut-être à grand coup d'equalizer. Oh, le couloir, il est beau l'equalizer, bien sûr. Mercer a forcé au flash out. Mais du coup, plus d'equalizer pour le dragon, mais plus de points de vie sur le support et sur le jungler. Le jungle est très très low aussi. On essaie de répondre un petit peu pour les misfits. On n'a pas vraiment les dégâts, comp un petit peu hors de position, mais dommage. Ça va, il a son support avec lui. Le dragon sera en faveur des Rogues. Une map infernale, une map qui leur sied tout particulièrement. Et on le voit, Schlatan et Mercer pour le moment ne sont pas assez tankés pour rester aux ultimates du Lucian et du Rumble. Ils se font juste zoner. Ouais, un pic AP top lane qui spike, c'est-à-dire qui a son pic de puissance aussitôt dans le match. Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. On peut discuter de Kennen par exemple. Et c'est intéressant parce que justement Misfit avait ban Kayn, il s'y attendait, ça s'attendait sûrement pas au Rumble. Je pense qu'il savait probablement que ça allait jouer contre un Lucian sur la mid lane, un Lucian qui est maintenant niveau 14 et qui déchire ce Gnarls quand il le veut. Ouais, complètement, il a une game totalement gratos hein, Larsen. Il a avancé Irith maintenant, pas sur Steam. Bon, il est mort. Il est finito, peut-être avec un jump. Non, même pas, il va tenter un trade un peu moisax. Mais ça ne va rien donner, il a pas de flash, hein, Irith au passage, vous l'avez certainement remarqué. Et il y a un call Baron Asher qui est lancé de l'autre côté. Va-t-il assez vite? Je ne crois pas. C'est mauvais, il y a un Rumble, il va vous ulti. Sortez de là les Misfits, sortez de là. Equalizer dans 3, 2. Ah bah il est parti. Oh Dieu, ça brûle énormément. Il a un Zonia Auto-Amené, quelle temporisation. Il va tomber, offrir son shutdown à la Zeri de Néon. Est-ce qu'il y a un futur? Larsen qui prend la tangente, Larsen dans le dos. Larsen pour la récolte, la culling. Et c'est une exécution sommaire du reste de l'équipe des Misfits. Attention, Néon tout de même en mode Pikachu qui peut rester un petit peu. Il se fait flasher de Barzan, il flashote Néon, mais il ne pourra pas prendre le kill. Il ne pourra pas trade. La grande question maintenant, c'est ce que Rogue peut Baron Asher. J'ai l'impression que nous. Non. Donc en réalité, pour Misfits, c'est pas si catastrophique que ça, même si là, ils perdent une téléportation pour pas grand chose. Bon, Irith. Quoi? Non mais je croyais qu'il allait cancel le bac, du coup je me disais bon, quand même. Ah, il a pas de vision en fait, je pense. Enfin, forcément, c'était logique. Le turn est plutôt bon de la part de Schlatten qui avait évidemment stack son spell sur le Baron Asher. L'ultimate de luxe parfait sur Mercer qui arrive à prendre le kill.
On temporise bien du côté des Misfits, mais Malrang il avait une stase. Il peut donc rentrer dedans avec son flash-in et temporiser énormément de temps. Trimmy qui flash-in, qui force la stop push de Shlatan qui se fait récupérer derrière par l'ultimate de Larsen qui fout très bien le coup. Veto ne peut strictement rien faire, mais c'est temps de trade. Et d'ailleurs, il arrive à tuer Trimmy. Mm-hmm. Et derrière, c'est pas loin que Néon prenne le kill. C'est vrai que le flash de Larsen est relativement sus. Ça s'est joué à un Q. En vrai, il a raté un Q qui était super important. Néon aurait pu faire le play. Complètement. Bah, c'est surtout que Larsen a waste son flash dans le duel. Un peu. Parce qu'il aurait pu éviter le Q du coup. Mais... Il aurait pu E et juste auto-attaque. Il aurait pu E auto-attaque, voir l'autre flash out et esquiver un Q avec son flash. Et... C'était la version safe. Mais bon, c'est une victoire quand même pour le Larsinator. Et du coup, on a 4K gold d'avance. Un peu plus pour les Rocks, 4K5. Ils ont surtout une très belle vision sur le top side. Ouais. Et cette vision-là, maintenant, pour Messi, pour la récupérer, ça va être extrêmement, extrêmement difficile, sachant qu'ils ont très peu de summoners. Ah, c'est une démonstration de Malrang Trimby en ce match, hein, pour l'instant. Et nous pouvons ajouter au Domné. On peut ajouter au Domné, même si... Son adversaire est sus. Même si l'espace de 30 secondes, Irith était faire 4. Oui. Mais l'espace de 30 secondes, ça peut arriver. Bon. J'espère que ça va pas arriver. Mais Malrang fait une game XXL. Hein. Oui. Il est vraiment très très bon. Passage à l'éternel pour Trimby. Intéressant. Intelligent, je pense, vu comment il se colline depuis tout à l'heure. Pas faux. Et là, on commence à avoir un problème en termes d'expérience sur les solo laners du côté de Misfit. On a un petit peu de retard. Les deux ont un niveau de retard. Ça peut vraiment peser dans la balance. Même problème sur l'ADC au passage. Tu sens que les ressources, ils les gèrent bien, les rogues. Oui, bien sûr. Ils savent remplir leurs poches, les caries des rogues. Elles sont blindées, hein, surtout celles de Larsen. Mm-hmm. Ce serait pas le moment de faire un dérapage pour le midlaner des rogues. Pas de stopwatch pour assurer, alors qu'il a pas de flash. Ah, c'est ça. Larsen voilà. Qui va prendre la foudre, il a pas de flash actuellement. Il y a 4 joueurs de rogues, il ne peut strictement rien faire. Et il tombera, bien entendu, les rogues qui n'ont aucune difficulté à disengage. Une bulle, c'est déjà out. Larsen qui joue avec le feu. Néon qui a ulti un peu tôt, il ne l'a plus disponible. Je savais pas s'il y avait l'ulti Zeri, donc il y a l'ulti Zeri qui est parti, ok. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les rogues où c'est une poke à ultimate 2 Caitlyn sur la mid lane. Avec ultimate 2 bon, en plus Nice barrière, bah ils ont fait. Il a raté le timing, on est d'accord. Il a raté, ouais. Et les rogues qui vont jouer safe, ils vont pas démarrer le Baron Nashor à raison, puisqu'ils n'ont pas de quarter sur l'ultimate de Jarvan, ils vont juste prendre leur kill, constater la vision topside et jouer sur le dragon, et ça pour le coup, c'est du beau League of Legends. Absolument, on laisse pas de place au random. Randuin. Ok. Il va se faire brûler. Hein. Il va se faire un petit peu Brulax Max, on est d'accord, Irith. Mais bon, après tout. Après le Randuin contre Lucine Caitlyn. Voilà, si son but c'est de sauter dans la barre. Malrangé, incroyable hein, par contre. Il va en faire 9 la game. Hein. Très très grave. Hein. C'est très très grave. On va juste tempo le méga. C'est bien, Shlatan. Tempo the méga pour les rogues. Et ensuite, eh bien, on resserre les taux. Alors, est-ce qu'on va par le nord, est-ce qu'on va par le sud? Faut que Veto trouve un poke maintenant. S'ils veulent remporter ce fight, faut que Veto fasse la différence ici et maintenant, Vincent. Et ça ne touche pas au niveau de la bulle. Le dragon est récupéré. Attention, il collision dans le couloir peut-être. Mais pas besoin de couloir. Enfin, Shlatan, il y a peut-être besoin d'un flash par contre. Shlatan il le temporise son flash pour le moment, il veut pas l'utiliser mais il va y être forcé, il le fait beaucoup trop tard. Shlatan est maintenant sur le flash lead de Balrog avec l'analyzer, il est parfait, tout le monde brûle du côté des Misfits. Est-ce qu'on peut répondre? Pikachu fait quelques dégâts et surtout Vincent. Pikachu le shutdown, Pikachu le shutdown, Pikachu le shutdown. Oh là là là, tu l'as, t'as sauvé, on doit amener. Incroyable. Qui a tapé dessus? Je te dénonce. VTO, Galeport, slash. Oh, c'est magnifique. Ah, il y a une cleanse. C'est cleanse, bien entendu. Il y a beaucoup de monde dans ce Dragon Pit. Alors, pas de chance. Il flash de loin quand même. Il flash de loin en effet. Est-ce qu'il peut choper Trimby? Est-ce qu'il y a de la vision? Il a une ward sur Trimby. En vrai, le teamfight était beaucoup quasiment... plus close que ce qu'on veut croire. Exactement. Le teamfight était quasiment parfait pour les rogues. En vrai. Parce que t'arrives à kite. Et pour un teamfight parfait, ils prennent pas beaucoup de kills et tu sens qu'il y a rien pour aller chercher Zeri. Une fois que son teammate de Jarvan, elle était pas dedans, cette Zeri, et derrière, elle peut DPS gratuitement aussi. Beto a fait pas mal de dégâts. Stan qui gride un peu son flash quand même. Oh, je pense qu'on peut dire plus qu'un peu, hein. On peut dire plus qu'un peu. Et Irith, pourquoi il a mis du temps à ulti? Parce que là, il trouvait pas la bonne occasion, j'ai l'impression. Après, il a dû flash out très tôt quand même, j'avoue, c'est dur quand même. Après, il stack son méga et tout, ouais. Pas fort en chose. Ah, le timing est close, honnêtement, c'est pas. C'est Odoamné qui a tapé la plante, non? Je crois que c'est Odoamné. C'est le Runan, enfin, j'ai l'impression d'halluciner. Oh, Irith qui. Ah, il a labouré le buisson.
On va pouvoir planter des tomates, hein. Non mais enfin, c'est dommage, c'est dommage. Ah oui, c'est pas de, bah, c'est pas de bol. C'est pas de bol, ouais, pas de bol, pas de bol pour Yorit. Et toujours eu des bols pour Misfit, ils sont dans la zone de confort, ils sont dans la zone de comeback maintenant. Oh, Shlatan t'as pas de la chance, Shlatan t'as pas de la chance, mon frérot. Le Ling et l'ultimate, la garde circulaire bien sûr, qui, bah, qui absorbe oh pas mal de choses. L'Equalizer qui est complètement gâché ici, l'Equalizer. Ouais, pendant que Comp par contre met un sacré tarif à Irit, bon sang Comp. Les dégâts avec sa Caitlyn, il ose même Gale Force in. Et il y a quand même quelques barres d'HP qui sont relativement low pour les lapins. Et sans ultimate, je pense que Shlatan ne veut pas fight. Mais sur la carte, c'est bel et bien Misfit qui met la pression. Pourquoi? Parce que l'Arsène actuellement est top lane. Ouais, on joue un petit peu en format full regroupé 4-1 into l'Arsène. Prend ses ressources parce qu'il veut son IE. Merci, non pas ici. Du coup, il y a peut-être un petit peu de confusion pour l'instant pour les rogues. Il faut reprendre le cap par de contre, ce baron H1. Irit, il sort de la base. Frérot, pourquoi tu as mid lane mais pas sur la wave top là? Il y a une énorme wave top sous la T1. Irit, mon frérot, va farmer, personne prend la wave top si tu Mais il y a les loups, il y a les loups, t'inquiète. Ouais, stacker ce méga oh sur non, les loups, est-ce qu'on va pouvoir scout? Est-ce que quelqu'un a un trinket bleu? Oui, VTO, VTO en a un, mais c'est un reset sur vision de Shlatan. C'est un reset sur vision de Shlatan. Eh bien, c'est ce que j'appelle un baron validé. Baron validé par les rocks, bon call de leur côté. Baron totalement gratos. Est-ce qu'ils pouvaient fight ici l'hémicycle? Je pense pas. Hein. Peut-être pas, peut-être pas. Après, quand ils vont poche avec un baron à charge, je pense qu'ils pourront encore moins fight. C'est probable, c'est probable. Parce qu'ils vont juste se faire repousser à coup d'ultimate de Lucian et de Rumble. Et normalement, tu peux pas faire grand-chose. Surtout que le Rumble, il a un Rabadon. Il a son prime, à 230 CS à peu près, comme prévu. Et là, donc, c'est... Ah, c'est le pic, hein, c'est le pic Dodo amené. Donc maintenant, chaque minute qui passe sont de moins en moins agréables pour ce Rumble. Il y aura juste le petit stéroïde du niveau 16. Ouais, il a encore du temps. Ah ouais, ouais, c'est il faut, sûr. Faut pas qu'il y ait 10 minutes de plus, mais dans les 5 prochaines minutes, il est bien. Le niveau 16. Oh là, le là, niveau 16. Là, dans la communication. Mais après, ça descend. Non, mais certes. Après, là, dans, ça descend. Là, je t'assure que dans la communication, au donné, en mode les gars. C'est le les mec gars. Délu, quoi. Ah, les gars, je suis bien. Eh, les gars, après, ça descend. Il peut pas être plus fort. Oh, oh peut-être maintenant, c'est très, très bien sur Trimmy. Trimmy qui prend la sauce, qui va se faire totalement one tap. Est-ce qu'on penche sur Malrock difficulté, mais il y a encore une fois une plante. Les dégâts de groupe sur Veto sont très, très bons. Et Larsen qui ferme totalement le choke. Il met pas beaucoup trop de dégâts. Il reste tout de même irrité. C'est pas oh, si mal. Gars, il ne fera rien. Pikachu, peux-tu faire quelque chose? Pikachu peut reculer. 3 pour 2, sachant que les rogues sont en baron. Powerplay, c'est une excellente nouvelle pour les Misfits. Excellentissime nouvelle, même j'ajouterais. C'est pas trop mal. Bah, t'interromps le baron Powerplay, c'est oui, une Oui, mais j'aurais aimé. Quoi? Que ce soit encore mieux, c'est-à-dire un kill sur soit Larsen, soit Comp. Parce qu'il y a des shutdowns bons. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, il faut. Plus. Bien sûr, mais c'était un bon travail de la part des Misfits. Bon, bien entendu, les rogues. Ils connaissent très bien leur jeu malgré tout, et c'est certainement une T2 mid et top hein, qui vont tomber au niveau de ses resets, au niveau de ses rest timers. Revoyons ce fight. Mersa, vraiment. Mersa fait une game assez dingue. Hein. Il donne vraiment tout, l'engage est parfaite. D'ailleurs, on est un petit peu deep et Larsen est super bien placé. Ah ouais, Larsen. Ce doigt fait tellement mal. Ah, très solide Larsen, la Kuling totalement safe. On rentre dans la garde, on supprime. Mais toi qui prends juste un ultimate de Caitlyn qui le sort totalement du fight. Et encore une fois en fait autour du dragon et les Misfits ont envie de le prendre. Et regarde la wave top va prendre la tourelle toute seule hein, quasiment. Quasiment plusieurs oui, fois la wave top, ils prennent pas le farm top et les Misfits depuis tout à l'heure. Ce qui va être bulle, un gros problème. Une bulle qui dérange. Larsen, attention joli pot qui se lit sur au doigt amené, Mersa, quel superbe engage de la part de Mersa, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On a récupéré le dragon au niveau des Misfits, une excellente nouvelle arrivée. Oh la bulette, la bulette. Pikachu, focus vas-y. Larsen, vas-y Pikachu. Irit, il peut go in aussi, Veto qui fait beaucoup de dégâts. Irit! C'est parfait, Veto, on peut enchaîner potentiellement. Il y a peut-être au dos amené à aller chercher pour le moment. Au dos amené a l'air d'être assez safe, pareil pour Larsen, mais ça reste un 2 pour 2 et surtout un troisième dragon pour les Misfits. La prophétie! La prophétie, Tréton! Peut-être. Quand on pense que tout est perdu, il se déchaîne. C'est loin d'être fini. Il y a toujours un ADC et un Meleneur qui ne sont pas morts du côté des rogues. On n'a toujours pas eu les shutdowns. On va revoir ce fight. C'est limite un peu dommage que VTO touche la bulle. Parce que du coup, ça a payé un petit peu son équipe. Alors que s'ils avaient juste de l'avant, ils l'auraient remporté encore plus ce fight. Non, mais Mersa. Mersa, il donne tout. Shlatan fait un très très bon smite. Là, il y a la bulle de VTO qui touche. Mais surtout de l'autre côté, Néon et Irit auraient peut-être pu plus aller vers Comp, vers Trimby. Ils sont tous retournés vers Larsen. Mm-hmm. Bon, il le zone out, ce qui est pas mal, et après Irit peut re-go-in. Après, il y a 1000 gold hein, sur Gugus. Hein. Oui, oui. Bon, on peut comprendre aussi, parce qu'il devait aider dans le 1v1 de VTO. Bien sûr. Ils ont plutôt, on va dire qu'ils ont joué le fight plutôt safe. Puis très honnêtement, Larsen a un petit peu
abandonné une position très favorable de son côté en marchant directement dans la bulle de Zoé de VTO. Donc ce début un petit peu de d'erreur au niveau de Larsen. En tout cas pour l'instant 8-0, c'est une masterclass, mais on sent qu'il est vraiment sur le fil. Il a un bon stuff. Maintenant il touche à tout n'importe qui. Ah, il a le stuff adapté à la game. Vraiment un très bon stuff, il est niveau 18 aussi. Donc ce Lucian pour le coup ne sera pas plus imposant dans cette partie. Hormis maintenant. Ouais, j'aurais bien mis une QSS hein, quand même, mais. C'est vrai. C'est vraiment osé de jouer sans QSS face à la composition de Misfits. Après Sandal de Mercure. Ouais mais même. Non mais je suis assez d'accord avec toi. Surtout quand tu vaux 1000 gold. De toute façon, l'important pour Misfits, c'est que Néon survive et que sa fontaine survive assez longtemps pour lui permettre de DPS. Et on le voit dans les teamfights, Néon n'est jamais touché. Et il met beaucoup de dégâts maintenant. C'est vrai qu'il a une BRK maintenant, le Boog. Hein. Ah bah, là, tu vois, maintenant. On aurait peut-être préféré une danse de la mort, mais pourquoi pas. BRK, moi, ça me va. Mais là, maintenant, Odoane doit être en mode les gars, faut arrêter de troll. Exactement, parce que là, il y a juste un Void Staff et c'est fini, topi pour moi. Bien d'accord. Larsen qui va jouer le site extrêmement deep avant le Nashor qui veut forcer une réponse sur la bot lane. En termes de vision, pour le moment, les rogues n'ont pas tant de contrôle sur le top side et c'est ceux-là qui sont censés viser. Ils sont pas prêts pour le baron, ils prennent la pression du dragon au niveau du soul point. Et puis, comme on en parlait, Jarvan Rumble qui commence à fall. Mais quand même, quelle game de Malrang. Hein. Sa game est incroyable. Hein. Mais bon, au bout d'un moment, Kemptang, Zonia, Anathem, c'est pas fait pour jouer 50 minutes de jeu. C'est fait pour être vraiment peak performance autour de la trentaine. Mais c'est vrai. Mais il mérite vraiment sa place dans le... Ah, il a... Vraiment, il a vraiment... Peu importe l'issue, mais Malrang a tout donné. C'est une première game de BO importante, hein, vu qu'elle dure un petit peu, qu'il y a eu des ministres du côté des rogues. C'est une première game qui peut faire un peu mal à la tête. C'est très mid lane hein, quand même cette partie. Oh attention à Malrang, attention elle à Malrang. Elle est très mid lane Malrang, une position Veto, t'as pas de, flash, de rêve. Veto t'as pas de flash, Veto pas de flash. VTO, Equalizer, le combo, il y a une stopwatch, il va prendre beaucoup de dégâts malgré tout. L'arrivée de Erid qui va aller bloquer le couloir, regardez le travail de Néon, mais c'est pas forcément suffisant. Shlatan qui temporise un maximum, est-ce que Ziri peut faire la différence? On a déjà vu d'un V5, on a déjà vu d'un V5, le moustique. Pikachu est activé, le moustique. Il est en 1v4, il fait reculer absolument tout le monde, regardez-le, Néon. Pour le moment ça temporise, Néon qui va flasher. Ouais, oh, Néon, il a pas les dégâts malheureusement, il peut pas prendre le kill mais il veut continuer à être sur son ultimate de stacker. Il ne pourra plus s'avancer, son ultimate va être perdu maintenant, ultimate de Kaitlyn pour le poke out. Regarde le nombre de summoners par terre. Et Néon va avoir du mal en effet. Et Irith, mon frérot, tu verras le fight. Je n'ai pas... Il s'est foutu de notre gueule. Ah d'accord, très bien. Le baron Nashor, forcément 4 morts en face, donc qui a récupéré le méga bonus sur Larsen au passage? Zeri, très pro. Ah non, il a pas le kill. Peut-être Shlatan du coup. Peut-être Shlatan, ok, très bien. Néon qui va quand même aller push la T2, 30 secondes avant le dragon. Regarde Iri. Je pense, il est pas loin du méga, je pense qu'il peut flasher sur comp et le surprendre. Franchement, son positionnement est pas mal. Hein. Non, mais regarde, il double jump sur comp là. Il pouvait le flasher et le tuer contre le mur, il double jump, il ne focus pas comp. Je te jure qu'il l'avait du fog. Mais bref, ce qui était une petite erreur de mon point de vue de la part de Iri. Après, il fait un grosse erreur de météo aussi. Hein. Oui, grosse erreur en effet sur la vision, sur une pink ward, s'avancer autant, se faire punir. C'est pas à lui de... Oh l'equalizer est vraiment pas mal, le laser par-dessus, mais tu es totalement out du fight, engage sur le flanc droit, c'est sur Mersa et Shlatan. On essaie de bloquer le cataclysme, pardon. Il faut back pour les Misfits. Et ce dragon, eh bien, Shlatan, il a envie de... Non, il fait son compte, tout va bien. Le dragon est totalement pour les rogues. Encore une engage de Malrang et on voit les dégâts de la Lux qui commencent à être présents maintenant dans la partie. Oui, en effet. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Shlatan complètement kidnappé. C'est une free mort. Et une free double mort. On va également rendre l'ange gardien inutile. Mais c'est carton écarlate. Mais il a choisi de taper la porte, je suis pas fou. Je veux le replay. Je crois qu'il l'a tapé. Hein. Il semblerait, peut-être un shift-click mal amené. Potentiellement, et du coup ça a coûté l'émetteur sur la mid lane. Peut-être la fin de game, si jamais on prend un mauvais fight ici. Cataclysme up, Equalizer up, le mur de Gandalf et ce dépop. Et c'est probablement la fin du match. Les Rogues auront su régner en maître sur cette partie. Quel Rumble, quel Jarvan,
Quel Lucian, quel Lucian, il est vrai. Quel Lux aussi, ça a bien joué du côté des Rocks, ça a vraiment bien joué. Oh, Irrit. Même si ça se trouve un petit peu en mid-game, globalement, c'est une copie maîtrisée de la part des Rocks dans ce premier match sur ce BO5. Bon, les Mystics, il faudra revoir pas mal de choses. Et les Rogues rentrent très 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 bien dans leur BO. Théma, la taille du jungler quand même. Il est super costaud, Malrang. Très bonne game de son côté. Petites erreurs aussi de VTO un petit peu. Bien sûr, bien sûr. Ils ne sont pas avancés contre une draft qui n'est pas assez à jouer pour sa zone, mais tout de même, Irrit qui fait une game horrible. Va falloir revoir ça du côté des Misfits. La bot lane. Très bien. Bah, Mersa. Belle bot lane de Misfits. Très très bon Mersa. Honnêtement, meilleur que ce qu'on aurait pu penser au début du BO. Donc il y a des choses côté Misfits, il va falloir revoir un petit peu pour revenir dans ce BO. Mais du côté des Rogues, on n'est pas surpris. C'est plus ou moins ce qu'on attendait dans. Bah, en arrivant dans ce match, on s'attendait à ce que les Rocks soient dominants en lane et des drafts comme ça, et un petit peu de mal en mid-game, mais qu'on coule quand même les parties. Ouais, ils sont rigoureux et surtout ils sont très playmaker car ils ont, j'ai l'impression, le leadership d'un duo jungle top, voire peut-être même sup. Hein. Trimbid a certainement beaucoup participé là-dedans, mais les combos étaient simples, mais surtout très bien exécutés chez les Rogues. Et donc, forcément, une si belle entame de best of five peut rapidement nous mener à un 3-0 sec si les Misfits ne réagissent pas et ne sécurisent pas mieux leur gameplay, car là il y avait vraiment un petit peu de partout. Mesdames et messieurs, on va marquer une courte pause, 1 minute 30, et on débrief avec les analystes, bien sûr, cette première partie du BO5 entre les Rogues et les Misfits. De retour pour débriefer cette première rencontre, victoire des Rogues, donc victoire solide, victoire plutôt maîtrisée, même si les Misfits ont eu certains bons moments dans le match. On a quand même senti les Rogues en contrôle de bout en bout quasiment. Twix, tu étais au cast. Malrang, quel animal. Malrang a vraiment mené cette partie d'une main de maître. Et je dois dire, c'est tellement facile lorsque tu as un jungler qui a le rythme, lorsque tu as un top laner qui solo bolo, et quand tu as un mid laner qui n'a littéralement rien d'autre à faire à part bang bang. La game est vraiment easy peasy. Tu as juste à te pointer sur les objectifs, laisser Malrang faire son œuvre. Et tu bourres derrière et c'est super simple. Bravo à lui, hein, vraiment. Alors bien sûr, on va demander à Noah ce qu'il a pensé du match, notamment de la performance de rythme. Mais d'abord, Twix, tu es spécialiste de Rumble. Le pic ressort là et Ignite. Bien sûr, Ignite, bah c'est l'air du temps. Les optimisations de top laner sont assez faciles en fait quand tu veux te prémunir contre de la paix avec les bots, les X-Drinkers, etc. Et si tu veux avoir de l'impact, Rumble c'est un pic prédateur, quoi, finalement. Et je le clame haut et fort, et je l'ai dit avant de venir sur ce plateau, même moi dans cette game, je solo kill Irrit avec ce qu'il a fait au niveau 3. Honteux. Noah. Et je suis puant. Il y a un Ignite sur ce Rumble. Rumble est un prédateur, a dit Twix. Est-ce qu'on n'excuse pas Irrit? Non, je l'excuse absolument à aucun moment. Ça m'aurait honteuse. Mais alors déjà, je trouve que le pick Nugna pour moi est mal draft. On est tout de même sur une duo lane qui va se faire push, il joue contre Caitlyn Nux. On est contre un Lucian mid. Il faut au moins une lane que tu peux abandonner en weak side et qui va s'autogérer. Un Gnar, on le sait tous, ça n'a pas de wave clear. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas loupé. Il s'est fait dive sur les premières vagues. Et encore, il arrive à très très bien jouer ce play où il arrive à esquiver. Mais déjà, le Gnar, on a trois losing lanes avec un Gnar qui prend la pression. Après, en plus, déjà que le pick n'est pas facile, c'est son seul bon teamfight d'ailleurs. Hein, parce que tous ses autres ultis, il les a mis dans le vent. Mais après, l'application de ce Gnar est catastrophique. Il fait une non-game, il fait une non-lane. Il fait des non-teamfights. Ouais, ça a été effectivement difficile. Twix, la bonne vieille formule Rumble Charvan. Bah ouais, un grand classique. Toujours efficace. Bah complètement, complètement. D'autant plus qu'ils ont dû grandement sourire lorsqu'ils ont vu la Zoé, parce que ça fait un pic de plus que tu peux hardlock. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi impactant, parce que à mon sens, il y avait quand même une mobilité suffisante. Et si tu mets les bonnes personnes devant côté Misfits, c'est pas si simple que ça pour Malrang de mettre son combo. Mais juste, Malrang a été très 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 créatif sur ses trappes dans les buissons autour des objectifs, c'est-à-dire il n'allait pas en front tout back un petit peu comme un one-head, il était dans le buisson, il mettait un combo, came tank, back, revient, etc. C'était une menace permanente et il fait vraiment, enfin tous ces dégâts finalement c'est quasiment Malrang qui leur permet de les mettre. Et on notera quand même, parce que Missile d'une certaine façon avait quand même pas trop mal lu les intentions des Rogues, parce qu'il ban Kennen en deuxième phase. Mais ils nous ressortent le Rumble, finalement. Et c'est vrai que, bah, ils semblent avoir deux arcs à leur corde. Enfin, deux cordes à leur arc, pardon. L'arc à la deux corde. Pour une corde. Pas trop. Mais du coup, deux cordes à leur arc.
Wow. RIP. Ouais, bref, ils ont deux champions AP, ouais, bordel. Ils ont deux flèches à leur arc. Mais deux flèches à leur corde. Deux cordes à la flèche. Non, mais bon. Deux arcs à la flèche. Bon, on va arrêter parce que c'est très grave. Mais point rassurant pour Miss Elite, en imaginant que ce soit un cas isolé de schizophrénie du côté de Irith, on a une très bonne duo lane. J'ai trouvé que Néon et Mersa avaient été excellents, notamment du côté de la Leona. On a eu des très bons engages. Dans les fights, la série a été bien gérée. Donc, moi, ça me laisse entrevoir qu'il n'y a qu'une personne très suspecte dans cette équipe et que les autres jouent plutôt pas mal. Shlatan, on va l'excuser, il se fait éclater parce que il a l'engage, il meurt, il se retrouve dans les equalizers, etc. Bon, qu'il ait beaucoup de morts, à la limite, ça peut se comprendre. Et VTO, sa game, Twix ? Moyenne, très, très franchement. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de play en laning phase. Bon, je pense que le match-up ne permet pas grand-chose. Mais il y a eu des bulles qui sont passées à un moment où la game était déjà... quasiment enterré, quoi. Donc ça a pas fait vraiment de différence. Son pic a été une vulnérabilité qui a été grandement exploitée par les Rogues. C'est plutôt ça le problème. Malrang a été très bon pour se jeter justement sur cette Zoé et combiner avec le Rumble de Odo, amené 1-0 donc en faveur des Rogues. En régie, est-ce qu'on a le side pour le match suivant? Pitié. Blue Side Misfits. Comme on vous le disait en pré-show, les deux équipes ont quand même beaucoup plus gagné sur le Blue Side qu'en Red Side en saison régulière. Oh putain. Ça semble être le side préférentiel et effectivement, les Misfits qui passent en Blue Side. On attend une réponse. Peut-être que ça va mieux se passer. Peut-être qu'on va réussir à structurer une meilleure draft du côté des Misfits. En tout cas, les Rogues semblent préparés et ils ont des bonnes vieilles recettes qui fonctionnent bien à l'image de ce Rumble Jarvan. On se laisse là. Match 2 à venir sur OTP LOL juste après la pause, bien sûr. Nous sommes de retour pour le deuxième match de ce Best of 5 qui commence, ma foi, assez mal pour les lapins, mais Best of 5, on a largement le temps de revenir. Absolument, trois manches gagnantes, bien sûr, les Rogues qui commencent bien, les Rogues qui avaient pu jouer en Blue Side. Qui est le side préférentiel pour les deux équipes? En tout cas, en saison régulière, on l'a dit, encore une fois, c'est peut-être un peu tôt pour... se prononcer sur ce que sera le meilleur side des playoffs, mais en saison régulière en tout cas, c'était le blue pour les deux équipes et du coup les Misfits qui mettent la main sur ce side ayant perdu la première manche. On va voir, Noah, ça change les règles de la draft bien sûr et on va peut-être pouvoir nous concocter quelque chose de meilleur. Et on a eu un premier aperçu de ce que les Rogues avaient aussi en soute. Et pour moi, il y a peut-être une première adaptation à faire. C'est pour moi, il y a un pick qui est quand même assez dangereux et très tôt on avait parlé, c'est ce Lucian qui est flex en plus. C'est ça le problème, donc tu peux le prendre et après aussi l'envoyer dans les mains de comp, hein. On l'a pas eu. Donc pour moi, c'est une première adaptation. T'es en blue side, ça veut dire que tu peux aussi te permettre de ne pas ban Zeri par exemple, où Néon a été assez bon dans cet exercice. Donc il y a des adaptations. Voilà, ce blue side qui, avec le petit nombre de games qu'on a en playoff du côté de la Corée ici, on voit tout de même une tendance pour le blue side dans le choix des équipes. Et on va voir si les Misfits vont savoir... Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à garder de la game précédente? Zeri. Oui. Zeri, ça a bien fonctionné. Pour le reste, Mersa fait pas une mauvaise game de Leona, je dirais, mais juste l'équipe était derrière, donc en fight, en fait, ses plays fonctionnaient rarement, malgré le fait que, notamment la petite engage dans le buisson, là, il avait bien senti le jeu, mais il était devant et le Rumble... Le Rumble a tout cramé sur ce play. Donc voilà, on va voir. La Zoé pour VTO, c'était pas la folie. Bon, le Gnar, c'était une catastrophe pour Irith. Ah, je veux pas le voir. Enfin, je veux pas le voir quand on joue en weak side, en fait, ce Gnar. Voilà, c'est surtout ça. Genre, est-ce que si on veut jouer pour la bot lane, si on veut jouer pour la mid lane, est-ce que Irith est capable de prendre un pick qu'on peut voir à travers beaucoup d'autres régions de type Sion ? Et juste de faire le dos rond pendant que son équipe fait le travail. C'est ça que je veux savoir dans cette deuxième game. En tout cas, on maintient les bans Victor et Twisted Fate pour les Misfits qui étaient déjà des bans lorsqu'ils étaient en red side. Donc, il semblerait qu'on ait deux bans obligatoires pour les Misfits. Ça met... Alors, bien sûr, il a joué un TF, Larsen. Et VTO n'a encore jamais joué ETF en compétitif.
Et Larsson a également un victoire qui est invaincu pour l'instant. 6 games pour 0 défaite pardon, en LEC. Le TF est toujours très fort, hein, bien sûr, pour jouer sur la carte. Mais le TF en face de lane, il peut vraiment se faire bouger. Donc. Ouais, VTO par exemple pourrait essayer face à un TF de partir sur une recette Orianna ou sur une recette Syndra et de. Et d'être. Et même Ryze, hein, donc. D'ailleurs, Ryze open. Ou le perso a tout de même tellement de faiblesses que tu peux toi aussi faire passer un gros pic de skilling qui est un peu faible parce que justement, le TF n'arrive pas à prendre l'ascendant. On a vu du Corki contre TF par exemple en se disant bon bah vas-y, de toute façon tu vas pas bouger de ta lane et moi je vais scale et à la fin c'est pas grave, je mettrai des roquettes. Et il y a Sylas aussi dans les champions très appréciés par VTO qui techniquement peuvent être des réponses à TF, notamment la mobilité avec le vol de l'ulti. Même si leur lead phase de lane peut être difficile, mais vu les nerfs récents ETF, ça doit l'être un peu moins tout de même. En tout cas, list in first pick pour les Misfits. Et la réponse à Felios pour comp. Il y a la Leblanc qui est restée ouverte. Et c'est la question que je me pose. Voli, qui a un excellent pick de la jungle, Malorang est très bon dans cet exercice. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite Leblanc pour VTO, qui est très fort sur le champion avec un list in? Ça nous donne un gigantesque mid jungle. Eh bien écoute, on va voir. Alors le truc là, c'est que Xayah Leblanc, ouais, c'est pas si mal. Il y a ce côté où on veut peut-être sécuriser un ADC pour les missiles. Là Xayah, on en a beaucoup parlé en pré-show. C'est le champion avec le meilleur win rate pour Néon dans sa carrière. Et donc là, Syndra blind pick pour VTO, un champion sur lequel il est très confiant, très confiant, et qui effectivement en blind a pas forcément de prédateur. En tout cas, dans le champ pool de Larsson, avec quoi il pourrait décider de match ça, Larsson? Peut-être. Il n'y a pas le Victor. En temps normal, j'aurais dit que Larsson part dans une bataille de wave clear. Peut-être c'est Orianna. Pourquoi pas Jace. Après, ça se trouve, les missiles vont là-bas. Non, parce que tout à l'heure, justement, le Syndra avait été ban en préparation du Lucian. Qui a été laissé ouvert d'ailleurs, hein, dans cette phase de draft, encore une fois. Ouais, bah ils ont vu que. Bah, je pense que VTO est confiant pour jouer le Lucian lorsqu'il a Syndra. Puis même avec Zoé, ça s'est pas mal passé la phase de lane. C'était pas forcément le problème, je dirais. Mais après, la Zoé a pas non plus un impact délirant dans le match. Sans avoir beaucoup de prio, et tout de même, effectivement, en étant parfois un peu repoussé sous la tour. Mais oui, il a pas lutté à survivre en lane. Bon, ban du Lucian, mais cette fois-ci du côté de Rogue. Ah, donc ils ont peur d'un Lucian top de Irit. Oh, c'est assez un fou furieux pour sortir ça. Hein. Et, oui. Je pense qu'on a aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup d'autres formules contre Jace. On a beaucoup discuté de ce pick Jace récemment sur la top lane. Ah, on a vu, bah, même en LFL, hein, on a vu des Sion, on a vu des Horn qui marchent très bien. Toujours Malphite aussi. Même si Malphite n'est pas forcément un champion. Ban du Gnar. Eh bien, franchement, merci les Rogues pour ce ban. Mais juste merci. C'est vrai que ça peut sembler étonnant. Ça semble complètement incohérent. Hein. Odo Amné qui a pas l'air d'être 100% confiant dans le match-up contre Gnar. Il y a pire, normalement, le Tahm Kench qui est ban. Pas un mauvais ban pour Misfits quand tu sais que Syndra, effectivement, peut perdre une grosse partie de sa puissance de feu sur un bon ulti Tahm Kench. Alors, pick a priori support en réintroduction. On a Nautilus, on a Leona qui sont ouverts. Et une Lux encore pour Trinby, mais cette fois-ci, il y a Aphelios. Non, j'y crois moyen la Lux. Oh, et la bonne vieille formule Azir pour Larsson. Alors, comment est-ce que Irid prend ce match-up? Alors, il y a effectivement le côté Malphite, Sion, etc. Mais tu peux aussi te dire Irelia, c'est une Camille finalement. C'est une Camille, l'early n'est pas forcément incroyable, mais à la différence de la game précédente, on a tout de même une botlane très forte, on a une midlane très forte, donc on peut se permettre d'aller mettre de la ressource sur la lane de Irid, ce qui n'était pas le cas avec son Gnar tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Trimby? Je suis pas fan de ce Taric, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose qui go in à part cette Camille. On est sur de la range, on est sur du disengage avec un speed push à la Camille. Donc voilà, ce qu'il va falloir côté Rogue, c'est du POC et derrière de la conversion. Et ce Rakan, je pense, est vraiment très bien. C'est vrai qu'il fallait peut-être un pick un peu playmaker là pour Trimby, et le Taric aurait peut-être été un peu trop défensif. Mais du coup, Rakan,
Rakan, bon alors la lane bon en lane normalement Rakan contre Nautilus c'est compliqué, la lane pourrait bien être en faveur de Misfits hein, au niveau du bot. Oui. On le sait en plus Aphelios, on a beaucoup parlé pendant la saison régulière en pré-show, mais il ne domine sa lane qu'avec un champion véritablement, c'est Thresh, et hors de Thresh c'est plus difficile, et d'autant plus lorsque tu prends le cas de Rakan qui n'est pas un très bon champion en lane. C'est clairement pas un bon champion contre Nautilus qui est peut-être un des meilleurs du genre en ce moment dans la méta avec Leona. Xayah pareil, excellentissime en lane, beaucoup de push, beaucoup de dégâts, un stuff qui est quand même rapidement très efficace. Dès que t'as une épée dentelée sur la bot lane, tu commences vraiment à mettre des claques. Moi j'aime vraiment cette draft côté Misfits bien plus que la précédente. Peut-être aussi que le blue side aide à avoir quelque chose de avec une plus grosse cohésion, de pouvoir récupérer ces quelques picks un peu clés. Ouais, bah écoute, je pense que c'est une draft qui a l'air de bien s'articuler du côté des Misfits. On attend une réponse donc après cette première rencontre dominée par les Rogues. Et on est parti bien sûr, mesdames, messieurs, Misfits Rogue, deuxième round. Et on est presque rentré puisqu'il presque. Y avait une petite pause avant de pouvoir commencer dans le match. On nous tiendra au courant de la raison. Presque, effectivement. Je voyais Larsen s'essuyer, ses mains un peu moites. Ouais, écoute, Azir contre Syndra, deux champions qui ont beaucoup de range. On a souvent tendance à dire que Azir... A pas beaucoup de match-up négatifs, voire pas vraiment en early. Maintenant, une Syndra qui touche ses sphères noires, avec la menace du stun, avec la présence d'un Lee Sin à côté qui peut connecter une onde sonore. Il y a toujours moyen, je pense, de faire mal. Et on voit les deux midlaners d'ailleurs, qui savent que voilà, chaque touche va compter par rapport à l'adversaire. Donc on est parti sur Aerie. Ça risque de mettre du rythme. Au niveau du mid, à mon avis, il va y avoir des échanges assez costauds entre VTO et Larsen. Irid et Mersa, qui vont voir s'ils peuvent pas récupérer un petit quelque chose sur Trinby. Est-ce qu'il va mettre sa ward? Non. Ah, quand même, si, voilà, juste avant de partir. Et pour Rogue, a priori, quand même, le plan de jeu ressemblerait plutôt à... D'ailleurs, on doit amener qu'il va jouer First Strike sur son Jace. Après le Jarvan First Strike de Malrang, c'est donc le Jace First Strike. First Strike qui n'est pas une rune qu'on voit tant que ça habituellement. C'est quand même assez intéressant de voir les Rogues la sortir deux fois en deux matchs. Mais du coup, pour les Rogues, le plan de jeu en early semble plutôt s'orienter vers la top lane. Donc Malrang qui effectivement a l'air de commencer bot side et qui va nous proposer un passing vers le top pour couvrir au dos amené, là où Shlatan décide de jouer pour sa bot lane qui effectivement devrait a priori obtenir la priorité en early. Ouais. Ah, de toute façon avec Néon Mersa avec cette duo, il n'y a pas grand chose qui peut prendre vraiment le push à Xayah en ce moment. Genre je pense que même Jinx c'est pas forcément évident. Et sur le top side, bon, Irid sur ça, Camille, absolument légendaire. C'est peut-être un des champions avec lequel on l'a le plus vu. Bon, je pense que c'est le pick avec lequel il nous a laissé les meilleures impressions, Irid. Mais même si c'est le cas, alors justement, d'autant plus, il connaît son match-up, Irid, je pense, et il sait qu'il faut respecter leur lead d'un Jace au dos amené qui est un assez bon Jace en plus de l'ascension de VTO. Ici, le passage niveau 2. Et ça connecte sur ce stun, Larsen, qui perd beaucoup de points de vie pour l'instant. Avantage VTO, Larsen qui n'a plus de stack de potions de corruption. Il en reste un du côté de Vincent. Mais après, il arrive à trouver un push. Hein. Il pourrait trouver un petit reset assez rapidement s'il arrive à crash tout ça. Shlatan qui a fini son top side, l'agression sur le niveau 2. Et on arrive à se repositionner. Non, j'avais pas vu. J'ai cru qu'il était parti au shield de rang 1. La Mitrine B. Mais c'était, je crois, le Guardian. Mitrine B qui a pu échapper aux griffes de ce Nautilus. On passe niveau 2 pour les Rogues, mais effectivement, on a cette position plutôt de réception pour Comp et pour Trimby, avec un Mersa qui va régulièrement tenter d'attaquer. Il est dans un buisson wardé. On est en train de stacker une wave pour les Misfits. Shlatan
qui a clear tout son topside. Et ouais, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à venir chercher sur mais on, le veut, on peut le faire là en réalité, ah. On peut le faire là. J'ai eu peur qu'il arrive trop tard, parce qu'il y a une très grosse vague, et normalement, ouais, le Malrang, intelligent, malin comme il est, il sait qu'il y a danger, il sait qu'il y a quelque chose. Par contre, ce Carapateur qui va se faire one shot et récupérer par Schlatan, j'en ai l'impression, oui, c'est oui. Ça, il a trouvé. Cette petite récupération, par contre pas de dive, on a vu la présence du jungler ennemi de ce slide là de la carte. Agile, le rempart et le smite pour Schlatan. Et le scuttle est validé, Malrang qui ne se laisse pas pour autant démonter. On est parti sur le top side pour peut-être récupérer le deuxième scuttle, tandis que VTO a l'air de plutôt obtenir la priorité au mid. Bah, il a eu le temps de trouver un petit reset en fait, de recharger ses stacks de poissons de corruption, ouais. De prendre son petit drone ring là où Larsen est resté. Donc Larsen, il va probablement devoir utiliser de sa téléportation. Voilà, il fait son back maintenant s'il veut ne pas perdre de grip et ne pas perdre de tempo. C'est important hein, potentiellement ce qui vient de se passer là. VTO qui va pouvoir forcer cette TP de Larsen. Larsen aime trop le farm de toute façon pour ne pas utiliser sa TP là. C'est clair. S'il y a bien un mid laner cette saison qui aime bien farm, c'est Larsen sur sa mid lane. Et justement, je voyais le Victor qui était ban à cette drive, je me disais quel mid laner un peu contrôle, un peu range, Larsen va pouvoir prendre pour scale et farm, il restait ce Azir. Ouais, TP Advantage en 1v1, c'est assez propre hein, ce que nous fait VTO, il n'y a pas eu de passage de jungler pour perturber l'équilibre du match-up. Donc pour l'instant, cette lane part bien, mais ce n'est pas terminé, on voit quand même la pression hein, qu'il est en train d'infliger à Larsen. Oh et c'est parti avec le flash au milieu de la vague de griffes, faut faire attention, Trimby qui va se repositionner avec un dash, on va y aller du côté de Schlatan, il est loin Malrang, est-ce qu'il pourra intervenir à temps? On va essayer de partir, la foudre qui va arriver, le flash in de Malrang, on va essayer de se manger sur le jungler, Schlatan tombera aussi, c'est du 1 pour 1. Effectivement, et les kills sont allés et bien en faveur de l'Axaya pour les missiles, c'est une bonne opération, l'Axaya qui récupère le kill. Et Comb qui perd ses deux summoners, donc c'est vrai que quand on fait le bilan, vraiment, Rogue a payé très très cher ce play. Malrang prend un kill, mais il a du flash, il n'y a plus aucun flash sur Malrang, sur Comb, sur Trimby, là où il reste celui de Néon. Donc, et Néon a eu ce kill, donc un play, oui. Je pense vraiment en faveur des Misfits. Complètement. Après, oui, il était forcé, hein, le stun dans la vague de sbire. Ça laisse même pas beaucoup de solutions pour Schlatan pour essayer de connecter quoi que ce soit derrière. Du coup, il est obligé effectivement de se projeter avec un flash. Et Malrang gère très bien la foudre sur l'impact et le flash. Et le burst d'un volley est quand même incroyable. Ah, quand le E touche la zone, ça se sent en général. Mais on peut être content pour les Misfits honnêtement, parce que là du côté de Comp, ça veut dire qu'au niveau 6 de Nautilus, l'ulti permet d'enchaîner a priori avec le retour de plume de l'Axaya. Honnêtement c'est un kill quasiment garanti pour Misfits au bot. Au niveau 6 de leur botlane, ex-flash. Que peut faire Comp? Absolument rien. Absolument rien. Respecter la distance sécurité quoi, c'est à peu près tout. Elle est grande la distance sécurité avec un Nautilus qui peut ex-flash en avant. En plus t'as pas la vision dans le buisson et ça m'étonnerait que les Misfits la leur laissent. Donc non, il y a une belle phase de domination. En plus on voit que VTO, il était revenu sur sa mid lane avec sa TP. Larsen avait dû faire un back, il avait des prios. Donc là je pense qu'on peut commencer à voir du côté de VTO, du côté aussi de Schlatan, si on peut pas aller à 4 sur ce bot side. Tandis que Irrit a l'air de bien faire son travail. Ouais, Irrit, ça a l'air de... Effectivement, pas de visite des junglers au niveau du top, il est un peu derrière, ça... Attention, ça connecte du côté de Mersa, et peut-être le stun un peu long à venir pour VTO. Ah. Au langage, Irrit, ça pourrait sembler dangereux, l'arrivée de Schlatan, Malrang n'est pas loin également, attention, Lookshot, qui est cancel ici, très très bon cancel de Malrang, Schlatan qui décide de se jeter au contact, et qui récupérera le kill malgré la présence de la wave, et maintenant, il faut tenter de s'enfuir, mais c'est un dunk au corps à corps pour Malrang. Malrang est un... Mais il est partout, incroyable. Mais Irrit a TP, il va revenir, cette wave, il l'aura quand même. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas le play rêvé pour les Misfits, mais il a sa wave, Irrit. Donc dans l'absolu, franchement, ça va. Ça va, c'est du 2 pour 1, mais effectivement, le flash de Néon sur cette ulti Gravitum. Mais oui, Malrang, il arrive à lire la totalité des déplacements de Schlatan. Il était en counter gank sur toutes les apparitions de Schlatan. Il est impressionnant. Partout Malrang, le 2-0 sur son Volibert. Et on revoit ce play top. Le cancel, parce qu'il a timé ce cancel, il a attendu. Parce qu'il pouvait le mettre là, je pense. Hop. Et au moment où il voit le hookshot,
Il y a Odo qui joue intelligemment, qui va dans la wave pour éviter l'onde sonore, mais Shlatan, bon, qui utilise le kick. Voilà, on ne fait pas dans le détail. Il a bien compris qu'il fallait tout mettre pour essayer d'égaliser à peu près le trade. Du coup, toujours petit avantage du côté de Rogue, mais ça se tient bien pour Misfit. La VTO, par contre, qui est un peu à court de mana. Ah, il a des cookies, il a une potion de corruption, ça va remonter. Par contre, sur la côté, il a un blue buff sale, hein, en réserve. La double plaque pour Néon, attention tout de même, Mersa. Voilà, pas rester trop longtemps. Mais Inxayen qui full clear. Voilà, on l'avait dit, une tire, une lac dentelée, une lame dentelée. Et derrière, c'est un des push qui est absolument ingérable du côté de comp. Shlatan qui a vraiment bien envie de profiter de cet avantage sur la Xayah, sur la bot lane. On va attaquer le blue buff adverse, tandis que mouvement inverse. Enfin, mouvement miroir plutôt du côté des rogues, avec Malrang qui va aller attaquer le side de Irith. Un Irith qui reste très prudent. Il y a un héros de la faille dans les mains de Malrang. Il a eu l'information grâce à cette ward positionnée dans le checkpoint d'entrée de jungle. Donc on ne craque pas pour Irith, et c'est important parce que c'est le genre de timing qui peut te coûter la game. Complètement. On a besoin que le Jace ne soit pas trop fort, qu'on ne puisse pas trop jouer en side. Comme ça, ce sera. On peut bloquer cette game, hein, pour Misfit. On a une Syndra, on a une Xayah en termes de wave clear. On peut aller chercher un petit deny de back, très bien pensé. Ah, l'ignite utilisé pour Trimby. Néon est forcé de rester. Alors qu'il a. Il a peut-être son Eclipse de compléter Néon. Avec le kill qu'il a pu récupérer. C'est pas très compliqué de repush une wave avec une Xayah dans le pire des cas. Non, ça va. Ça devrait aller effectivement. Bon, pendant ce temps, Combe qui a retrouvé son niveau 6. Et finalement, c'est les Rogues qui ont attaqué. Combe qui avait eu son niveau 6 avant Néon. Ça pouvait sembler un peu surprenant. Mais ça leur a permis de venir prendre le flash de Néon. C'est plutôt bien joué là pour Combe et Trimby. Ouais, là c'est une wave canon. Pas être évidente à crash tout de suite. Attention. Oh, le VTO, le fait. Oh, ça fait mal. Oh, ça fait très mal. Avec une foudre qui va arriver, c'est un flash normalement qui doit être utilisé du côté de VTO. Il préfère essayer de le garder au maximum. Il y a le Lee Sin, le flash sur l'ulti. Obligatoire. Il a pas de TP. Il va devoir faire un back pour revenir à sa base, pour récupérer sa mid lane. Voilà qui fait bien les affaires de Larsen. Il a bien attendu VTO. Il savait que s'il flashait au-dessus du mur, il y avait des chances que le volley le suive directement avec un ulti, bien sûr. Et il a préféré garder ça pour le moment de l'animation de l'ulti, justement. Et il y a un très beau héros de la faille qui va partir au bot. Hein. Avec Malrang, on a les bonnes armes pour la Philos. On a un back forcé pour Néon. VTE doit absolument récupérer sa mid lane. Donc on est sur une grosse infériorité numérique sur la carte du côté des Misfits. Et du coup, voilà, on se fait vraiment plaisir. Très beau trade de la duo lane Rogue. C'est sur les chakrams en plus. C'est une première tour là-dessus pour les Rogues. Et c'est très très bien joué, hein. Pour le coup, et encore une fois, Malrang aux commandes d'absolument tous les moves. Mais voilà, il fait un BO, un début de BO absolument fabuleux. Il était bon en saison régulière, mais on a l'impression qu'il a encore step up. Hein. Ouais, sacré joueur, hein, que ce Malrang. Vous savez qu'au niveau du mid, bon, Larsen qui est. Bah écoute, il est dans les cordes au niveau du farm, Larsen. Ah, pas de flash pour une Syndra. Tu dois te méfier contre Azir à partir du moment où t'as un mage. Sans dash, c'est ça. Et sans flash, tu sais que la punition peut vite venir. Surtout qu'à la réception, c'est un volley. Donc il y a un gros ratissage, ouais, à faire. Et du coup, VTO qui perd un peu sa capacité à push, à mettre un peu de rythme. Donc pour l'instant, est-ce que les Misfits vont pouvoir jouer un peu autour de cette mid lane? Ils n'ont pas trop réussi jusqu'à maintenant. La Syndra est pas très concluante. Faudra attendre à 15 minutes, bien sûr, dans les teamfights, dans les prochains dragons. Mais j'attends qu'à 15 minutes, avec leur compo, les Misfits normalement prennent les devants. Donc prochain dragon, prochain Herald, je veux vraiment que les Misfits prennent la position, prennent le warding et disputent les objectifs contre un Azir et Aphelios qui vont manquer de DPS à ce moment-là de la partie. Un reset pour Odo amené. Ouais, Shlatan qui a essayé de prendre l'information, mais il n'y a plus personne sur cette top lane. Et Odo qui est gros reset, alors reset assez coordonné, pas de la duo lane des Rogues, mais on avait trois joueurs à la base pour les Rogues, et justement on voit Malrang et Odo amené qui part directement au niveau du top. Et là par contre, du côté des Misfits, on a peut-être un trou au niveau de la bot lane. Attention, hein. La paire de 7 T2 vaudrait énormément en faveur des Rogues, bien sûr. On arrivera à défendre un petit peu, mais c'était donner bien gentiment beaucoup de points de vie de cette tour. Combe qui pourra faire son back tranquillement, et Néon sur la mid lane. Alors peut-être que Néon va pouvoir mettre un peu plus de rythme que la Syndra
avec son Eclipse en étant parfaitement safe. C'est vraiment l'avantage de Xayah. Shlatan qui se méfie de ce Voli particulièrement énervé. Et Misfits, alors qu'est-ce qu'on décide de faire? VTO qui part en side. Bon, Syndra est pas forcément le meilleur champion pour side, mais on préfère ça à une Xayah. Et attention à ce mouvement des rogues autour de Irid. Ils savent que Irid peut craquer les rogues, mais sur Camille, il est en général très bon tout de même. Il y a Shlatan qui arrive dans le coin, il y a Mersa aussi qui est en train de faire sa rotation avec la Xayah. Il y a TP pour VTO, donc si les rogues décident de forcer un play topside, ça pourrait se payer, d'autant plus qu'on approche des 14 minutes, donc free TP sur les wards, sur les creeps bien sûr à partir de là. Et VTO qui remonte mid lane. En vrai, il était un peu en danger sur sa bot lane. Hein. On est post 14 minutes de jeu, on doit amener avec une TP, il avait pas la vision, il avait pas de flash VTO. On aurait pu avoir un move. Après techniquement, on n'était pas encore à 14 minutes. Oui. Là on y est. C'est vrai qu'il a ses wards dans le dos là. Donc il faut faire attention avec un Azir pour réceptionner pendant que Rit fait prendre la partie pour dos amené. Le hookshot est bon. Et on va partir sans continuer le trade. Il a cancel le Q du Jace là. Ouais, j'ai bien l'impression. Ça y ressemblait. Bon. Les rogues qui décident de rester et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison parce qu'Irid est caché dans ce buisson. Irid qui risque. Le all-in le débranche. Le all-in le débranche parce que Malrang est là directement. Irid qui va se repositionner. Il est encore une fois parfaitement stoppé par Malrang. Et derrière, Odoamne qui bombarde. Irid tombera Malrang une nouvelle fois. Franchement, il les prend trop pour des jambons. Sur son all-in, il les prend pour un jambon. Sur son hook non flashé et flashé après, il les prend aussi pour des jambons. Et t'as deux superbes joueurs en face, Irid, et bah il fallait utiliser les cooldowns avance. Pas très bien joué comme trade. Et en vrai, les rogues, ils le connaissent par cœur, Irid. Hein. Ouais. Et lui, il lâche après... un petit tapas comme ça et un petit billet par terre, et il se jette dessus. C'est sûr. Après Malrang, il a un sacré cerveau hein, dans démoniaque. Ce BO pour l'instant parce que. Je l'ai pas vu faire beaucoup de mauvais choix, Malrang. Et t'as vraiment l'impression qu'il a ce coup d'avance en permanence. Il est vraiment dans la zone, le jungler coréen. Et 4000 gold quasiment d'écart déjà, avec une compo qui scale monstrueusement bien du côté de Rogue. Un dragon. On a tout de même réussi à arracher le deuxième héros de la faille pour Misfits, mais c'est les early game Misfits qui, une fois de plus, c'est un tableau bien noir, bien sombre. Sans grande surprise, attention, peut-être l'accélération de Trimby, ici Néon qui a le bon réflexe, le rappel de plume peut faire peut-être beaucoup de dégâts, tandis que Mersa est rapidement tombé. Shlatan est en backup également, l'arrivée de Irid, est-ce qu'on décide d'y aller? Il y a des golds hein, sur Malrang, il vaut cher ce Volibear, attention, il décide d'y aller, Shlatan, on va tenter de tout donner, mais Malrang qui résiste bien, le supplément de Tankiness via l'HP Ultimate, et Shlatan sera finalement snipé par un très très bon Odo Amné, maintenant Larsen qui tente d'accélérer. Mais cette partition impériale ne trouvera pas preneur. Ah, on n'arrive pas du tout à trouver les ouvertures du côté de Misfit. On se fait pick-up sur la mid lane, la TP malheureusement qui me donnerait en plus, on met beaucoup de ressources. Et on se fait poke par un Odo Amné qui est extrêmement bouillant, le flanking de Trinby, mais c'est juste pour mettre de la pression, on va prendre la tour, attention à leur retour de Irid, il met un ultimatum exception sur Odo Amné se retourne pour mettre le plus de dégâts possible à trouver le kill. Down. Et derrière, oh, Trinby qui aura essayé de venir prendre ce kill avec un petit Q-spell de Rakan. Ouais, il est venu sniper Irid sur le flanc, Trinby. Petite bonne nouvelle tout de même pour les musicistes, Néon a obtenu un shutdown. C'est Xayah monte en puissance. Une Xayah qui va pas être évidente à attaquer pour les rogues. Mais on peut aussi se dire que c'est une Xayah qui va avoir affaire à un Jace et un Azir. Et Xayah est pas un champion qui est si bon que ça pour avancer. Et qui aime pas. Surtout avancer contre des champions qui ont beaucoup de range. C'était un peu ambitieux ça, Shlatan. C'était ambitieux, effectivement. Après, bon, là, il survit. Jusqu'à ce moment-là. Bien sûr. Il y a tout de même l'ulti. Je pense pas qu'il avait le burst pour toucher un Malrang qui est déjà quand même bien fed. Très bon shot pour Irid. L'avantage à Compo Misfit, c'est que même s'ils sont 4-5 000 gold derrière, ils ont énormément de wave clear. Donc, ils vont pouvoir tempo. La comp flash out. Peut-être une bonne piste pour le prochain play des Misfits. Le manque de flash sur comp, là, ça pourrait encourager Néon, peut-être. Mersa également. Il faut pas hésiter à aller chercher le focus.
et toujours, toujours des goals sur Malrang. Alors le danger tout de même pour un volley qui est fed, c'est que ça reste volley. Et donc t'as un peu le premier sacrifié bien souvent, t'as un peu le premier à éprouver la solidité de la défense adverse. Tu vas devoir all-in, donc c'est des goals qui sont un peu, tu vois, c'est prenable pour Misfit techniquement. Complètement. Après Malrang, généralement, il arrive à être assez intelligent dans les fights et il garde toujours quand même son ulti pour le moment un peu clutch où clairement, il sait qu'il va pouvoir éviter le burst final. C'est encore ce qu'il a fait dans le fight précédent. Clairement. Donc il est tout de même si ça se tue, il est pas facile à venir chercher. Le clair de lune, un petit peu de pog sur Néon, beaucoup de pog sur Néon. Ah oui, mais et là... Néon qui pourrait se faire massacrer, on va devoir mettre un ulti. Malrang qui jump directement, qui ouvre une nouvelle fois la porte, mais qui doit flash out directement après, on le voit, hein. Rien que sur cet échange-là, Malrang, on voit qu'il a pas son flash. Ça peut aller vite. Il peut tomber, c'est une bonne piste pour les missiles, mais on voit Néon là qui fait parfaitement. Quelle maîtrise de comp, le chunk au sniper. C'était très très bien joué. Et du coup on prend deux tours sur ce timing parce qu'on avait aussi Odo Amné qui était resté sur le bot side, qui est en train de récupérer alors un peu son retard de farm. Je suis limite étonné que Iris soit aussi bien en farm. Mais on a un Jace qui est bien, ils sont tellement fed. 6000 gold bientôt d'avance. Le Jace il est monstrueux, on a vu, il met un Q spell, il n'y a plus de fight pour Misfit. Attention, peut-être Rimby ici qui était sur le point de se faire fake, très bon kick du côté de Schlakan et l'ultimate de Erit. Est-ce qu'on peut tuer Rimby? On manque de dégâts, Erit est forcé de disengage et c'est un héros de la faille qui ne donnera rien. Larson qui poursuit ici, qui force le flash out de... c'est une encre? Non, ça, il y a eu un flash. Et la flash. Ouais. Ouais, les missiles ils tentent des trucs mais tu sens que les rogues ils ont tout le temps l'avantage dès qu'ils décident de prendre l'initiative. Une bonne rage, dans un bon engage. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour les Misfits. Ils sont un très bon poke, ils ont tellement effectivement d'avantages à ce moment-là de la partie. Puis ils sont pas pressés, ils ont un gros avantage sur les dragons. Et on va pas dire que Syndra va à terme outscale un Azir. Donc il y a assez peu de points noirs sur le tableau. Allez, Rogue, clairement pour l'instant, avec ce Jace en forme, ce Azir bien dans sa game. Clairement, on a deux champions qui sont très gênants pour la Xayah. Et VTO, bah écoute, il va falloir réussir à trouver des stuns, des cancels d'engage sur le Rakan. Voilà, Syndra est un champion qui peut bien sûr faire la différence dans une game. Mais c'est pas toujours évident. On va voir s'il va trouver les bonnes ouvertures, hein, VTO. C'est un peu à l'image de la game précédente avec la Zoé, c'est qu'il est tout de même assez vulnérable dans les fights, VTO. Et que pour placer un DPS, quand il y a Malrang qui met des charges absolument incroyables, ça devient tout de suite très dur. Hein. Personne ne lui laisse l'accès, VTO, à Larsen ou à Comp, qui eux-mêmes ont de la range. Donc je sais pas trop quelle est la bonne solution pour Misfit pour avoir vraiment un team phase sans être obligé de taper sur une frontline qui a l'air immortelle. Écoute, il y a peut-être toujours le choix du side. Même si le problème, c'est que le Jace c'est bien, mais théoriquement, toujours pareil, Camille est censé outscale. Oh mon dieu, cette ulti de Comp! C'est un Ashor qui est call peut-être pour les Rogues sur ce timing. On a quoi comme arme pour le Aphelios? On a les bonnes armes pour le Aphelios. On va pouvoir aller très rapidement. On met un trinket du côté de Nissan pour avoir la vision. On a les deux TP pour avoir des backs. Mercer est quand même un peu low. Une première TP pour revenir. C'est VTO et le POC incroyable, Mercer est complètement out. Schlatan en train de se faire totalement contrôler par Trimby et aussi par Larsen. Larsen se repositionne, la partie impériale qui sera complètement évitée par Schlatan qui est incroyable. Attention, Irith Ultimatum Extinct en plein milieu et on se frappe tout de même tué par les Rogues qui défendent ce Baron Nashor avec brio. Ouais, deux morts du côté des Misfits. Les Rogues ne perdent personne malgré la tentative de kick de Schlatan, malgré l'esquive de la partition impériale du Azir de Larsen. Tout ça n'a pas suffi pour les Misfits qui doivent concéder le Baron Nashor. VTO ne veut pas l'entendre de cette oreille, mais c'est pas comme s'il pouvait vraiment faire échec. De toute façon, cette river est complètement dans le noir pour les Misfits. Et Comp avec Malrang qui vont pouvoir assurer la prise de ce Baron. Les Rogues sur un ulti du Aphelios qui trouve directement une ouverture pour le Baron. C'est du grand art. Et là, le break est fait, hein. Le break est complètement fait, on va jouer le troisième dragon, Mercer se explash, qui trouvera pas son abordage, le poke est toujours très bon. Il est malin Trimby, il est malin mais... On se fait zoner. Il va être repéré.
On a un peu de vision, on va pull ce dragon hors de son enclos, tanké par Malrang. Ils ont la vision sur les carries du côté Rogue. Shlatan va essayer de trouver un kick qui peut faire. Mais Mersa a tellement perdu de points de vie, son Nautilus est out. Shlatan qui tente, ouais, il trouve pas de knock-up à longue distance. C'est un troisième dragon pour les Rogue qui, une nouvelle fois, maîtrise l'approche des objectifs. Et on revoit juste cette ulti de con. Il voit les deux carry missiles à côté. Ouais, plus le poke de Odo. Plus amené, le poke d'Odo amené, c'est vrai, au milieu. Et là, bon, bah, ils peuvent plus jouer le fight dans ces conditions. Sur un timing où Comp a les bonnes armes pour faire le baron. Enfin, tout est trop bien agencé pour Rogue. Et tous leurs mouvements depuis le début de cette partie sont vraiment tellement clean. Chaque fois dans des timings très précis. Là, Shlatan qui avait bien joué. Hein. Il avait bien joué. Il avait bait la partie impériale. Mais ils sont derrière. VTO n'a rien pu faire véritablement sur ce fight. Puis Mersa, là, il a. Enfin, on a 23 minutes. Il a toujours pas fini son. Son Aegis. Hein. Son Aeron Solari. Il peut pas rentrer dans les fights, il est pas tanky, on l'a vu, hein. C'est censé être un entre guillemets un petit off-tank. Mais dès que O'Donnell le voit, il le fume. Donc quelle solution? On peut pas jouer en side, on peut pas jouer en teamfight. On se fait outscale. Et on n'a pas les dragons. C'est vrai que la Sirit, il arrive face au Jace, je pense que ça va mal se passer. Trimby qui est en train d'offrir peut-être Irit. Ah, Irit qui va devoir reset. Et en tous les cas, on devrait au moins prendre cette T2 pour les Rogues. Il y a également la T2 mid. On est sur deux lanes. On a ouvert de façon solide pour les Rogues. La TP dans le dos. Peut-être les missiles pour le play de désespoir ici. Mais Shlatan s'est rapidement fait supprimer. Et c'est déjà... C'était le play du désespoir. Complètement. Et là, tout va tomber. Il y a le Jace qui est en train de faire sa rotation pour trouver un peu de poke. On va aller prendre la T2 top. Il y a une vague aussi qui arrive qu'il faut les récupérer sur la mid lane. On va perdre beaucoup pour les Rogues. Je ne pense pas qu'on ait de quoi résister. Deuxième game, on n'a pas l'impression que les Misfits ont pu vraiment développer leur jeu à aucun moment. Très bien, très bien. Jace est un champion fine. Ah bah quand il a un des early comme ça, oui, forcément. On a vu des Jace qui se portaient beaucoup moins bien quand ils se retrouvaient face à un tank pendant 20 minutes de lane. Allez, l'agression de Irit, l'abordage qui ne passera toujours pas, on a le disque solaire en position pour Larsen. Odo amené qui est en train de menacer la T3 sur la mid lane. On va pas au bout pour Rogue, on a plus le buff baron, mais il y a quand même deux tours très très low. Il y a vraiment plus grand chose là, effectivement, pour récupérer ces T3. Bon, bah les missiles qui vont pouvoir peut-être un peu reprendre leurs esprits, mais est-ce qu'on va réussir à trouver un play? Là, je vois 26 minutes de jeu. VTO a toujours pas de deuxième item. C'est la galère, hein. C'est la galère, vraiment. On souffre chez les Misfits. Et sur deux picks à range, deux picks à poke, VTO, il a pas réussi à avoir l'impact qu'on lui connaît dans les games Misfits. C'est toujours extrêmement dur. Et à partir du moment où on n'a pas un teamfight Misfit en mid-game qui se développe et qui offre des possibilités de flanking, de dive, d'aller focus la backline, ça ne marche juste pas, tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas vu, on n'a pas trop vu, vite fait dans la game précédente, il y a eu quelques bons moments de Misfit mid-game. Mais c'est léger. Mais pas suffisant, et les Rogues qui perdent jamais trop dans ces échanges finalement, qui ne se retrouvent pas dans une situation où voilà, ils offrent un comeback aux Misfits, en réalité ça n'arrive pas dans ce BO. Il reste très solide. Et avec un Larsen qui tient très très bien VTO, c'était un peu la question avant ce match, c'est est-ce que Larsen va pouvoir tenir VTO ou vice versa. Et pour l'instant, eh bien Larsen il tient son rang. On n'arrive pas à avoir trop d'impact ou assez d'impact pour VTO. Le Azir hein, qui dit, bon, on se souvient quand même le TP advantage pris en early, mais ça n'a pas donné grand chose après ça. Hein. Larsen qui a pu voir ses cooldowns revenir tranquillement, disons, sans être trop inquiété. Disons qu'après VTO a fâché avec le buisson de Malrang et a perdu son flash et a plus mettre la pression. Bah Malrang, hein, tu viens de prononcer le nom du démon. Le nom, hein, Malrang. Un ex-Jin Air venu braconner sur les terres européennes. Et un ex-Damwon. Aussi. Et je retiens l'autre part. Disciple de Canyon, peut-être. Alors c'est que Zaya commence à faire mal. Mais combien de fois elle pourra mettre des dégâts comme ça face à Azir et Jace? Ça va pas être évident. Allez, Rogue, il stab. Mersa qui tente sur all-in. Hein. On essaie de viser Comp, mais
Combe qui se repositionne à pied. Attention, Larsen ici au cœur de la mêlée. C'est un peu confus pour Larsen, tandis que Malone trouve un dunk ici. Trimby qui prend le relais. VTO qui parvient à flash out, mais qui a perdu énormément de points de vie. Peut-être pour les Misfits. Et on doit amener Trimby et Combe qui tiennent le choc. C'est deux morts partout. C'est dur. Oh, attention, Shlatan raccompagné dans sa base. Par contre, on a l'âme du dragon des océans qui va être récupérée. On est trop sous pression pour prétendre à la défendre. Mais c'était pas mal. Et on voit un petit peu ce que peut donner une Xayah. Ça a beaucoup de potentiel. Ça fait énormément de dégâts. Mais ça arrive tard. Ça arrive tard avec tellement de retard. Et une petite âme en plus pour renforcer la domination des Rogues encore en teamfight. On revoit la Gale Force pour Comp. Alors Larsen le flash in pour essayer d'éviter le retour de plume. Mais là, le deuxième dash, très très belle esquive de Larsen. Hein. Son petit duel face à Néon était pas dégueu. Après, bon, la partie impériale était loupée, mais dans la phase de jeu pour éviter les plumes, il a réussi à pas mal s'en tirer. Et là, Odoamne qui flash out et qui fusille à bout portant la Camille. Il aurait pu back Irit après son kill. Il a essayé de poursuivre un petit peu, alors peut-être qu'il était mort de toute façon. Je vois le stuff de Laxa, je vois le stuff de Néon, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de m'accrocher à ce tout petit bout d'espoir pour les suites. Bah, tu vois, là par exemple, il a eu... Qu'est-ce que tu fais ? Néon, il a eu le Azir à portée, donc il l'a fusillé, mais il l'aura pas souvent. Mersa, c'est pas sérieux, Mersa, cette ward. C'est pas du tout sérieux. Celle-là, elle fait mal. Est-ce que c'est un free baron ? Peut-être pas, mais en tout cas, les rogues sont en place et les missiles vont devoir tenter de défendre à 4 contre 5. Trimby, bien sûr, très malin, qui se glisse dans le dos des missiles. Il est pas vu. Il a esquivé toutes les wards, il a son brouilleur, il sait, mais de toute façon, on va devoir abandonner ce baron Nashor. On a pris un seul Q-spell dodo amené. Trimby va même pouvoir deny le back de Irith. Non, Irith, mais non. Tout est pas ton back, on vient de faire abattre. Mais non, mais jamais de la vie, Irith. Ah, c'est du hint là, Mersa du côté Irith, de Irith. On passe le mot sur cette phase de jeu. Mersa qui vient de revenir à la vie, mais pour les rogues. Peut-être que le plan était de reset, mais après la mort de Irith, je pense que voilà, on a revu sa copie, on se dit qu'une petite T3 n'est pas volée. Et peut-être plus pour les rogues. Avec un Odo amené qui zone Shlatan. Allez, c'était le dive. On désactive les tours. Une seule, hein, ceci dit, pour Malrang. Ça enchaîne. Oh là, la tentative de flanking de Shlatan. Le nez dans la boue. Et le clair de lune sur VTO avec un petit coup de snipe. On force la stopwatch. Est-ce qu'on peut venir récupérer le kill? Bien sûr. Odoan est à la réception. Néon, un dernier appel de plume. Il prendra un kill. C'est pour l'honneur, c'est pour le score, le KDA. Mais la deuxième game de ce best of five est emportée par les rogues. Ah, les rogues qui font la différence. 2-0. Et ils sont sur des timings qui leur ressemblent, hein. 31 minutes de jeu, voilà. On est à peu près dans la zone de tradition du côté des rogues. Un 2-0 cinglant qui est infligé pour l'instant. Bon, soyons honnêtes, dans cette game, je m'appelle Néon, je m'appelle VTO, je suis tilté. Hein. Je vois mes mates faire des moves comme ceux d'Irith, je suis tilté. Il y a un hint, enfin ils sont en train de. Ils sont sous pression et j'ai l'impression que. Ouais, c'est sûr. Après, bon, enfin, qui meurt là ou pas, la game est perdue, tu vois. Non, mais c'était quand même une répétition d'erreur. Non, mais c'est sûr. Mais après, qui meurt là ou pas, franchement, oui, la game est perdue. Enfin, je pense que la réalité, c'est quand même. Irith a pas. Genre, il a pas mal joué en early, tu en vois. En early, non. Plus. Mais. Il se fait bien bête parfois. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, Malrang est vraiment très bon. Malrang est fabuleux. Malrang est très bon. Je pense qu'on va justement beaucoup en parler en plateau. Restez avec nous. Petit break, on se retrouve donc pour débriefer de cette deuxième victoire des Rogues. A tout de suite. Débrief de la seconde partie de ce best of five entre les Misfits et les Rogues. 2-0 pour les Rogues qui mènent un très joli best of five pour le moment. 3 balles de match donc à venir. Une situation extrêmement confortable pour l'équipe numéro 1 quand même de saison régulière. Bon messieurs, évidemment Chips, tu étais au commentary, donc on va malheureusement écouter Tréton. Tréton, bien malheureux. Draft de... Merci, je sais que tu es un homme de goût. Tréton, cette draft numéro 2, on a eu l'occasion un petit peu d'échanger ensemble en off, bien entendu. On avait un feeling qui était quand même plutôt sympa
sur cette draft, avec peut-être voilà, certaines réserves sur un pic de Camille qui aurait pu être un Sion ou un Malphite par exemple. Un bon vieux Malphite dans cette draft contre Aphelios, contre Azir, moi je pense que c'est pas mal du tout. Je pense que Sion était fine aussi, mais le truc c'est que comme il pique Camille, il n'y a pas une véritable frontline qui peut se mettre devant les skill shots du Jayce par exemple. On l'a vu dans la game, il a beaucoup de dégâts, il y a une composition qui a beaucoup de range en face, donc pour une Xayah c'est difficile de vraiment s'exprimer en teamfight avec le frontline qui est trop faible tout simplement. Et du coup quand tu piques Camille, bah tu te forces à faire une game de fou, ce qui n'a pas été le cas parce que sur les 2v2 il a pas bien joué mécaniquement, il a essayé de prendre un V à un moment sur un timing où il y avait Malrang, et du coup sa game était finie à partir de là, et du coup il n'y avait plus aucun espoir pour les Misfits parce que en face Malrang et trop fort à League of Legends. Assez dur de revenir en tant qu'Emi lorsqu'on prend la pression. Malrang extrêmement puissant. Mais avant de parler du jungler des Rogues, les deux botlines nous offrent un très joli spectacle aujourd'hui, aussi bien côté Misfits que côté Rogues. On a un véritable affrontement. C'était un petit peu le Mersa Show en game d'introduction. Ici, on a eu bien un artiste de langage avec le fameux Rakan de Trimby. Ouais, il a été très très bon Trimby. Même si je trouve que ça tient bien quand même en botlane. S'il y a un truc où on peut être satisfait pour Misfits. Hein. Ça tient vraiment bien en botlane, ils ont réussi à faire un trap qui était relativement intelligent, non il fait des bonnes games. Je m'attendais à ce qu'ils craquent en botside, ils ont pas du tout craqué en botside parce qu'ils avaient pas mal craqué en fin de Spring Split. Les dégâts sont ridicules et en effet ça joue bien du côté du Rakan de Trimby dans cette game, mais globalement les Rogues sont juste au-dessus parce que leur top et leur jungle sont vraiment au-dessus, il y a des différences qui sont majeures. On parle beaucoup de beaucoup de joueurs chips, mais il y a un poste sur lequel on ne s'attarde pas trop, et c'est parce qu'on a l'impression que ce poste il est relativement un non-facteur finalement dans les deux premières games qu'on a eues. C'est évidemment la mid lane, on farm et on produit pas tant de choses que ça. On doit être précis bien sûr sur les rotations, sur les récupérations de wave en side, ce que Larsen et Veto font très bien, mais globalement on a eu ni un Azir ni une Syndra qui a eu le moindre facteur clutch dans la rencontre. Non, bah le Azir, il essaie de se faire plaisir Larsen dans ce duel face à Néon qui finit par perdre. Mais effectivement, le truc c'est que VTO finalement, il récupère ce TP advantage. Mais la réalité de League of Legends en 2022, c'est qu'un TP advantage en solo lane, ça n'a pas l'impact d'un TP advantage les autres années parce que tu peux pas TP sur une wave bien après sûr. 14 minutes ou un truc comme ça. Donc c'est bien, tu vois, mais qu'est-ce que tu fais de ce TP advantage ? Finalement pas grand chose, et c'est vrai qu'on l'a pas senti, il a pas pu être décisif dans les phases de regroupement VTO parce qu'en face il y a beaucoup de range aussi, il est menacé par un Trimby aussi qui est toujours positionné dans un buisson prêt à te punir dès que tu fais le pas de trop. Bien sûr. Donc c'est pas facile, hein. Rogues sont mieux positionnés, ils prennent mieux les fights, ils sont meilleurs, ils sont bien meilleurs. Et ce qu'on remarque c'est que la laning phase ne dure pas si longtemps que ça. Dans ce BO, on ne reste pas très longtemps en botlane. Globalement, une fois le premier héros de la faille plié, le swap est quasiment déjà opéré très tôt. Ouais, ça bouge relativement vite, Rogue arrive à bien mener sa barque. De 15 à 25 minutes, on savait que c'était une bonne équipe et pour le coup ils le prouvent, ils sont bien meilleurs que les Misfits. Après côté Misfits, on banne Victor et on banne TF à toutes les games pour le moment pour faire des bons match-up à VTO et des match-up où il devrait pouvoir bouger. Le truc, c'est que pour le moment, ça ne fonctionne pas. Et je comprends pas pourquoi il pique pas Ryze ou ce genre de champion. En fait, si tu bannes TF et Victor, pour moi, c'est des bans qui sont ciblés pour pouvoir justement pick Ryze. Il a été très bon dessus en saison régulière. Pourquoi pas le sortir? Parce que c'est un champion qui peut être assez clutch, qui peut lui permettre de push and roam, ce qu'il ne peut pas faire pour le moment. Et si juste il est bloqué en lane contre Larsen, c'est le scénario le plus terrible pour Misfits. C'est le scénario idéal pour les Rogues, bien sûr. Ah oui, c'est ça, parce que les Rogues, autre part sur la carte, ils sont meilleurs. C'est sûr et certain. Ouais. En tout cas, c'est clairement la meilleure équipe ce soir. Pour le moment, bien sûr, le BO n'est pas encore terminé. Il va falloir quand même invoquer un river sweep. On va voir évidemment comment ça peut s'amorcer. On me dit que les Misfits seront blue side et je vous propose de se faire plaisir et de regarder vite fait les dégâts d'Odo amenés, les petites stats d'Odo amenés dans cette game. Parce que, dis donc, le top laner des Rogues, est-ce qu'il ne ferait pas une masterclass de BO pour l'instant ? On parle beaucoup de Malrang. Mais au dos quand même, Rumble, Jayce. Son Rumble était excellent. Il est top damage du BO, je pense. Ouais, non, mais complètement. Bah, le truc, c'est qu'il est. On l'a vu sur deux picks qui ont toujours été deux très bons picks pour lui. Rumble, on l'a pas vu depuis un moment, donc, mais ça a toujours été le meilleur Rumble, je pense, en Europe, au dos amené. Probablement. Ouais. Et son Jayce est très bon également. Et voilà, là, il est sur deux champions sur lesquels il fait la différence. Il prend ses responsabilités et ça pique. Un Odo qui, puis en plus en lane, tu vois, qui fait pas d'erreur par rapport à Irid, il le bait même dans des mauvaises situations. Donc, il y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est le meilleur aujourd'hui. Chapeau bas, Odo amené. Enfin, un dernier mot sur Malrang, toujours aussi impressionnant
dans cette game 2 pour toi, Tréton? Bah oui, il est trop trop fort. Il est sur tous les bons timings. C'est lui qui a l'engage à chaque fois. Il est bien suivi par Trimby en plus après en mid game. Il counter gank tout le temps. Enfin, ah, c'est vraiment impressionnant. Malrang et il mérite une petite de meilleur jungle de LEC. Ah, on est bien d'accord et on est unanime sur ce plateau. Malrang fait vraiment une saison tout à fait exceptionnelle qui pourrait très bien l'emmener au round suivant de cet arbre de playoff car eh bien, 3 balles de match attendent les Rogues. On est bien sûr dos au mur pour les Misfits. Il est temps de se réveiller ou de simplement eh bien, accepter eh bien, un funeste destin. On va voir un petit peu de quel bois ils se chauffent, les Lapinous, les Rogues contre les Misfits. Game numéro 3 dans quelques instants sur OTP. A tout de suite. Nous sommes de retour, l'heure est grave pour les lapins, Twixloo, mais pour les Rogues, eh bien on n'est pas loin de sortir la bouteille de champagne. Ah c'est, on aiguise. Ah, je pense qu'on passe vraiment un bon moment. Prêt. Ah oui, on passe un bon moment du côté des Rogues. L'équipe se porte à merveille. On n'a même pas besoin, je pense, de forcer trop, juste la lecture très très bien amené de Malrang et du reste de ses coéquipiers bien entendu, mais c'est Malrang qui visiblement est à l'initiative. Ça marche bien, on se comprend bien et encore une fois, j'en avais un peu parlé en saison régulière, mais des junglers qui nous viennent tout droit de LCK qui fonctionnent aussi bien avec un collectif européen, c'est une denrée extrêmement rare. Bah c'est vrai que quand tu regardes par le passé, voilà, Il y a Trick. Ils ont, après, quand tu fais le bilan, on a eu quoi ? Il y a eu Trick, donc en positif, il y a Malrang. Il y a eu Mowgli. Et en négatif, tu as eu Mowgli et Spirit qui est Spirit, bon, c'était Mi-raisin. Donc, enfin, c'est quand tu prends le total, c'est pas non plus tout le temps. Mais là, c'est surtout que tu vois, c'est pas forcément un jungler qui arrive et qui nous fait un superbe display mécanique de Viego, Lee Sin, en mode, oh, c'est un alien incroyable. Oui. Non, il a une communication et les Rogues ont une manière de jouer avec leur jungler comme si ils parlaient la même langue naturellement et qu'ils jouaient depuis des années. Il a un cerveau extrêmement bien irrigué. Ben ouais, et tout le monde se suit, c'est overclocké. Regardez-le sous ses mèches blondes, vraiment, enfin... Ah, sous ses mèches blondes, il y a un processeur absolument incroyable. Ah, c'est vrai que les gens disent Rainover. C'est vrai que Rainover a été une réussite. C'est vrai que Rainover a été une grande réussite, mais à culpa pour Regnogno. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, surtout. Je pense que c'est le point clé. Clairement. Mais ouais, de toute façon, bon, de tout temps, hein, les meilleurs junglers de l'histoire ont un passeport coréen. Oui. Normalement, ça marche. Ils connaissent bien la forêt. Game numéro 3 pour les Misfits. Bien, c'est potentiellement Fanny sous le baby, hein. Écoute, franchement, je le souhaite pas, mais c'est vrai que quand tu vois ce qui s'est passé, force est de constater. Bon, bien sûr, Rogue était le favori quand même en arrivant en SBO, je pense. Mais là, ils l'ont fait avec la manière. Grave. Il n'y a pas un moment où on les a sentis vraiment en difficulté. Game 1, Misfits a réussi, tu vois, à quelques moments à faire un peu illusion en mid-game, trouver des fights où c'était pas si mal, mais ils n'ont jamais eu le déclic du comeback. Et ils repartent sur ces mêmes bas, Misfits. Et j'avoue, Changer le fusil d'épaule, je pense que c'est important. TF et Victor font si peur que ça dans les mains de Larsen. Victor, incontestablement, Twisted Fate, c'est beaucoup plus discutable, mais j'imagine que voilà, si tu rajoutes pour Odo amener par exemple un Twisted Fate qui vient lui porter assistance, ça devient rapidement très compliqué, je pense, pour le top side des Misfits. Donc c'est raisonnable. Après, il reste Ryze et on peut avoir le même plan de jeu. Hein. Complètement. On pourrait drafter Ryze ici, mais Ryze, ça donnerait peut-être une opportunité à VTO de jouer le match-up direct mid lane, car pour l'instant, comme on le disait il y a quelques minutes, c'est un peu comme ça que je le ressens, la mid lane n'a aucune importance dans ce BO so far. Pas beaucoup, effectivement, pas beaucoup. Bon, pour l'instant, on est sur la même structure de draft entre les deux équipes, avec ce first pick Lee Sin, cette réponse à Felios, et je crois que c'était Voli. C'était Voli. Qui avait été drafté. Tout à fait. Et alors, franchement, vu la game dont sort Malrang. Pourquoi hésiter? Bien d'accord. Ça flex en tentant autre chose. Jungler AP. C'était Jace? Non, Jace c'était après, non? C'était après, Jace. Ouais. C'était après. Il me semble bien que c'était Voli Bear 2.
Eh bien, allons-y. Bon, on connaît un petit peu l'ambiance de ce match-up. Maintenant, quelle recette pour les Misfits ? Si on veut drafter un frontliner qui pourrait encaisser le pot, qui pourrait avoir une bonne lane phase contre Jace, on peut le faire. On peut drafter Sion, on peut drafter Malphite, on peut rendre la tâche plus difficile pour un topside des Rogues qui performe bien. Oui. On a l'occasion de le faire. Ouh. Là, le blanc pour VTO. Le Ryze est très sympa pour Larsen maintenant. Un Ryze qui, bien sûr, a un bien meilleur push, une bien meilleure gestion de wave. Donc, si on veut jouer sur ce tableau-là, on peut le faire. Écoute, ça pourrait être un ban de Misfits, en tout cas, pour la suite. Eh bien, on va voir. On va rapidement voir Nautilus validé pour les Rogues et pour Trimby. Nautilus avec sa batterie de CC qui peut potentiellement gêner le blanc, mais au passage quand même, Nautilus contre Xayah. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Leading Phase par contre, évidemment, près de niveau 6, il n'y a pas de débat, mais malgré tout, un Nautilus ça va vers l'avant. Et vers l'avant, évidemment, tu t'exposes au retour de plume, sachant que tu joues plus Aftershock. Tu peux te faire one tap, c'est possible, complètement. Et donc le Ryze qui ne sera plus une option pour les Rogues, les Misfits qui suppriment le champion. Ban de la Leona. Est-ce qu'il joue Vex, Larsen? Je pense pas. Hein. On l'a pas vu sur Vex, en tout cas. C'est pas trop sa cam. Hein. On l'a vu jouer une Ahri, mais c'était la Ahri la plus puante que j'ai vue sur ce Spring Split. Donc... Elle serait tout à fait jouable ici, mais... Encore une fois, ça donnerait de l'importance au match-up mid, et c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Moi, je recommanderais vraiment pour les Rogues, un mid laner, peu importe lequel, mais qui a un wave clear nettement supérieur à Leblanc et pour essayer de la lock sur sa position. Est-ce qu'il en reste? Popster, normal. Poppy, très bon ban. Ah, Poppy contre Leblanc ici. Très bon ban. C'est incroyable. Incroyable. Alors, Larsen. Oh, il est de retour. Okay, il est de retour. Le Jarvan First Strike. Il est quand même moins efficace là. C'est toujours bien contre Xayah. Contre Xayah, c'est excellent. Contre Leblanc, Lee Sin, c'est parfaitement inutile. Et s'il y a un TK... S'il y a un TK, il devient encore moins, a priori, impactant. Xayah Rakan contre Aphelios Nautilus. Ah, je me demande si ça peut vraiment jouer le 2v2. Hein. J'y crois moyen, quand même. Je suis pas sûr. Oh. Une Irelia Camille. Ah. Ah, on n'aime pas les frontliners, hein. On n'aime pas ça. Non, non, ah, on déteste. Et puis, tu vois, en fait, ce qui m'embête, c'est que Misfits, je les ai, en 2 ans de VTO Irid, je les ai vus plusieurs fois jouer le Camille, le Blanc, et je suis pas sûr qu'ils aient gagné une game avec ces deux champions ensemble. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. Oh, la Kaïssa Poke. C'est très bien contre le blanc jeu. Oui. Très bonne idée de la part des Rogues. Mais c'est dans ce match-up que Faker a risqué de la sortir la première fois. Tout à fait. Parce que Kai'Sa a un bon wave clear, Kai'Sa a un très bon trade back face à Leblanc, puisque Leblanc doit s'approcher et donc s'exposer à la pluie d'Ikatia. C'est un excellent choix. On n'a pas de frontliner, donc on prend n'importe quel missile. Oui. On est dans le dur. Oui. Mais s'il y avait un Sion ou un Malphite. C'est incroyable. Imagine, coucou, tu veux voir Malphite dans cette game contre ouais. Jace, Kai'Sa, Aphelios. Non mais je te dis, honnêtement, c'est insane. À chaque fois que Misfits a joué le blanc Camille, les games sont quasiment toujours les mêmes. C'est-à-dire, en général, il faut un bon early. Ouais. Genre, la Camille et le blanc sont bien. Bon, on verra pour la Camille, et en général, en mid game. Ils sont pâles dans les teamfights, tu vois, parce qu'ils ont. C'est très dur de setup les flancs, faut être parfaitement positionné. Et c'est difficile l'exécution de ce genre de fight. Et donc, j'avoue que je suis pas confiant connaissant l'historique lorsque ces deux champions sont alignés pour les Misfits. Mais écoute, game 3, faut y croire. À la draft est bel et bien lock à vos croquettes, mesdames et messieurs. Nous rentrons dans la première balle de match d'une longue série en faveur des Rogues.
Allô Freddy, allô Bubu. Allô Freddy. Allô Bubu. Ouais les gars, donc Freddy, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Ouais ouais, plutôt bien. Au niveau de la top lane, bon, Irith, c'est free kill. Ouais, je pense qu'on va focus encore un petit peu sur ce top side. Ouais, Malrang, bon, en plus il décide de flex avec son Jarvan first strike. Hein, ah mais... moi depuis Malrang est là, je vous avoue, je fais pas grand chose. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Freddy. Bon, en tout cas, on n'a pas eu d'invade, donc pas d'interruption. Dommage, on n'aura pas... Ouch. On n'aura pas pu entendre ce qu'avait Freddy 122 à nous dire. C'était certainement très intéressant. Freddy 122, bien sûr, un des monuments du championnat européen. D'abord top laner et ensuite, bien sûr, coach. Très bonne performance au Worlds, dont on se rappelle. On s'en souvient, avec les SK. Tout à fait. Et est-ce que quelqu'un peut bouger cette souris de l'écran? Pitié. On la voit là, elle est grosse. Ah, elle est... je vais tilter. Je vais tilter, je te le dis, je vais tilter. Vraiment, c'est ça. Alors. Allô. Bon. VTO, est-ce qu'il va pouvoir débloquer cette lane contre la Kai'Sa de Larsen? Oh, quel cancel de Trimby. Mais il lui a... Ah, il l'a complètement calmé, mais la plaque d'os lui a permis d'avoir un bon trade. Mais il l'a souillé. C'est, tu vois le même du gars qui essaie de se barrer avec qui se fait retirer par la cape. Oui, oui. Je vois très bien. Effectivement, c'est un peu ce qu'on a vu là. Mais le trade n'est pas si mauvais, hein, vraiment, pour les Misfits. La plaque d'os a fait toute la diff en réalité sur Mirsa, plaque d'os Guardian. Il a pas mal tanké les choses. Du coup, on a un summoner spell d'avance finalement sur ce 2v2. C'est pas mal un summoner spell d'avance. C'est effectivement. Écoute, on va voir. On a un Malrang qui passe vers le top side. Et quand même, preuve que le pick Xayah est quand même très fort parce que Rakkad n'est pas un très bon champion en lane, encore moins contre Nautilus. Et malgré ça, ils prennent le niveau 2. Ils semblent avoir la pression sur cette wave. Ah, Felios est vraiment, vraiment trop faible sur le. Sur la transi niveau 1-2, vous voyez ici le trade back, il est bon, il est très très bon pour Kai'Sa. Oui. Parce que déluge de lames, parce que le missile. Et ça va un petit peu... Non. Voilà, c'est dur pour Irith, c'est dur, on a un petit bouclier. On se maintient à flot, on a encore un cookie. Il y a la ward, on va voir Malrang. On l'a pas vu parce qu'il a longé le mur, on l'a pas vu, 100%. Ouais, joue bien Malrang. Il n'y a pas eu de ping, et effectivement, il a dû échapper à... VTO, attention à ce roaming ici, on est peut-être un peu en retard par rapport à cette wave, ça a l'air d'être un play. Ouh, est-ce que c'est un bon play pour les Misfits? On voit un Trimby qui s'interpose bien ici, on fait proc le Guardian, on va sous la tour, ça a l'air de mal se passer pour les Misfits, c'est une catastrophe. C'est un petit peu la cata, mais heureusement il n'y a pas de mid laner qui décale du côté de Rogue, pas de Larsen, donc on peut toujours back TP et faire comme si c'était rien passé. Par contre là il y a un dive qui va s'opérer sur Irith. La team first strike. Oui, c'est vrai. Qui va banquer. Allez Irith. Qui va banquer sur Irith. Allez Irith. Niveau 4. Ça fait du bien le niveau 4. Le tactical sweep. Le niveau 4 qui a peut-être découragé. Irith. Voilà, il trade back avec le bouclier, bien joué ça. Il les a regardés dans les yeux, il les a fait reculer Irith. Ouais, niveau 4 qui les a pas mis bien, je pense. Ouais, bon choix de vouloir contrôler un petit peu l'effort de guerre. Mais ouais, t'as raison, first strike. Bon, ça m'étonne pas sur Jarvan parce que J4 c'est vraiment. Ouais, t'en parlais tout à l'heure. Alors pourquoi pas, c'est vrai, mais. Franchement, tu auto-attaques pas avec Jarvan, tu combo ulti et après tu t'essayes de jongler un peu quoi. Ouais, moi ouais, j'aime bien. Ouais, ouais. D'autant plus que ça peut se défendre. Tu peux partir Boots, tu peux partir Futures Market pour Spike et tout. C'est sympa, je trouve. Mais disons que si tu mets pas ton ult, quand même, la différence à la fin est pas non plus gigantesque. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon. Mais avec l'ult, effectivement, pourquoi pas. Mais en revanche, sur Jace, je trouve que c'est extrêmement osé, notamment dans un match-up comme ça. Mais bon. Odoamne qui est très confiant. Oh, Malrang. Arrête Malrang, arrête. Oh, Malrang, c'est... Oh, c'est grave, hein. C'est très très grave, Malrang. Et regarde, le loup sort du bois pour punir les Misfits. VTO peut-être en difficulté, il a tout de même un flash. VTO, il va pouvoir se repositionner. Mais Malrang, hein, une nouvelle fois, présent au bon endroit, au bon moment. Par contre, on n'avait pas Shlatan pour les Misfits. Tout à fait. Et il faut dire qu'on s'en sort bien du côté des Misfits également. Oh. Parce qu'il n'y a pas de conséquences de laning. La bonne inspiration. La plante. Trimby le flash.
Oh, ils l'ont empêché de prendre le Blasting Cone. Mais Mersa qui se retrouve de l'autre côté du mur en compagnie de Trimby. Petite fessée, histoire de le raccompagner. Je ne sais pas comment il a réussi à auto-attaque ce bulbe, mais... J'ai quand même l'impression qu'on avait le temps du côté des missiles de repositionner ce Nautilus dans une situation défavorable. En tout cas, on insiste sur top. Oh, le pollen est très très clutch. Irith, oh mon dieu, Irith là qui tente ce all-in et la présence de Trimby qui force le flash out. C'était chaud. Mais attention, nouveau round. Attends la wave par pitié. Malrang. Ah, par contre, Schlatan qui ne va pas aider son top laner à cache sa wave. A priori, ça reset, mais il y a quand même un risque de dive. Je sais pas comment Irith va réagir. Et ben il va catch tout simplement. Et on n'essaye pas d'entamer un petit Drake, on est plutôt en mode counter jungling. Et en mode ping bot, j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire quelque chose sur la botlane. On a vu Malrang topside. Qu'on peut respecter actuellement. Ouais. Et Théo qui est touché par ce missile. Schlatan qui vide la jungle de Malrang. Et Comp effectivement, qui perd une wave, je sais pas si elle était massive. C'était pas une wave canon. Non. Et la prochaine non plus. C'est peut-être une wave canon. En tout cas, son support est de retour, il va pouvoir cash. On a réussi à counter tout le bot side jungle, donc Malrang s'est quand même fait pas mal larciner. Hein. C'était pas une wave canon, parce que c'est la prochaine. Il est passé au travers, il flash out directement pour éviter le knock-up de Mersa. Nouvelle escarmouche ici engagée entre les deux équipes. Attention pour les Misfits, ça peut sentir très mauvais avec l'arrivée de Larson. First Blood en faveur des Rogues, c'est peut-être pas terminé, quoique Irith. VTO, pardon, qui fait la différence ici. Et. 2 pour 1. C'était chaud, mais 2 pour 1, effectivement, en faveur des Rogues. 2 pour 1 avec Blue Buff quand même récupéré par Malrang. Gros avantage de farm pour Schlatan, mais encore une fois, deux junglers qui n'ont pas forcément le même rôle ni le même besoin d'items. Malrang a déjà l'essentiel en soi. Et on peut revoir ici, bon, Malrang qui se fissure un peu sur combo, mais qui flash out extrêmement bien. Super important de le réussir celui-ci. Et on voit que bon, on a une Kai'Sa mid, hein, donc c'est pas non plus la folie, surtout que... Attends, il a fait n'importe quoi, Larsen. Oui. En fait, ils auraient pu mieux jouer les Rogues, complètement. Parce que Larsen a Z in, ulti in, sur rien. Ce qui forcément a un intérêt limité, quoi. Mais bon, les conséquences sont quasiment invisibles, donc il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Écoute... Misfits qui aurait pu, ça aurait pu être catastrophique hein, potentiellement ce play dans la jungle des Rogues. En effet. On s'en tire de façon correcte. Kill sur VTO et ça le blanc. Est-ce qu'il a une bonne game pour carry avec le blanc là? Quand on voit l'état. Bien, il est solo AP donc c'est la bonne nouvelle. Il est solo AP et attention sur X-Flash. On est lock, le missile. On n'a pas le killer instinct, effectivement. Mais il a un deuxième missile. Ça met un peu plus de temps quand même. Attention, Schlatan. Oh le kick ici directement, mais du côté de Irith, on pourrait tomber sur repositionner le dunk de Malrang. Et on doit amener qui se jette dans l'arène. Schlatan accepte le duel, mais Schlatan était un peu plus solide dans cet exercice. Double kill pour Schlatan. Attention, Misfits. Misfits qui arrache. Effectivement, Larsen était en embuscade. Et les Misfits qui arrachent les deux kills. C'était pas mal du tout, Irith a tenu beaucoup plus longtemps que ce que je pensais et pourtant il n'avait pas de passif. Comment s'en est-il sorti? Oh, très très bel ultimatum X-Tech. Attention, le solo kill peut-être pour VTO. Le solo bolo. Larsen qui tombe 2-0 pour la Leblanc de VTO. C'est ta game, Bébou. C'est ta game. Allez, Dragon qui époule ici par les Rogues. Petit bonus, mais avec une mid lane morte. Et une bot lane qui a quand même... Pas mal la position, ce dragon, non mais c'est illégal, il peut pas le faire, c'est pas possible. Néon, pour le contrôle ce checkpoint, contrôle ce checkpoint, Trimby ici. Ouh, cet encre ne suffira pas, le kill est en faveur de Néon. Les Misfits qui punissent un move assez greedy des Rogues et qui vont pouvoir peut-être faire main basse sur le dragon. De leur côté, la présence de Schlatan devrait confirmer la prise d'objectif. Et oui, les Rogues qui vont faire un petit peu n'importe quoi sur ce pool de Drake. Regardons la situation sur... Bon, on va d'abord regarder le... Il est passé à côté d'une pink. Ouais. Feto est tout... Il est vraiment passé comme ça, Larsen? Ouais. Il flash même pas la chaîne. Ouais, non, mais... Enfin... Mais attends, mais c'est un creep. Ben oui, frérot, tu as un flash. Et tu étais gênant.
Mais enfin, c'est... Tu as un flash. Bon, Larsen, quand même. Bon, il devait être outré de cette fée. Finalement, limite, ce qui a fait... VTO lui a mis combien d'auto sur cette phase? Ouais, je pense j'ai que pas c'est... compté, mais beaucoup. Bah, c'est sa deuxième source de dégâts, je pense, sur le trade, clairement. Non, mais c'est vrai, bizarre, parce que, évidemment, les, tout mid laner, normalement, fait le tour hein, sur ce genre de situation, surtout dans un match-up aussi, aussi effrayant. Le blanc, qui raffole des embuscades comme ça au coin d'un mur, au détour de la vision. Tu passes pas par la corniche juste après que la Leblanc ait crash sa wave. Enfin, c'est, ça reste basique. À moins que tu passes avec un sweeper, tu vois, mais... À moins que tu sois sûr qu'il n'y a pas de vision, c'est vrai. Ouais, ouais, mais là... Là non, Larsen, petite... une erreur quand même assez grosse. Cette auto-attaque, nous dit-on en régie. C'est pas mal cette auto. À 7 fois quoi, 50-55? Ouais. Pas mal quand même. On se remercie ça. Qui a été repéré par ce sweeper. Misfits en bonne position, le Jace n'est pas au rendez-vous, ça sent... Ça sent l'euro de la faille pour Misfits, sans contestation rogue a priori. Tout à fait, mais on a un Felios qui push bot avec... Un timing chakram, j'ose espérer. Techniquement. Quoique, on est à 12 minutes. Est-ce que... Ça dépend de sa gestion, en fait. Ouais. Parce que les Aphelios peuvent vraiment faire sauter leurs armes comme ils le souhaitent, s'ils se battent avec Q, d'ailleurs. Etc. Il essaie. Non, il a pas. Ok, très bien. Il y a Trimby qui bloque la transi. Plutôt une bonne nouvelle. Un petit coup de sniper. Ah, dépendamment de ce héros de la faille, ça peut être un bon trade pour les rogues. Mais bon, ce héros de la faille, il est mid. Oui. Oh, le burst ici de Doivenet. Le burst, il a cette éclipse, il le fait sentir au Doivenet, Irith doit reculer. Ça a pas marché. Il a peut-être fait trop tôt, non? Ah, peut-être. Il a peut-être fait trop tôt. Mais c'est vrai que normalement, c'est une interaction qui met Camille dans la sauce. Oui. Mais oui, je crois qu'il a eux avant que le Wushot connecte. Oui. Ça a rien cancel. Oui, mais limite au début. Allez, le kick. Attention, le kick ici, Shlatan, l'once noir est allié. Comme qui va tomber. Malgré son flash out, Trimby est forcé de reculer également. On perd les flashs sur la botlane des rogues. Belle percée Irith. Le retour ici. Le flash hookshot, enferme-le. Nom. Un bel ulti Shogat bien tassé sur un timing Trinité et une téléportation pas du tout respectée par monsieur Odo Amné. Ouais. Il fallait partir. Peut-être trop mis en confiance par son timing Eclipse et par le trade précédent. Mais effectivement, la Camille qui revient avec Trinité. Il aurait dû push de loin et tranquillement reset sans faire d'histoire. Et là, les Misfits, de très très loin, la meilleure partie. En tout cas, le meilleur quart d'heure de jeu de ce BO. Attention, le X-Flash, ça peut être dangereux pour VTO. Il attend, il est patient, le mid laner des Misfits. Attention à Malrang qui est repéré par Shlatan. Et là c'est la T1 top qui va tomber. Oh, Irith se régale. On a quand même une boulette du Jace, mais la tour est récupérée. Deuxième tour du match en faveur des Misfits. Quasiment 4000 gold d'avance. Déjà deux tours. Le réveil. Ah, c'est énorme. Et ici les rogues qui commencent à suer à grosses gouttes. Alors bien sûr ils ont une rédemption. La rédemption s'appelle Kai'Sa, elle s'appelle Aphelios, s'appelle Jace. Ça s'appelle globalement composition qui poke plutôt vénère. Mais encore faut-il qu'il y ait une base à défendre. Et les Misfits, bon, maintenant c'est la course à l'accélération. C'est un des exercices les plus délicats dans League of Legends. Tu as l'avantage, comment tu gagnes la game? Mais d'autant plus, tu vois, je reviens à ce que je disais en draft après la validation du Lee Sin Camille, enfin du Leblanc Camille, mais encore une fois pour Misfits. Quand ils ont joué ces deux champions-là ensemble, ça n'a jamais été ces 14 premières minutes et même les 5 suivantes qui ont été un problème. C'est après. Non, c'est après. Après, quand il s'est agi de jouer sur les dragons, sur les barons, etc. Attention, Shlatan ici. Très bonne grenade ASM du côté de Trimby. Shlatan à l'article de la mort. Merci à Poisson. Oh, dunk de Malrang. Magnifique celui-là. Il intercepte les deux missiles en plein air. Et on aurait certainement dû... bien reculer, plus considérer le manque d'informations côté Misfits. On n'avait pas beaucoup d'infos sur le positionnement des joueurs adverses. Et malgré tout, un Nautilus qui grabe un mur, ça a semblé trop appétissant. C'était SS, il faut le dire. Ouais. Mais il y avait peut-être Anguille sous roche, effectivement. Irith, qui passe sur de la vision. On peut pas faire grand-chose, on n'a plus de wave. Néon, par contre, qui joue très haut. Il est en confiance sur sa Xayah. On revoit. T'as aucune info sur mid, top, jungle adverse. Ils ont quand même joué sans Camille, sans Leblanc.
Et oui, enfin c'est du 3v5. C'est un 3v5. Oui, absolument. Voilà. Ah ça, ce genre de choses, c'est pas ouf. Pour mid tout de même, 3 tours à 0 pour une site, donc malgré le petit incident diplomatique là autour de ces Raptors, le bilan est quand même très bon pour les Misfits. Naturellement, surtout que on assure au maximum avec les dragons qu'on se met de côté, on prie pour une bonne âme. Océan infernal, c'est pas infernal, c'est nuage bien sûr. Nuage. Oh bon Dieu, il irrite les dégâts, Larsen est forcé de flash out. Il a pris un coup de tour en plus. Il a pris un petit coup de tour. Il a pris un coup de tour. On est peut-être pas super à l'aise avec cette Kai'Sa à côté Larsen. Non, effectivement, on n'est pas impressionné, c'est pas Faker. Pour le moment, ouais. Pour le moment, ça ira mieux, hein, bien sûr, une fois qu'il pourra spammer les missiles et incarner complètement la Kai'Sa laser. Mais j'ai l'impression qu'on est plus Kai'Sa laser que Kai'Sa. Voilà, c'est un petit peu comme lorsqu'il y avait plein de picks mid lane qui étaient joués jungle. Du coup, les midlaners se régalaient en voyant les junglers se casser les doigts sur leurs picks favoris. Oui. Là, c'est un petit peu le même principe. Ça reste un AD carry. Et ça va avec les mécaniques d'un AD carry, en quelque sorte. Jusqu'à ce qu'on soit un Xerath, évidemment. Je sens qu'on n'est pas full à l'aise avec le hit and run, déluge de lames, papapa. Hello. Au détour de ce buisson, Trimby qui lâche sa... Eh bien, son meilleur combo pour permettre à Larsen de commit. Il n'y a pas de flash pour Irid qui tente de se battre. Non. Oh, superbe, ici le guardian et le shield du Rakan de Mersar. C'est beau. C'est magnifique, il faudrait revoir en replay. Je crois que, encore une fois, on n'a pas bien exécuté le combo au niveau de Larsen parce qu'on peut utiliser un Z pendant le travel time, mais le CD était peut-être trop long. En tout cas, il manquait pas grand-chose. Hein. C'est dommage pour les Rocks, c'est dommage. Vraiment dommage, ça aurait fait beaucoup de bien. Mais bon, on n'est quand même pas sous état d'urgence, étant donné que Larsen notamment farme très très bien. Attention, Malrang. Mais c'est le one tap. Malrang et VTO. Attention, Shlatan ici directement. Ouh, le relais est parfait, oh là là. Il le dépose dans la bouche de Néon, qui n'a plus qu'à croquer. Ah, tu sens que la Grinta est de retour, on est en situation d'avantage, on se libère de la frustration des deux parties précédentes. Ouais. Mais... Moi, ce qui me fait trop marrer dans le tas, c'est quand même Irid qui est en mode skill check à chaque game. Ça se passe pas bien les deux premières games, tu pourrais dire bon. On va jouer un Sion. Eh non. Ah non. Eh non, non, non. Eh non. On va jouer encore Ça passe à la troisième. Encore plus rude, encore plus risqué. Ouais. Et il faut la gagner. Est-ce que ça passera à la quatrième, tu vois? Bah, la logique voudrait que non. Et l'expérience voudrait également nous enseigner que non. On va voir, on va voir. C'est pas comme ça que ça se passe, VTO. Qui tente bien sûr les one tap, autant que faire se peut. Oh, Irid. Ça va. C'est du 1v2 là pour Irid. On le sent. Il le testera pas. Et nous t'en sommes reconnaissants, Irid. Merci monsieur Irid. Merci monsieur Irid. De ne pas t'amuser avec nos espoirs. Et les Rocks donc maintenant, formation tortue nécessaire. On n'a pas énormément de temps à attendre en théorie. Cette Kai'Sa a déjà l'évolution de son Z. Ouais. Pourquoi elle l'a pas d'ailleurs? Devrait l'avoir. Je suis one head ou il manque un item? Y a pas une histoire de long sword? Non, c'est celle du Z qui est celle du Z. Mais normalement effectivement c'est ça avec le tome d'amplification. Donc Larsen est quasiment prêt. Ça devrait commencer à créer quelque chose. Ah, les rogues. Il a les vols, ouais. Bon, les rogues qui... Mais on la voit pas en bas à gauche. Il va falloir faire attention pour les missiles, hein, parce qu'on n'a pas, ce bouclier de chair pour encaisser les missiles de la Kai'Sa. Exactement. Et ça, même si t'es bien, d'un coup tu peux prendre un missile, deux missiles, et en fait ton play, toute ta mise en place pour ton siège, peut s'écrouler. Et surtout la grande difficulté, c'est de gérer un Baron Nashor avec cette menace constante de missiles de Kai'Sa. Et ça, c'est un petit peu... ce sera l'épreuve finale pour les Misfits. Est-ce qu'on est capable de faire un Baron Nashor smart face à une composition Rogue qui est quand même pas mal designée pour déranger les équipes statiques? Oui. C'est osé. L'escarbouche Trimby qui va rapidement tomber. C'est osé, Trimby. Mais le missile. Ah, le call Baron. C'est repéré. Est-ce que Larsen peut rentrer dans cette jungle pour essayer d'aller poser de... Oh, ici le burst
sur Larsson. C'est tellement important. Il vient de lui dire rentre chez toi. C'est tellement important parce que là on ne peut plus avoir cette phase de poke. On a un Jace qui est coincé bot side. On peut aller au bout de ce baronnage, ça va mettre du temps. Il a TP au dos amené. Est-ce qu'il va TP ici avec la Kai'Sa out? Ah, je sais pas, j'en ai pas l'impression. Irrit, oh, oh là, oh le choc. Le choc ici, tête contre tête entre Malrang et Irrit. Et la Camille qui vient à bout de ce Jarvan. Écoute, les rogues s'effondrent complètement dans ce match. Ouais, mais Misfits qui est allé chercher aussi cette situation. Et là, on ressent quand même... Bon, évidemment, il y a un très bon jeu sur les sides, etc. Mais là, on ressent pour la première fois dans ce BO un impact de midlaner concret. Bon, avec une Leblanc, c'est compréhensible, bien entendu. Odo amené qui se fait catch ici, soulevé par-dessus. La patience de Irid sur le hookshot a certainement sauvé la vie de son support. Et c'est un Medjay pour VTO. Absolument. Le Medjay, oh, il est redoutable, là, VTO. C'est un gros timing pour lui. Irid également, qui fait des trous désormais dans chaque ennemi qu'il croise. Mais la Kai'Sa est online. Oui. Et la partie pas encore passée dans la catégorie irrattrapable. Oula, attention à ces missiles. Mais le push Baron Nashor tombe à pic. Il tombe à pic. Parce qu'on peut se réfugier derrière les minions et éviter de se faire missiler to death. Ouais, et puis ça push trop vite pour qu'une Kai'Sa ait vraiment, a priori, la possibilité d'installer son poke. Oh, ça se joue à peu de choses quand même pour Mersa. Ça aurait pu être catastrophique pour les missiles qui vont forcer. Sur cette T3, on tente l'ulti même. 200 années. Hein. 200 ça fait années. Mal le one tap, la chaîne qui ne connectera pas Larsen avec les bons petits pas. Avec Théo qui buff la wave mid, il faut rotate peut-être pour les Misfits. On a quand même envie de prendre cet inhibiteur bot side. Oh. Ah, le poke, on n'a pas de frontliner vraiment compétent. Même avec un Schlatan qui est quand même vachement accéléré, qui a déjà Death Dance, on sent qu'on ne peut pas tout encaisser. Hein. Ils peuvent prendre les deux inhibs. S'ils ont les deux inhibs, la game est terminée a priori. On va tenter quelque chose. Mais oh, le boss, le magicien compagnie disparu et également qui va tomber. Les Misfits, la game, les Misfits qui reviennent dans ce best of five. Ça peut être totalement la game, mais il va y avoir Malrang qui va lâcher tous ses cooldowns. Il va tout mettre, hein. Il va tout mettre, le jungler des rogues. Là, on va voir dans son assassinat, il a été anticipé. Oh, superbe rogue de Mersa. Et VTO qui va pouvoir enchaîner. Peut-être Schlatan qui n'a pas pu connecter Larsson. VTO, ah, la deuxième distorsion dans la bouche. Larsson tombera et les missiles reviennent 2-1 en faveur des rogues. Et ils les ont purement et simplement écrasés. Et ils ont gagné avec Camille Leblanc. Avec Camille Leblanc. C'est rassurant, une top lane qui ne s'est pas fait totalement désintégrer et une mid diff qui me donne le tournis. Une belle game de la part des Misfits, mais peut-être plus une non-game des rogues. C'est discutable. Hein. Après, il y a eu quand on y repense, ce 2v2 top qui cette fois-ci a tourné à l'avantage des Misfits. Sur la mid lane, Vincent a réussi à faire la différence. Bot, Néon toujours très efficace finalement avec ce pick Zaya. Ça a été une bonne formule pour les Misfits maintenant. Est-ce qu'ils vont pouvoir répéter l'expérience? D'autant plus que maintenant le choix du side est pour les rogues. Et donc ils risquent de passer en blue side. Et donc c'est là où vient l'épreuve. Il faut gagner un red side. Naturellement. Et je pense que les rogues vont rapidement fixer les problèmes principaux qu'ils ont rencontrés. On va en discuter sur le desk dans quelques instants. Mais essentiellement, donner un match-up à Larsen qui lui permet de clear des waves sans se faire victimiser. Et à partir de là, effectivement, je pense qu'on a, on a une très très bonne base pour revenir dans ce BO. Faux pas pour les rogues, bonne nouvelle pour les missiles, bonne nouvelle pour le spectacle. Malgré tout, la tendance est toujours favorable pour les favoris du jour. Absolument, absolument. Mais on va voir comment ça va se goupiller pour la suite. On part en plateau, donc restez avec nous, 1h30 de pause et on débrief ce match 3 et cette première victoire de Misfits. Peut-être pas la dernière, ou peut-être la dernière, nous le verrons. A tout de suite. Et l'espoir renaît après cette troisième game, la première victoire de Misfits. Ouf, on souffle un peu avec une Leblanc du côté de VTO, une Kai'Sa en face pour Larsen qui n'a pas trop payé.
Qu'est-ce qui s'est passé sur cette mid lane, Tréton? Bah écoute, en réalité, en pur 1v1, en early game, il s'est pas passé grand-chose, voire même c'était plutôt Larsen qui menait les débats en termes de farming et de trade, même si Veto avait le push, et c'est le push qui était important, parce qu'à chaque fois, dès qu'il y avait un décalage de Mersa ou de Shlatan, c'était Veto qui était le premier sur l'action, c'était lui qui faisait le pré-décalage, qui avait toujours la pression qui jouait dans le foc, qui mettait bah, au final une pression assez énorme sur les Rocks, qui n'ont pas du coup pu développer leur jeu comme ils le voulaient, Malran qui n'a pas pu passer devant comme il le voulait, et derrière, après en termes d'assassinat, en termes de skill, Veto a fait la différence. Donc j'espère qu'on le reverse des champions comme ça. Moi j'attendais plutôt sur du Ryze dans la draft, mais le blanc ça marche aussi. En tout cas faut pas qu'il sorte pour moi de ce genre de champion, faut qu'il arrête de jouer des matchs dans ce BO et ça peut peut-être passer parce que sa bot lane est vraiment en forme. Ouais justement, on a vu les moves de début de partie avec le dive, le décalage de VTO, on a eu un peu peur et finalement ça a bien joué dans la jungle. Cette duo lane qui, bien qu'on ait eu deux défaites côté Misfit, confirme un très bon état de forme. Ouais ils jouent vraiment bien League of Legends, ils arrivent à gagner leur matchup globalement, ils arrivent à bouger en premier. Et là, enfin, Larsen, pas flash, mais surtout pourquoi il ulti pas ? Ce moment était cringe. Bah, le truc, c'est pas ulti, moi, pas flash. Et les autos de VTO. Et là, c'est le moment où Mersa et Shatan se chauffent un petit peu alors que leurs deux Sylvaners sont en side. Bon, c'était l'erreur de Misfit, je pense, dans la game, mais surtout globalement, il n'a pas trop eu. Ça redonne un petit peu d'espoir. Après, ils vont perdre le side. Enfin, en draft, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est cool au moins de voir Misfit exister dans le BO. Ça aurait été dommage de se prendre juste un 3-0 sans jouer à League of Legends. Ouais, et finalement, VTO avec une Leblanc, donc un pic de cœur, contrairement aux deux premières games qui étaient plutôt sur donc, après, de la range, Syndra. C'est aussi des pics de cœur, tu vois. Syndra, Zoe, oui, qui kiffe, mais c'est juste que c'est des pics moins, qui peuvent moins faire les choses tout seul. Exactement. Et est-ce que c'est pas finalement dans cette formule dans laquelle on connaît VTO où il peut avoir amené le plus à son équipe? Bah, potentiellement. Si, potentiellement, tu vois, c'est sûr. Larsen, là c'est toujours pareil, si tu joues un match-up, même qui va être. Même si t'es censé avoir un léger avantage, même si t'as un 55-45 sur le papier, t'es à peu près sûr que Larsen va pas passer en dessous du 45 de son côté, tu vois. Donc il est très bon pour annuler des match-up et pour les jouer à la lettre. Par contre, on l'a vu sur Kai'Sa, autant ça se passait bien dans le match-up pur, mais c'est vrai que quand on a commencé à jouer sur la map, quand c'est parti un peu au-delà de la lane pure, Larsen s'est un peu brisé les mains quand même, notamment sur le play au niveau du blue buff. Le petit Z ult là, qui a été loupé. Bon. Oui, c'était pas terrible, terrible. Et je m'inquiète un petit peu en vrai pour la botlane Rogue, parce qu'en soi, ils ont un match-up qui est vraiment bon. Sur le papier, je pense que Aphelios, oui. Nautilus est largement sur Xarakan. Ils prennent un premier trade qui est un peu étrange, enfin qui aurait dû mieux se passer, je pense, pour eux. Ils sont allés un petit peu trop loin. Ils n'arrivent pas à bouger après. Enfin, je suis surpris par la non-performance de gros guillemets de Trimby, qui est un petit peu en deçà par rapport à un Mersa qui joue vraiment, vraiment bien League of Legends. Ouais, deux petits solo kills du côté de VTO, un bon DPM, des très belles stats. Et avec, pareil, un Jarvan encore dans les mains de Malrang, mais cette fois-ci, un Jarvan qui a moins de possibilités. C'est pas contre une Zoé, c'est contre une Leblanc. On a un Rakan, on a une Zaya qui peuvent quand même tous un peu disengage. On l'a senti moins impactant, Malrang. Et on voit quand même la différence, notamment aussi du côté du 2v2 topside. Bah, je suis assez d'accord. Cette fois-ci, le Jarvan n'a pas eu un très gros match. Est-ce que effectivement c'était parce que la mid lane avait des dashs, il y avait qu'un champion a priori vraiment attaquable? Oui, ça peut jouer. Jarvan, ça se drafte pas n'importe comment non plus. Hein. Techniquement, t'as besoin quand même d'un peu d'assurance pour ton ulti. Et pour le coup, ça a été une game difficile. Et puis les trades en early aussi. Là, c'est toujours pareil. Ses combos n'ont pas abouti sur le top side. Il s'est fait kick out. C'est le genre de petit détail. Parce que Jarvan, étant donné que tu joues pas Conqueror en plus, si tu rentres pas tes spells, bah en fait, après t'es un creep quoi, après tu fais rien. C'est seulement logique. Quand tu joues Jarvan Kai'Sa, en soi c'est un énorme disrespect. Quand tu joues into Lee Sin Leblanc, t'es vraiment pas censé exister dans le match. Et pour le coup, c'est logique en termes de draft que les Misfits aient juste totalement pris la game à leur avantage dès leur early game via le mid jungle. Ouais, et il faudra encore en prendre au moins deux. Et donc on m'indique que Rogue a choisi forcément le blue side, donc on change de côté, on va pouvoir se sécuriser quelques pics assez top tiers, notamment peut-être aussi cette Leblanc qui devrait réapparaître dans les bans peut-être du côté des Rogues. Bah après pour moi la grande question c'est est-ce que les Misfits peuvent trouver un counter pick qui fait très mal, tu vois, un truc au top par exemple qui met au dos amené vraiment dans le dur en 1v1. Va falloir sortir un truc qui, enfin quelque chose qui fait la différence en red side quoi, un counter pick fort. Un counter pick, après ce qui est bien c'est qu'au moins dans un counter pick on peut se dire que on n'a pas trop vu Irith jouer des Wixad ou comme il devrait les jouer, en tout cas on l'a pas vu sur un tank, on l'a vu que sur des picks agressifs des Camille. Est-ce que c'est une arme qu'il a dans son attirail ou alors vraiment on est
condamné à voir des Camille. Moi, je pense qu'on est condamné à avoir des... Enfin, condamné. Moi, je pense qu'il va jouer que des match-ups skillés et des match-ups dans lesquels il va vouloir outplay Odo. Après, c'est pas parce qu'ils sont en red set qu'il va forcément avoir le counter-pick. Moi, je pense que le gros problème côté Misfits, c'est la draft en bot lane. Si jamais comp à soit Jinx, soit Caitlyn, je pense que la game est très très compliquée et je sais pas s'ils peuvent se permettre de ban les deux en première rotation. Après, la Caitlyn en game 1, elle avait pas pris tant de plaques que ça. Ils n'étaient pas non plus totalement imposés. En vrai, ils s'en étaient bien tirés, j'avais trouvé aussi. C'était pas... Certes, mais il a quand même été devant dans toute la game. Il n'est pas mort une seule fois. Enfin, c'est des champions sur lesquels il est vraiment, vraiment beau. Oui. Non, mais de toute façon, c'est des champions qui sont dangereux dans les mains de comp. On en parlait en pré-show. Concrètement, c'est des picks qui actuellement peuvent permettre à Rogue de gagner une game et d'avoir un plan de jeu en early. Il y a des choses, des picks qu'on n'a pas encore vu, qu'on pouvait peut-être attendre. Le Varus, la Ashe, on avait parlé en pré-show, on est resté vraiment sur Xayah, on est resté sur Aphelios, Jinx. Ce qu'on a vu un peu du côté de la Corée finalement dans les playoffs précédents. Donc oui, pas d'ajustement à chercher. Bah, c'est juste la Xayah qui arrive en masse, mais sinon ça a pas l'air de bouger en tout cas pour le moment. En tout cas... Ça fait 2-1 avec une remontée du côté des Misfits. Toujours au moins 2 balles de match pour les Rogues. On va voir si les Misfits sont capables d'emporter un red side. On va faire une petite pause et on va revenir pour peut-être ou peut-être pas cette dernière game de ce BO. A tout de suite sur OTP. Et nous sommes de retour pour une nouvelle balle de match en faveur de Rocky. Cette fois-ci, on récupère le blue side et on rentre directement dans la draft. On rentre directement dans la draft, en effet. Ban de Jinx instantané. On veut aller forcer un ban de Caitlyn très probablement du côté des Rogues. On va voir s'il change un petit peu des choses, s'il montre peut-être plus de cartes. J'imagine qu'ils en ont encore. Je pense qu'ils ont encore des petits tours dans leur manche, les Rogues. On va voir si les Misfits vont être capables de faire une bonne draft en red set, ce qui est vraiment pas certain. Allez, un petit ban de Leblanc peut-être contre VTO qui était présent sur les premières games, ils l'ont un peu oublié en cours de route, ce sera un Nautilus, il y a aussi encore la Zeri, Zeri Caitlyn, hein. Encore accessible. Ouais, Zeri qui est beaucoup plus du côté des Misfits. Après tu me diras, côté Rock, on a déjà vu de très belles performances de comp sur tout Zeri. À fait. C'est bien de ça dont je me méfie. Ah, il est bon comp, mais en vrai dans ce BO il est maîtrisé globalement. Mais je ne m'attendais pas à ce que la duel de Misfits fasse une si belle performance. Pareil, tout pareil. Je pensais vraiment que c'était peut-être même là où ça allait être le plus difficile. Je pensais qu'Irith pouvait monter son niveau. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Irith le verre dans la pomme. Bah, le truc, c'est. Par rapport au split, oui. Par rapport au dernier BO qu'il avait fait contre Odoamne, je me disais que Irith pouvait le tenir. Et du coup, forcément, on banne le TF et on récupère une Zeri. Après, il y a encore Aphelios en réponse. Il y a encore Xayah. Xayah qui marche plutôt bien contre Zeri au passage. Et un Ekarim draft particulièrement tôt. Pour Shlatan. Ouais, il y a toujours ce Ryze hein, qu'on n'a pas trop vu dans ce BO. Ah ouais, moi on aimerait bien un petit peu là maintenant le voir récupérer. Bon, peut-être qu'on veut jouer en counter pick de Larsen et donner ce counter pick à VTO. Après, est-ce qu'il y a vraiment. Alors, les counter picks de VTO qui peuvent être intéressants, il y a Sylas évidemment, mais je pense qu'on ne laissera jamais un bon Sylas à VTO. Oui, je suis bien d'accord. Un Rakan pour Mersa, s'il récupère. Oui, s'il ban. Non, ils peuvent récupérer la Xayah en 3ème pick. Et ils peuvent tranquille. Ouais, c'est dans un très bon draft, ouais. C'est vraiment une bonne étape de draft. À voir ce que Trimby va prendre contre un Rakan. Attention, parce qu'il est capable de jouer des Morgana, des vraiment hard counter pick de Rakan qui peuvent être embêtants. Il a aussi un bon Galio, Trimby. Il y a Leona au pire, hein, qui fera toujours le taf. Hein. Leona fait le travail et toujours ce Jarvan pour Malran. Mais je suis moins fan de ces Jarvan en blind contre beaucoup de picks qui peuvent partir de son cataclysme. Là, déjà, il y a un Rakan. Mm-hmm. On anticipe la Xayah. Donc ça me serait étonnant, je vois pas VTO repartir sur une Zoé. Et cette fois-ci, le Gnar est dans les mains d'Odoamne. Le problème, c'est qu'on est obligé de pick Xayah maintenant pour Néon. Je pense pas qu'il ait 40 champions non plus jouables dans cette draft. Et du coup, il risque d'y avoir des bans qui partent sur la top end, sur Irith. A voir, Irith, en vrai, pour le coup, contre un Gnar, Camille, c'est vraiment jouable. Aatrox, c'est jouable. Irelia surtout. Il y a beaucoup de choses. Hein. Gnar, ça met quand même assez peu de pression sur sa top lane. Hein. C'est vrai. Jace aussi, au passage. Oui, je pense que Irith est bon dessus. Donc, en soi, je suis limite content que ce soit au Doamne. Mais moi, je suis très content parce qu'au moins, on le verra pas dans les mains d'Irith. C'est vrai que sa première game était. Ah, était pas terrible. En plus, je trouve que le Gnar était pas très bien draft à la base. Parce que 3 lanes perdantes, forcément, qu'est-ce qu'on a vu? Un Gnar qui se fait dive. Et aucune surprise là-dessus. Et en plus là c'est pas mal parce que vu qu'il y a la top lane qui a été pick très tôt du côté des Rogues, on aura probablement le counter pour VTO, celui qu'on appelle de nos voeux.
Alors, est-ce que les Rogues vont le laisser sideless? Moi, je pense que non. Il y a Lucian qui peut toujours être important pour Larsen. Attention à ce champion. Et dans ce cas-là, il faut ban Syndra. Là, sur la prochaine rotation. Mm-hmm. Après, Veto n'a pas réussi sur sa game de Syndra à vraiment s'illustrer. C'est vrai. C'était pas contre un Lucian, certes. Toujours Ryze d'open aussi. Hein. C'est incroyable que Ryze soit si peu joué dans ce go. Pour le moment, il n'y a eu qu'un seul ban en deuxième phase. Champion qui est. Il y a un trio absolu dans d'autres régions. Bah ouais, mais même en LEC avant ce BO, je suis d'accord. En split, c'était une prio absolue aussi. En LFL, c'est une prio absolue. Je comprends pas trop le fait que Ryze ne soit plus trop présent. En tout cas, on retire le Azir. C'est les pics de match contrôle de Larsen sur la mid lane. Bon, je pense qu'il en a d'autres en stock si jamais. Et Larsen peut toujours se replier vers un petit Corki. Après, maintenant, jouer Corki Gnar, Zeri. C'est pas avoir envie de gagner l'early game. Et ça reste, je trouve, la plus grande force qu'a montré Rogue sur ce BO. Mm-hmm. C'est des early explosifs et c'est là-dessus qu'ils ont réussi à prendre les deux premières games à Misfit. Notamment sur le top side. Et je t'avoue que Gnar, Jarvan, c'est tout ce que La Irelia contre un Gnar. Est-ce que c'est Lock? J'y crois à moitié. Au passage, j'ai pour aussi Lock Akali et la flex. Parce qu'Akali est très forte contre Gnar. D'ailleurs, Irelia est aussi un flex. Hein. Veto est très très bon dessus. Il adore le champion. Ou Kennen pour Irith. Contre Gnar, ça marche. Ouais, c'était un bon champion, surtout depuis le up de Ken, il a reçu un petit up et du côté de Gnar, le Hullbreaker a été un peu nerf. Donc ce match-up est redevenu jouable. Et donc on se garde bel et bien le counter-pick pour VTO sur la mid lane. Il a un bon Sylas là. Faudra voir ce qu'il y a dans les mains de Larsen. Ah bro. Ah, Zeri Yumi. Zeri Yumi plus. Il y a un très bon Sylas hein. Il y a un Sylas contre Gnar et contre Jarvan, donc ouais, c'est pas mal. Alors Orianna ou Syndra, mon frérot? C'est pas genre tu vas jouer un autre champion. Ou Corki? La Orianna. Le Corki, ça aurait été pour moi suicidaire. Ils auraient pas passé vivant leur league game contre la compo des Misfits. Il peut jouer à Akali. Hein. Moi, je pense que c'est une bonne game d'Akali. C'est une bonne. Je suis d'accord, c'est une bonne game d'Akali. Ouh, est-ce qu'on serait en train de resservir à Larsen sa propre méthode? Ah, ça. La Akali! Lock, la oui! La Akali de VTO pour cette quatrième game contre les Rogues. C'est un banger cette Akali. Alors, c'est un très bon pick parce qu'il n'y a pas grand chose pour la sortie de la smoke. Attention tout de même, Yumi et Zeri sont des champions embêtants pour la smoke d'une Akali puisque Zeri peut toujours Q-spell et donc auto-attaque dans la smoke. Donc, ça peut être un petit danger pour VTO, mais globalement, ça reste un très bon pick ici. Une draft qui go in, une draft qui a des lanes qui sont difficile à jouer. Par contre, pour les Misfits, sur le papier, en termes de phase de lane, ils sont loin derrière. Attention aux Rogues qui pourraient passer devant, notamment via la mid lane. Larsen devrait avoir la pression en permanence. T'as un Jarvan qui peut invade sur un Ikrim qui n'aura pas de flash. Ça peut être dangereux tout de même. Ouais, après, ce qui est bien, c'est que au bot, Xayah, Rakan contre Yumi, Zeri, ils sont tranquilles. Ça va, mais en réalité, Rakan, ils prennent le push. Hein. Oui, non, ça va. Xayah est fort et tout, ça va. Non, on va pouvoir jouer, on va pouvoir roam, on va pouvoir aller chercher peut-être un peu la jungle. Donc, c'est voilà, je compte beaucoup là-dessus. Là où le Gnar devrait pas mettre en danger le Kennen, donc Irith, on va pouvoir le laisser un peu tranquille. C'est pas si facile à dive non plus, un Kennen. Donc, c'est pour ça, je trouve que effectivement, on a cette mid lane qui est assez faible. Mais on a beaucoup de choses autour pour l'accompagner. La draft est pas mal. Elle est encourageante en tout cas pour les Misfits. Celle des Rogues a un bon skinning aussi. Il faudra faire attention au pic de Yumi qui peut être incroyablement clé. Il faudra aussi réussir à attraper la Zeri de comp, champion sur lequel il est particulièrement fort. Le seul petit problème, c'est qu'avant le niveau 6, on n'a pas grand chose pour Misfits. On n'a pas grand chose. En tout cas, quatrième game, une toujours balle de match du côté des Rogues. On va pouvoir rentrer dans le match et voir de quel bois cet Akali se chauffe. On est parti dans cette quatrième game avec double first strike du côté des Rogues sur la mid lane, dans la jungle aussi. Ils adorent cette rune, décidément. Et la team first strike, le Jarvan first strike, j'ai tout de même toujours un peu de mal. Mais tu vois, s'il y a bien une équipe en Europe qui a les jeux first strike pour aller chercher plus de gold, c'est bien les Rogues. Ouais, je suis bien d'accord. Ça leur ressemble bien. Allez, les ressources, les gold, c'est vraiment leur dada. Et la bot lane de Misfits qui a peut-être une petite idée derrière la tête. On va aller prendre un petit peu d'informations, mais belle ward positionnée par Trimby. Ouais, alors est-ce qu'ils vont attendre au niveau 1? Ça pourrait être catastrophique. J'espère qu'ils ne vont pas le faire. Après, c'est vrai que le niveau 1, tout à l'heure,
Ils ont commencé au Z. Oh, c'est terrible. Il est vu Mersa, il est vu Néon. Il est vu 100 fois. Il est vu 100 fois. Il a pris un dash en plus. C'est bon. Ce sera sans trop de problèmes. On va pouvoir disengage. On prend un tout petit peu de poke. Ouais, j'imagine que Néon a start au W. Si le Rakan a lui aussi start au W. Ce qui est du coup un start très agressif pour la phase de lane. Et on voit compte qu'il va s'avancer, qu'il va essayer d'aller prendre le push. Même si c'est pas si simple de prendre le push à Xayah. Avec ce niveau 1 complètement raté, il y a moyen effectivement qu'on joue tout simplement le trade et après le zoning en conséquent, avec voilà la Yumi qui va commencer à mettre quelques autos aussi. Ouais, non, le problème c'est qu'on s'est tiré un peu une balle dans le pied avec ce très très bon warding de Rogue pour contrer. Oh, le niveau 1 est vraiment absolument catastrophique. Ah, y a rien, c'est vide. Ouais, on prend un tarif monumental et le passif de Rakan qui donne un shield à Zeris qui est infâme, puisque quand Zeris tape sur un shield, elle le récupère elle-même et le passif de Rakan va tuer un shield gratos. Que le match-up est un peu fort pour Zeris, quoi. Ouais, mais c'est un petit peu dommage. Hein. Sinon, on comptait vraiment sur cette duo lane pour mettre un peu de rythme au bot. Et le fait qu'on ait déjà deux lanes qui sont un peu dans le dur, hein, comme on peut voir, Irith est plutôt tranquille en début de match-up contre Ragnar. Mais ça va pas faciliter la tâche de Shlatan. De toute façon, Shlatan, il a un travail, c'est farmer et atteindre son niveau 6, sans trop d'encombre. Pendant que Stellane doit juste respecter les ganks early du Jarvan. Et à part ce niveau 6, on pourra jouer hein, pour VTO, pour Shlatan, il n'y aura pas de soucis, mais il le faut ce niveau 6 à tout prix. Sur la midlane, ce n'est pas étonnant, c'est Larsen qui a le push. On crache jamais sur un petit passage sur la midlane si Larsen fait trop le fou. Vu le BO, je pense qu'il n'y a pas nécessité à faire ça. En vrai, ils ont très peu gank la midlane, les Misfits. Oui, mais d'un côté comme de l'autre, la midlane a été plutôt ignorée, les deux millénaires, peut-être à part la dernière game, se sont plutôt neutralisés l'un l'autre. Ah, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Honnêtement, que c'est si peu joué en mid-jungle, je pensais plutôt à ce que les Misfits agressent Larsen, justement. Disons qu'il y avait d'autres incendies sur la carte à éteindre. Pas faux. Ça allait être autre part, notamment sur la top lane, puisqu'ils aiment beaucoup trop se battre, Odo Amné et Irith. Odo Amné est content pour une fois que quelqu'un répond à son weak side en se donnant un peu de temps en temps. Ça le change de ses habitudes. Ah, ça change totalement de ses habitudes, mais pour le coup, il est en strong side, Odo Amné, dans ce BO. Oui. Ce qui doit aussi pas mal le changer. On voit Shlatan hein, qui continue son farming tranquillement, qui devrait pouvoir récupérer un Carapateur, ce qui est une très bonne nouvelle avec une midlane qui n'a pas de push, avec une botlane en difficulté, avoir un Carap, c'est parfait. J'y croyais pas trop effectivement à ce Carap. Alors d'ailleurs justement Malrang est en train de faire la transition pour essayer de le récupérer au plus vite et il arrivera un tout petit peu trop tard. Shlatan d'ailleurs pour lui mettre un trade, hein, parce qu'en pur 1v1, Shlatan il lui met tarif, il a un niveau d'avance Shlatan ici. Attention à Larsen, hein. Voilà, Larsen il a un crash de wave, on a une Diolene qui peut arriver très vite avec une Zeri, Yumi, mais extrêmement vite. Et pour l'instant, comme prévu, tout le mid bot, enfin comme prévu, le bot pas forcément, mais en tout cas le mid en train de souffrir. Même bot, vraiment c'est pas un match facile. Genre Yumi c'est un bon champion contre Rakan et Zeri. Kongza, je connais pas si bien le match-up que ça, mais je sais qu'on contre Rakan c'est vraiment vraiment très très fort. Son Rakan c'est un sous-champion lane. Ouais. Dans beaucoup de match-up, c'est un peu difficile. Larsen qui vient donner un petit peu d'air à VTO, mais il est repéré hein, par une belle ward de Larsen. Larsen qui a plus beaucoup de mana, mais qui a deux cookies, donc en réalité, il est très très large sur sa midlane et il a déjà 10 CS d'avance. Ouais, s'il peut forcer un TP advantage du côté de VTO, un petit back TP, ce serait du tout bon. Irith pour l'agression. Attention, ouais. C'est sur la forme de méga garde au doigt mené, mais le trade est excellent. Il se défend bien, il a l'air de le connaître ce match-up. Après tout, pour le coup, les Coréens, on les connaît. Sur les Kennen en général, c'est des joueurs lane, de référence. Kennen Jace. Voilà. Kennen Jace. C'est les deux pics. Et même un peu Gnar en vrai. Et moins, on a des Bogdar européens aussi. Dommage pour ce Q-spell, pour Irith. Après, ce qui est bien dans ce match-up, c'est que normalement, Gnar a jamais le létal pour tuer un Kennen sauf sous ulti. Il faut vraiment que le Kennen aille le chercher. Et normalement, vice-versa aussi. Mm-hmm. Mais il faut toujours un peu plus se méfier du Kennen qui peut trouver un lock. Ça se neutralise, ça se retrouve en teamfight d'un côté avec un méga, d'un côté avec un ultimate. C'est globalement deux champions qui sont là pour les 5v5 surtout et pour le moment un early qui se passe tranquillement pour Misfits. On n'a pas perdu de camp, on n'a pas perdu de carapateur, on perd juste des CS sur la mid lane, mais c'était attendu, donc un bel early game. Ouais, yo, il s'est pas mal zoné là au donné, il se fait un peu freeze. Il y a le Jarvan qui est pas trop, qui est un peu loin tout de même et qui pourra pas trop l'aider à crash. On n'a pas non plus d'arrivée de Malrang comme tu l'as dit, qui turbo farm son niveau 6. Veto forcé à la téléportation, pareil pour Larsen qui a TP sur la mid lane. Veto qui va passer niveau 6, il a son Rakan avec lui. Son Rakan n'est pas vu, il y a peut-être au moins un summoner à aller chercher sur Larsen. Ouais, alors est-ce qu'on trouve quelque chose? Il fait attention Larsen. Hein. Par contre, sur ce canon et le flash, est-ce qu'on peut trouver quelque chose du côté de Veto? J'ai pas l'impression. Ce ne sera pas suffisant, Larsen qui ne panique absolument pas. Il panique pas, il a raison parce qu'il n'y avait pas eu tous les dégâts pour aller le chercher.
On s'est chauffé pour Mersa très clairement. Après, Mersa on peut se pourrait se faire plus tard, il prend beaucoup de dégâts par Jarvan Yumi, c'est terminé, il semblerait pour Mersa, first blood pour Yumi. Et attention, attention à cette fight, Veto qui va rentrer dans la mêlée, il y a une fatigue qui est partie, la très bonne shockwave de Larsen. Il faut disengage, Bushlatan devrait peut-être mourir, et oui, ce sera Larsen qui prendra le kill, quelle shockwave. Très belle shockwave de la part de Larsen et très surpris par le choix de Shlatan. De Rogoin sur son niveau 6, la règle avec Ikarim c'est de ne pas fight avant d'avoir la Légion des Ombres, et ici il se trouve un petit peu et ça donne un énorme avantage au Rock sur cette mid lane. On va revoir le trade. Bon, il n'y a plus de cooldown pour Mersa, hein. Il arrive à trouver juste un Z sans plus. Il court sur la Yumi, mais la Yumi peut... En fait, il y a deux choses. La fatigue fait mal et la shockwave est incroyable. Si sans cette shockwave, je pense qu'ils peuvent essayer de foncer sur Larsen et de le tuer. Mais ça se goupille extrêmement mal. Je t'avoue que j'y crois pas trop, hein. À ce play, la petite bonne nouvelle, c'est que Larsen a plus de flash, donc il sera un petit peu sensible. Au Trimby, Mersa pourrait l'attraper ici. S'il arrive à le sait, il peut plus rentrer. Donc comp, il y a un CC en effet, mais Shlatan n'est pas encore présent et toujours pas niveau 6 pour le Karim. Ils l'ont vu, hein, ils l'ont vu. Est-ce qu'il va passer niveau 6 sur ses Krugs? Bon, on va pas le laisser faire du côté de comp, on va complètement aller le chercher. Il y a un pre-smite qui a été envoyé. Comp, il a raison, il pourrait tuer de taper là d'ailleurs. Shlatan, il est en train de grid de fou, on veut dive. Entrée de tour, Néon qui s'avance sur comp, il a encore ce summoner, comp est large. C'est très très ambitieux d'ailleurs, le cataclysme qui est arrivé. Bah oui, mais il y a niveau 6 contre pas de niveau 6. C'est un échec complet et en plus il y a le smite. Oh mon dieu, mais pourquoi le... Il veut son niveau 6. Tu le quand même, il l'a pas. Et en plus, il en était loin de son niveau 6. Donc il y avait vraiment rien à espérer de ce trade. C'est pas un bon début de partie pour le polonais de Misfit. Shlatan qui fait quelques erreurs de choix là-dessus. Deux moves, deux erreurs. Et c'est 1000 gold déjà de récupérer. C'est un peu... On s'enflamme beaucoup pour les Misfits qui ont une composition qui a besoin d'un peu de temps. Qui a besoin d'expérience et essaie de jouer trop rapidement. Et du coup, ils se font punir par des rogues et par un Malrang. Toujours au bon endroit, au bon moment. Mais donner deux kills à une Diolene, Zeri Yumi en early game, il y a de quoi faire la tronche. Il en est, mais même pas proche. Le call de dive est infâme. Ah, Néon, on peut pas taper là-dessus, on peut pas les attraper. Il n'y a pas les contrôles. On n'a pas la vision sur le Jarvan. On a. Malrang, il arrive, il smite le golem en plus. Et derrière, on donne le kill à Monsieur Comp avec une Zeri. Ouais, c'est pas bon du tout cette phase de jeu. On va espérer que Irit arrive à mieux s'en sortir sur le top side. En termes de farm, c'est totalement even entre les deux top laners. Va falloir calmer le jeu du côté des Misfits, essayer de jouer sur le non-flash de Larsen. C'est ça l'opportunité qu'ils ont normalement. Là, Shlatan niveau 6, il va avoir son ghost avant le flash de Larsen. Il y a un kill qui peut être gratuit sur la mid lane. Et si on arrive à donner des kills à VTO, ce serait une superbe nouvelle. Complètement. Complètement, et je suis entièrement d'accord qu'il faut aller chercher Larsen avec la première Légion des Ombres. Pas de flash normalement, c'est cadeau. Alors il perd pas de temps, il enchaîne directement sur le héros de la 5. Veto était forcé au recall sur ce timing. Donc il sait qu'il a un avantage en termes de nombre via la mid lane. Après je me dis que ça peut se tempo et ça peut se jouer avec un Kennen multi, avec VTO qui est en train d'arriver, avec la Légion des Ombres. Il est pas si gratuit que ça ce héros de la 5. Par contre on va devoir récupérer la vague au mid. Donc il n'y a pas du tout de méga pour Odo. Il y a le Rakan qui est en train de bouger et ça c'est important. Si on arrive à bouger avant du côté de Mersa, ça peut faire toute la différence. La Yumi n'est pas là. Hein. La Yumi n'est pas là, donc là effectivement on peut aller se battre pour ce héros de la fin et on devrait le laisser. Odo Amné qui loupe complètement son mouvement, que ça peut lui coûter extrêmement cher. Heureusement il l'aura sur le chemin du retour. Irit qui joue très agressif sur la top lane et Shlatan qui rôde, qui veut essayer de chercher Odo Amné, mais Odo Amné a bientôt son méga, ça ne me semble pas être le meilleur call. En tout cas on démarre le héros de la faille. Mais Irit est un peu low life. Ah, il n'a pas vu Malrang je crois. Ils peuvent pas y aller je pense. Il a son flash, hein, il peut se repositionner. Il s'en a fait un numérique. Il y a quand même la Zeri, la Yumi qui était repartie vers le bot side, qui sont en train de remonter à toute allure vers ce héros de la faille. Et on n'a pas l'information pour les Misfits, mais on les voit plus en bot side, donc on peut s'en douter un petit peu. Et on se fait zoner, on récupère la position. Attention à la shockwave de Larsen. Très très mauvais fight. Yumi est niveau 6, on n'est pas niveau 6 pour le Rakan de Mersa. Il ne faut pas prendre ce combat, mais Shlatan se jette dedans. Ouh, il récupère le héros de la faille. Il faut le ramasser maintenant. On arrive à prendre un premier kill. C'est Malrang qui tombe. Shlatan qui continue sa chevauchée absolument fantastique. Irit essaie de le suivre avec Arroche Foudroyant. Et c'est Maelstrom qui va partir pour essayer
viennent zoner. Déjà deux kills récupérés par les missiles. Et VTO se met devant. Attention à Comp. Il faut pas lui donner le shield. Il faut pas lui donner des resets d'auto. Néon qui prend une fatigue. On arrive à ton point ici. On trouve un boomerang pour Odo amener. Il faut partir d'ici. Les missiles, il faut partir d'ici. Iris essaie de fuir ici. Mais Pikachu est bel et bien activé. Comp qui poche. C'est une série après tout. L'ultimate Odo Néon est très très bon. J'ai de se retourner. Flash lead. Mais il n'arrive pas à être le retour de Blue VTO. Il n'y a pas les dégâts sur Comp qui survit. Mersa qui va tomber sous les coups de Odo amené. Il faut back pour les Misfits, un 2 pour 2 et un héros de la faille en leur faveur. Que c'était tendu, que c'était tendu. On a vu la catastrophe Comp arriver. On l'a vu prendre un triplé, un quadra kill. C'est vraiment dommage, son flash néon. Parce que s'il flash bien, c'est 2 kills pour le prix d'un. S'ils arrivent à tuer la Zeri, ils arrivent derrière à tuer la Yumi aussi. VTO qui se fait cancel son back, il a une téléportation heureusement, mais il y a surtout Malrang qui pourrait venir prendre 2 kills. VTO Malrang soulevé par le jungle coréen des Rogues. Un Malrang encore une fois au bon endroit, au bon moment. Et là on perd quelque chose de gigantesque sur la mid lane pour VTO. Il a besoin de se farm, on a besoin d'une Akali qui marche dans cette game. Ça fait très très mal, sauf que Malrang peut rester sur la bot lane. Je pense pas qu'il y ait un kill par contre sur non, il a pas d'ultimate après tout Malrang. Et veut juste l'empêcher de retourner vers sa base. Non, qui a pas de summoner, hein. Néon qui s'avance juste dans le combo, qui prend beaucoup de dégâts, qui pourrait tomber sous le coup de Malrang. Non, ça va. Il va s'en sortir, il savait sûrement qu'il n'y avait pas le létal, il arrive à prendre le back et c'est maintenant Schlatten et Mersa qui pourraient essayer de punir. Ouais, Malrang, est-ce qu'il a son combo? Il vient de le récupérer, il va pouvoir partir, rejoint par la Yumi. On va s'arrêter là hein, pour les misfits. En plus, on a le crash de la Mylène de Larsen, il faut absolument respecter ce timing de décalage. Probablement un potentiel dragon faisable hein, pour misfits, enfin pour misfits, pardon, pour Rogue. Mm-hmm. Encore un timing où on perd beaucoup de farm sur un carry misfit. D'abord VTO, maintenant la Xayah. Après il y a un héros de la faille, à voir comment ils vont l'utiliser, mais on a déjà énormément de retard en termes de gold. Oui, mais il y a eu beaucoup de plaques hein, qui sont passées un peu partout. Beaucoup de plaques, 4 kills de plus. On a un peu out farm. On va revoir le fight qui est un peu inespéré parce qu'ils arrivent à one shot Malrang. Chatan qui fait beaucoup de dégâts, qui prend le smite en plus. VT aussi qui arrive à rentrer dans la mêlée. Et derrière Irith qui joue très bien. Ouais, qui zone complètement Larsen. Bah là, ils zone tout le monde et ils se retournent sur Larsen qui n'a pas de flash. Avec le très bon bump aussi de Mersa, ils arrivent à one shot Larsen. Et là, faut out. Là, faut out. Et il reste un peu longtemps. Et c'est dur de out contre une Zeri, hein, bien sûr. Donc, on n'a pas trop envie de lui laisser free DPS. On s'est un peu fait bait par les fatigues aussi, je pense, à plusieurs reprises en ce fight. C'est là où Néon réussit son retour de plume. Ouais. Là, ce flash in E de Néon. S'ils le ratent pas, ils ont 2 kills pour VTO et pour Xayah et c'est, ça change tout. Comp se place très très bien. Il le voit venir, il se place très très bien. Donc il est pas non plus très évident à aller chercher. On avait limité la caisse sur cette phase de jeu, mais voilà, comme tu l'as dit, au niveau des golds, on voit tout de même un petit trou. Et c'est pas comme si... Alors oui, on a cette Akali, hein. C'est pas comme si... Oh, y a VTO, oh, le solo bolo de Larsen. Et Mersa en difficulté face à Malrang. Oh, Malrang qui flash les tout-tourelles et qui vient chercher Mersa. Cette game semble très difficile. Aïe. Ce que j'allais dire, c'est oui, on a une Akali, mais en face, c'est quand même Zeri, Yumi, Orianna. En termes de nuisance, en late game, c'est absolument fabuleux. Zeri, Yumi, personne ne veut affronter ça. Absolument personne. Il fait mal celui-là. Oh, le solo. Je penserais pas avoir ça de mon vivant. Un solo boulot de Larsen sur VTO. Comme une envie de pleurer. Ouais, j'ai envie de. Là, tout de suite, j'ai vraiment envie de mourir. Schlatan sur un dive sur le Gnar alors qu'il n'y a pas d'ultimate sur Irith. On veut juste positionner l'euro de la faille, le zoner out. Mais est-ce qu'on peut dive sans ulti qui est Nen? On le force au moins à sortir de la tour, ce qui est pas si mal. On va même aller plus loin pour Schlatan. C'est pas mal du tour. Rush foudroyant, il a pas de flash. Est-ce qu'il peut trouver le stun avec la surtension? La surtension, il n'a pas le cooldown. Le shuriken serait évité. Mais bon, ça permet de prendre une tour. On donne des golds. Ah, mais c'est une tour avec les plaques qui étaient déjà. Ouais. Déjà fini, donc c'est pas beaucoup de gold pour les misfits qui restent au contact. C'est la première tour. C'est la première tour, ils restent au contact, mais ils sont quand même en grande, grande difficulté. On va prier pour la méta shutdown en faveur de misfits. On l'aime quand elle nous arrange. C'est bien vrai. Attention par contre, Mersa. Ah, voilà, à bien se repositionner. On envoie la Xayah avec l'Eclipse faire un gros contrôle de la mid lane. Et on va envoyer VTO en side. Ils peuvent pas le tuer. Je suis pas convaincu. Il y a la fatigue, il y a le heal. Je pense pas qu'ils aient le DPS à ce moment-là de la partie. On n'a pas encore le premier mythique pour VTO. Ça a l'air d'être un mauvais plan. C'est vraiment pas un bon plan. On voit les dégâts que VTO prend là. Je pense pas qu'il puisse aller chercher. Si la Yumi a ses summoners, c'est quasiment impossible, je pense. Pour VTO. Par contre, sur la mid lane, aller chercher Larsen, ça c'est tout à fait possible. Mais ils sont passés sur une pink ward qu'ils n'ont pas vu, Mersa. Malheureusement, la pink ward juste ici dans le pixel bush, qui est très problématique.
C'est le premier dragon. Non, il a déjà fait le premier Malrang. Si je me souviens bien. Non, il y a pas. Il l'avait abandonné, je pensais qu'ils avaient fait, il avait fait le premier dragon. Bon, bah, ce n'est que le premier à 15 minutes. C'est pas une game qui jouera là-dessus en tout cas. Oh, Shlatan qui peut peut-être déclencher sur la scène, qui respecte bien, qui se pace bien. On va avoir un flip autour de ce dragon et surtout Veto qui rentre. Oh là là, il s'est fait attendre, il s'est fait supprimer dès le début. On va essayer de partir première. Ça, le cataclysme, c'est incroyable. Le retour de Irith. Ça fait du bien, mais il est fatigué. Irith essaye de prendre le kill sur complet. La dernière auto-attaque, faut pas grand-chose, il se fait. C'est tellement unlucky. C'est tellement unlucky pour Irith. Et là-dessus, sur ce beau 2-12, enfin plutôt 12-2, en faveur des Rogues, la game qui est quasiment finie, top pipo. Les Rogues qui prennent un très bon teamfight. Ouais, Larsen fait une grosse game. Hein. Oui. Veto a essayé de rentrer sur un timing où il a fait confiance à son support, mais les CC n'ont pas connecté pour Mersa, si je ne m'abuse. Ah, il s'est fait instant. Il n'a pas eu le temps de flash, il n'a pas eu le temps de bouger, pas eu le temps de shroud. Akali contre Rogue. Pour Veto en BO5, ça veut juste pas. Déjà dans le... dans le BO5 précédent en summer, c'était la dernière game sur Akali, c'était pas très bien passé. On va revoir, regardez Mersa qui tente un flash in sur comp. Si jamais ça touche, Veto aurait pu enchaîner, mais ça ne connecte pas sur comp. Du coup, Veto se fait one tap en plus par Larsen et par Malrang qui l'ont très bien attendu. Et derrière, l'exhaust plus la Moonstone tout simplement. La Moonstone qui heal comp et qui l'empêche de tomber à l'auto-attaque près. Mais ça se joue à moins de 20 points de vie cette chose là. Bon. Après, le teamfight est tout de même largement perdu, qu'il le tue ou pas. Hein. Oui. Mais il y a une petite série à récupérer, ça fait du bien. Là, on s'est fait complètement larguer en termes de gold. C'est une hécatombe. Cet Akali n'aura peut-être pas le temps de voir le jour. On regarde le stuff hein, sur la mid lane. Plus 30 CS, 4-1-4. On a fini Archange, plus Luden. De l'autre côté, pour VT, on a des boots. C'est bien résumé. Allez, bon. Et la proto. Oui, la proto qui vient d'arriver, mais il y a quand même un item entier d'écart, ce qui est énorme. Larsen est beaucoup mieux dans son match, tout comme Comp, qui fait encore une belle partie, ma foi, sur sa Zeri. Champion qui a l'air vraiment très très fort actuellement. Surtout avec Yumi en plus, c'est-à-dire que déjà que le champion est dur à attraper et peut kite à l'infini, mais avec une Yumi, c'est tout simplement... horrible, c'est horrible et j'ai pas l'impression qu'on ait suffisamment de hard CC pour bien la chercher. Il y a que Mersa qui peut vraiment y aller, mais même ça, il faut réussir à lui courir dessus. Malrang qui va repartir sur Mersa, repositionnement au shield. Après, bon, t'as quand même Ekarim, Rakan, Kennen, je pense qu'il y a de quoi. Juste faut qu'il touche tout simplement. Il y a de quoi one shot. Il y a de quoi one shot. Donc c'est pas entièrement fini, mais sans flash de Mersa, sans flash de Erit, on ne veut surtout pas teamfight. Pour les Misfits, il faut juste essayer de défendre au maximum et peut-être agresser ici un Malrang qui est très avancé sur une ward. Ouais, faut punir. Faut punir, il y a la pink, ils ont pas la vision. C'est pas mal. Oh, c'est raté pour Malrang. Plus de combo, il devrait mourir. Il y a tout de même une téléportation, l'arrivée de Comp. Il faut contrôler Comp, on n'a pas le DPS. Du coup, on a une légion out pour Shlatan. VTO ne peut pas fight à 2 contre 1. Néon n'a pas du tout pu rentrer. Il se fait maintenant chasser par Malrang. Il n'y a plus de cataclysme. Irith qui est enfin là. Du côté des renforts, le Maelstrom de Irith est très bon. Il se fait repousser par Domnek avec un ulti méga Gnar. C'est très bon. Et les Misfits n'ont pas assez de DPS, pas assez de tanking. C'est la débâcle, c'est la débandade. VTO obligé de partir. Néon, c'est peut-être pas fini avec Comp qui continue de le chasse. Qui est positionné, Néon qui ultimate peut-être un petit peu trop tard, mais il s'en sortira grâce à un bon... Il est Comp. Il ne s'en sort pas, c'est Pikachu en face. Pikachu n'en a jamais terminé. Et Comp récupère encore un kill, Shlatan maintenant. Oh, le proxy. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oui, qu'il peut se retourner, il choisit pour l'agression. Et est-ce qu'il peut prendre le kill? Non, puisqu'il y a un flash. Et maintenant, il risque de se faire kite, le pauvre Shlatan. Comp qui revient vers le haut, Shlatan qui tente de gagner du temps puisque Mersa arrive. Mersa arrive, mais Shlatan se fait bourrer à travers le mur. L'arrivée de VTO aussi, est-ce qu'il y a quelque chose pour passer? Et là, flash aussi, VTO, il pourrait arriver encore à corps. On prend le kill sur Odoamné, un peu d'overstay pour les Rogues. Comp. Peut-il le faire? Comp, c'est tout esquivé par VTO. L'arrivée de Mersa, est-ce qu'on a un shield? Le Guardian qui vient de proc. Bah, je vais contre Zeri. Ils peuvent pas rien faire, c'est horrible. Je peux pas jouer contre Zeri Yubi à travers la smoke. Comp qui lui a mis un sacré tarif ici. Il a pris un shutdown, mais déjà 10k gold d'avance à 20 minutes pour les Rogues. Ça semble fait. Avec un Jarvan qui, ce coup-ci, fait bel et bien un Zonia Malrang. Ça me donne envie de me laver les yeux à la Javel. Je trouve que cette dernière game fait mal. Bah, j'aurais préféré casser la troisième. La troisième était plus sympathique. Bah ouais. Le bloc. Après, moi j'étais trop heureux. Je dis yes, on va casser la dernière avec Tréton. Alors peut-être la dernière, mais on va se mettre bien. Hein. Ça va être un beau match. Et on arrive pour voir un énorme tampon. Ah voilà, le stomp est 10 000 gold. Assez massif. Genre, on parlait de la botlane de Mystique qui avait très bien tenu. Ce coup-ci, c'est vraiment une performance de la botlane des Rogues. Bien aidé par l'armée de jungle, il faut le dire. Larsen qui a pris solo kill sur Veto. Qui a un peu cloué la game.
Et maintenant, le comeback semble très difficile. Il leur faut 20 minutes, le temps que Akali arrive sur 2-3 objets. Je sais pas comment ils vont faire ce miracle. Ils ont du wave clear avec Xayah. Le truc, c'est que... À chaque fois, il y a les fatigues, elles tournent à plein régime aussi. Riri qui se repositionne, malheureusement qui n'a pas de flash. Heureusement, ce Kennen s'en sort et ce Kennen aura besoin de son flash pour teamfight. Je te jure qu'avec les timing flash de Mersa Irith, il y a peut-être un truc. Pourquoi pas? Après, Larsen est malin, il a pris une banshee, donc il n'y a pas grand-chose en fait. Bah, il faut one-shot comp, mais on a vu la difficulté de la chose. Hein. Mm-hmm. En plus, il est quand même relativement tanky. Il y a un dragon infernal dans le pire des cas récupéré pour Rogue, mais bon. Cette game ne se jouera pas sur une âme pour Rogue. Ou alors ça veut dire qu'ils ont sacrément raté leur mid-game. Ils vont juste forcer, il semblerait, Veto qui sera top end actuellement. On a du mal à des poches sur la mid-end, Nazeri fait juste beaucoup trop peur et on va perdre une T3 gratuitement. Il y a un méga gnar pour couvrir, pour Odo amener. Il y a une téléportation, double téléportation, c'est peut-être le fight de la dernière chance pour les Misfits. L'engage, Shlatan, le Maelstrom, il est bon, c'est excellent, il faut aller au bout. Derrière, il y aurait peut-être un baron en VTO qui arrive à temporiser un petit peu. Mais il reste comp avec Sayumi qui est vivant et qui finit tout le monde double kill. Et on vient chercher un triplé et c'est peut-être une fin de game en 22 minutes. 7-0-7 pour la Zemi. C'est en effet... T'as raté la Zermi, on est tous d'accord. La Zermi qui en effet va l'emporter 7-0-7 à 0-15. Très belle performance d'ailleurs dans cette quatrième game. On y a un petit peu cru côté Misfits. La troisième game était bien mieux, mais globalement, dans ce BO, les Rogues étaient beaucoup plus forts. Ce n'est que logique qu'ils l'emportent. Ce coup-ci en 3-1, pas besoin de cinquième game pour les Rogues, pour Larsen, qui était purement et simplement au-dessus de Misfits. Ouais. Ouais, c'était une meilleure équipe et les Misfits ont déjà les deux premières games, le temps qu'ils rentrent dans leur match avec toutes les erreurs qui ont été faites, c'était compliqué. Ils font au moins une bonne game histoire de ne pas partir complètement dégoûté, mais je pense dû avoir une très grande déception côté Misfits. Ouais, pas le meilleur BO de VTO, pas le meilleur BO de Erith qui a quand même fait deux bonnes dernières games. La botlane, je pense qu'on peut en être content pour les Misfits. C'est difficile de noter Shlatan tant son opposition a été forte, tant Malrang a été impressionnant. Oui. S'il y a un joueur du match, pour le coup, Malrang tout là-haut dans les étoiles, absolument fabuleux. Larsen signe une superbe dernière game d'Orianna. Vraiment, il a été très très bon. Pareil, comp avec sa Zeri. Très bon. Zeri Yumi, si t'as passé leur league game avec deux kills en plus en récupérant sur des dives. Un peu mal amené, en effet. On est allé trop loin dans cette game, en mid lane aussi, on est allé trop loin du côté de Mersa. Le flash in sur Larsen. T'as l'impression qu'ils sont un petit peu emballés en early game, ils ont donné quelques kills, ils ont donné quelques ressources aux Rogues et il n'en fallait pas plus pour que les Rogues derrière snowball la partie de manière très clean, très très clean et la termine en 22 minutes. Et ils ont montré quand même pas mal de choses différentes dans ce BO, les Rogues. Je trouve. On a eu on a toujours eu du match control sur la mid lane. Comment ça, des choses différentes? Non, parce qu'ils ont quand même fait 3 games de match control et 3 games de Jarvan. Comment ça? Ils ont agressé, ils ont mis du rythme. Non, tu trouves pas? Alors, en termes de draft, en tout cas, pas tellement. Mais après, en termes de gameplay, oui. Ils ont juste mieux joué. Tu vois, ils ont bien joué. En termes de botlane, il y a eu beaucoup de changements. Parce que passer de Caitlyn Lux à Yumi plus Zeri, c'est quand même très différent. Mais globalement... Il y a eu du Aphelios. Oui, non, mais botlane, ça a changé. Mais sur le reste de la carte... Oui, bon, c'est vrai que le mid-jungle... Et ça marche très bien pour eux, et je pense que c'est comme ça qu'ils doivent jouer vraiment. Genre... J'y croyais pas, moi, ce Jarvan, mais il faut croire que Malrang arrive à le faire extrêmement bien marcher. Bon, eh bien, les Misfits avancent pour la suite des playoffs. Les Rogues attendront de connaître leur adversaire, qui se décidera dimanche, si je ne me trompe pas. Alors ça dépend, c'est très compliqué. Oui, c'est en fonction du wrestling. Si j'ai deux paires, oui. Bref, ça dépend, on ne sait pas encore. Faut voir le jeu de Fnatic de demain déjà pour savoir les adversaires de Misfits. Non. En tout cas, on va aller débrief de ce BO et de cette journée du côté du plateau. On se retrouve dans 1 minute 30, à tout de suite. Les Rogues qui valident leur ticket pour la suite de ces playoffs dans le upper bracket, bien sûr. Les Misfits, eh bien l'aventure ne se termine pas ici, malgré cette défaite, messieurs, puisqu'on rappelle, ils passent dans le lower bracket, donc, oui, on verra à quel endroit, ça dépendra du résultat du match de demain, bien sûr. Twix, cette draft, yes. On a vu une Akali pour VTO contre une draft avec peu de CC, on s'est dit alors peut-être la lumière
Oui, tout à fait. Et il y avait de quoi être rassuré, puisque la plupart des picks sont relativement gênés par le smokescreen, sauf un et demi. Du coup, si tu mets la Yumi effectivement sur le dos de la Zeri. Mais honnêtement, la draft a très très peu d'importance quand tu regardes l'effet de jeu. Le moment. Voilà, la draft a très très peu d'importance. On aurait pu avoir n'importe quoi. C'est juste que les Rogues, c'est une équipe stable, c'est une équipe qui... Elle sait ce qu'elle fait, cette team, finalement. Et on va parler un petit peu des individualités qui ont été les plus excentriques dans cette game un petit peu après. Mais les Misfits, on joue trop vite, trop tôt, trop approximatif. Et voilà, on se retrouve avec un Karim qui joue sa game au niveau 5. Et c'est pas ce que tu veux faire avec un Karim de manière générale, évidemment. Malran qui arrive, qui passe 6 au nez à la barbe de Shtatan, qui le dunk. Bah ouais, oui, c'est exactement le genre. Le genre de choses. Alors, c'était toi qui le disais, Charles, je crois, au début de la game. C'est Shtatan, un seul objectif, passer niveau 6 et éviter le Jarvan jusque-là. C'était très ton, mais. Du coup, c'était vraiment pourri ce qu'il a dit. Ah. Non, mais c'est vrai, un Karim sans Légion des Ombres, ça n'a rien à proposer, ouais, à son équipe, puisqu'on n'a pas de setup qui puisse mettre en avant les qualités d'un Karim. C'est-à-dire, on n'a pas de mid lane qui peut. Effectivement, mettre un gros chunk, on n'a pas de bot set qui peut totalement lock l'adversaire. Enfin, il n'y a pas de Nautilus, il n'y a pas de choses comme ça pour permettre de jouer autour d'un Karim. Donc, c'est juste wait niveau 6, lane niveau 6, hein, top, mid, jungle. Et à partir de là, effectivement, il y a peut-être un match. On ne le saura jamais, car les Misfits n'ont absolument pas respecté ce début de partie et se sont effondrés crescendo. Ouais, la VTO qui tente son play et avec, en coordination avec Mersa, mais tout est loupé. Oui. Et Larsen qui vient punir VTO. Larsen qui a la performance du VTO. La performance individuelle, je pense qu'elle est la plus marquante dans ce match-là. C'est pour moi celle de Larsen. Alors, il a le match-up, il a le push, il a les conditions les plus favorables. C'est-à-dire que livraison de bouffe à il y a du Mac et Karim. Bah, en gros, il commence la game, il a l'avantage du match-up, il a l'avantage de la pression. Il a l'avantage sur la laning phase globalement. Et on vient jouer sur son terrain en début de partie et forcément il ratio tout le monde à tour de bras et il a vachement bien joué Soriana, Larsen. Franchement, il n'y avait pas photo, il y avait une belle difficile. Ah, je pense que la shockwave a brisé des esprits sur la mid lane le premier move. Il est bon. Finalement, celui qui a le mieux joué dans cette game côté Misfits, c'était plutôt Irith. Après, malheureusement, il y a eu toujours une très belle fatigue qui a été positionnée sur lui. Bah oui, évidemment. Ah, la fatigue, de tout temps, ça a été la solution contre Kennen. On voit de toute façon une courbe de gold et bien toujours de la couleur des Rogues. Hein. Une non-game. Hein. Ouais. Déjà, dès le niveau 1, c'est la catastrophe. Ils pop sur une ward du côté de la duo lane et après ils se font. C'est pas la bonne feuille de match. Hein. Ils se font éclater dans ce que c'est celle avec la Kaisa, voilà. Effectivement. Et 5.2 cas d'égal, Akali n'a pas le temps de rentrer dans son match. Et bon, aussi pareil, t'as une Zeri qui sort de lane à 2-0 avec une Yumi. Oui. Le truc, tu fais bon. On l'a vu rien qu'au fight dans la river là où Comp a commencé à faire des Zeri things. C'est vrai qu'on a senti que. Directement, ça allait être très difficile avec cette Yumi sur le dos. Mais voilà, hein, beaucoup de faits de jeu qui coûtent cher aux Misfits. Mais effectivement, à la fin, je pense que la meilleure équipe gagne, il n'y a pas vraiment de doute. Et je pense qu'il y avait un écart qui peut se considérer honnêtement entre les deux équipes. On a Comp en interview au micro de Lore, donc, au studio de Riot Berlin. On est parti, mesdames et messieurs, on débriefe ça juste après. You came off dominating, honestly, throughout the whole series. And I mean, it makes sense, especially given the fact that all the players said you were confident in the fact that you could take down Misfits. But I want to ask, what made you so sure that their style would reach their limits in best of five scenarios? Well, I feel like people, like, for example, the regular season, there's always people talking about us of playing one-dimensional style and a lot of this, but I feel like Misfits are kind of the same. Okay. And they had some specific picks that they used to play the whole season, like Jinx, so that's why it was out. We just felt like it was really comfort for him, and we wouldn't feel that threatened if he played anything else, right? Mm-hmm. I mean, Zeri game one was kind of annoying, but then we kind of figured out what we should do. So yeah, pretty much we just targeted their... We felt like their weakest points, uh-huh. And we bounced some OP jumps, let's say, and we just played out the game, yeah. Yeah, played that really well indeed for you guys. Quick question about game 3, maybe. What happened there? Well, it was legit one move that we did wrong and we lost the game. I feel like when we went on top and Odoamne got really tanked. Yeah. And the thing is, we committed a lot of numbers on top, like both Jarvan and Nautilus, right? And
Our goal was to just make Jace viable for the game, but then after what happened, both me and him were really doomed, kind of, because I also lost two waves bot because their jungle and support fully rotated to bot because their top was already winning. So that's pretty much sum up, I think. And also, I feel like we gave LeBlanc to Veto, which I think he's really good with the sump. But yeah, I mean, we banded game four, so it was no problem. Happens, honestly. But how hard is it to reset after a game like this? You had the edge, you had the momentum. I don't know, Veto picking Akali in the next game, last game, we know that he's really good on the champion. Were you confident in your ability to I mean, I was kind of being chilling. I didn't care, to be honest, about game three. And I mean, the Akali, for sure, it's like a highlight jump and it's really hype when people pick it right. But specifically with their team comp, I felt like it was really bad because they also picked Kennen on fourth pick, right? So they had way too much AP for us. So it was kind of, we were happy to play against. Easy peasy, and easy to manage. Yeah. You mentioned the bot lane. This has been one of the highlights this morning in the ready check. The fact that lots of ADCs have been nerfed, some buffed. Have you been surprised by anything today? It felt standard to me. I mean, Zeri feels the same, to be honest. Yeah. Like, I mean, fun fact, to be honest, after the nerfs, like basically after the regular season, we took a week off, right? And everyone went back home and stuff. And then we saw the mini patch, which for me is really not a mini patch because they nerfed the whole bot lane meta. But anyways, so we just thought, okay, Zeri has gotten like three or four nerfs in a row, right? So she should be bad. So we should not play her. And then, yeah, basically we didn't play her at all on scrims. And now we go 3 days before we play and we're like, guys, I think Zeri's fucking OP, so let's just play it again whenever it's open. Well, it worked out well for you. About preparation, maybe, as you said, we had a new patch and especially lots of changes when it comes to the bot lane. How hard is it to prep for best of fives when you don't have any information at all? Because when you, if you show up on stage and you have the wrong read of the meta, it could just cost you the series. So how hard is it? Well, to start off, I don't feel like we have this issue of having the wrong meta or something. I feel like, especially me and Adi or Trimby, I think we're like really confident to play whatever the team needs. And we can just play something that maybe we haven't played for a month or something, right? But I feel like just we are in that skill individually that we can just play whatever the team needs, right? So I'm really not worried, especially about bot meta, even after that mini patch. Feels like you guys understand each other quite well, honestly, looking ahead at playoffs. You tweeted something that I found really interesting, the fact that you were back playing Best of Five series after such a long time. Yeah. You said also that it was special for you playing Best of Five. Yeah. Could you tell me more about these vibes and what you felt today on stage? I mean, honestly, I enjoyed my time so much and I feel like I will keep doing this whenever I play, right? Especially on stage. But yeah, about the thing I tweeted, I felt like my last best of five might have been in 2019 or something, right? So it's actually been a long time. But I remember just this feeling of, even if you lose the one game, it really doesn't matter, right? You are so hyped to go into the next one and you just reload and refocus. And yeah, it's always really enjoyable to play best of fives. Such a different setting and the best competitive one, of course. Yeah. Quick words about the series tomorrow. You'll be facing the winner next week. Yeah. Rogue, Fnatic, G2, who takes it? Well, I would say Fnatic, to be honest. Okay. I feel like, I mean, to be honest, I would rather face Fnatic, even if, in my opinion, they're the better team. I really want to go into that 2v2 with Upset and Healy and maybe do a verbal agreement with junglers. And they both pass top lane, so we see who's the better bot right now in the league. But yeah, I mean, I see Fnatic taking it all the way, That would be a matchup to keep an eye on the bot lane. But that's the story for next week. Comp, thank you so much for joining me for this interview. Me. Congrats on taking down Misfits today. And stay tuned de retour, donc, victoire des Rogues et Comp qui nous parlait du BO et disait que dans l'ensemble, eh bien, dans l'ensemble, on était à l'aise. Alors, petit glissade sur cette game 3, mais comme il disait, un fait de jeu qui fait mal, VTO sur le blanc, ça finit par tourner au vinaigre. Mais même game 4, on n'était pas spécialement inquiet de la Akali. On trouvait que la draft dans l'ensemble du côté des missiles ne faisait pas forcément peur. Il disait qu'il y avait beaucoup trop d'AP et que du coup, ils pouvaient complètement l'encaisser avec leur compo et ça leur faisait effectivement pas peur du tout. Donc non, ils n'ont pas été du tout inquiétés, oui. A raison, Yumi est un pick vachement clé contre Akali. Bon, Zeri aussi, on l'a expliqué, mais une Yumi qui vient un petit peu shot d'un tomber, c'est un summoner de plus parce que t'as pas de flash sur le pick et tout. L'ultimate qui zone, même dans le shroud, etc. Enfin, ouais, carrément, je peux comprendre qu'il se soit senti à l'aise dans sa situation contre une Akali. Ouais, bon, et ça parlait un peu de la méta aussi. Ouais, et au début, ils pensaient que Zeri serait pas si bien que ça, les Rogues. Tout à fait, ils nous ont expliqué, ils nous ont rappelé en fait finalement qu'il y a eu 2 semaines de pause entre la fin de la saison régulière et le début de ces playoffs. Donc il y a eu 1 semaine off où tout le monde est rentré chez soi, un petit peu ce qu'ont fait toutes les équipes, et ensuite 1 semaine bon, pour se remettre à niveau et encaisser un petit peu ce 12.5B et les multi-nerfs. Donc Zeri, triple nerf d'affilée. Bon, manifestement, ça marche toujours très très bien. Les conditions étaient bonnes aujourd'hui hein, parce que contre Rakan, t'as un free shield, et quand tu joues avec Yumi, bon, c'est quand même vachement
vachement agréable. Mais bon, voilà, avec Zeri n'a pas été touché à son corps, à son cœur. Donc, je pense que c'est toujours un pic effectivement qui a encore le vent en poupe. Après, pour le reste, franchement, on n'a pas vu. Pour le moment. Donc, mais il nous a pas dit grand chose. Pas vu de H, pas vu de Varus. Ouais, pas vu de H, Varus. On sait pas trop pour Jinx, mais il était permaban pour retirer Néon de sa zone de confort. On sait pas trop comment ils vont appréhender le reste des BO. Mais pour le coup, bon, c'est pas le moment de partager. Hein, la route est encore longue. Prédiction Fnatic pour demain également. On a terminé par ça pour Comp, Noah. Voilà, Fnatic contre G2. C'est le classico hein, demain, forcément. Une superbe affiche. D'ailleurs, c'est. Il y avait eu une fois où il s'était joué aussi à ce moment-là. Early et Fnatic avait gagné, non ? Ouais, je sais, ouais, ça fait trop longtemps maintenant. C'est du travail pour le pré-show tout à l'heure. Je sais plus. Hein. Ils s'étaient rencontrés plus tard aussi une fois. Ils avaient. Ouais, je crois. Mais je vais aller vérifier ça pour le pré-show de demain. River Sweep G2 ou des choses un peu. River Sweep G2, oui. Ouais, des trucs un peu sales. Avec le tweet de Perks, they had us in the first half of the night. Le classique. Le bracket à jour, bien sûr. Où est-ce qu'on en est donc dans ces playoffs, victoire des Rogues et les Misfits. Donc, alors à voir, est-ce qu'ils seront en match 4 ou en match 6? Eh bien, ça dépend du résultat du match de demain, puisque si jamais les Fnatic l'emportent, les G2 ont été moins bien sidés en saison régulière et donc derrière, ouais. Les Misfits iraient directement en match 6 et les G2 joueraient contre le vainqueur de Vitality XL. Mais si c'était les G2 qui venaient à battre Fnatic demain, Misfits devrait jouer contre le vainqueur de Vitality XL. Voilà, c'est très simple. Hein. Fnatic supérieur à Misfits et G2 inférieur globalement sur l'issue du match de demain. Je ne sais même pas comment rebondir finalement sur ce BO de Misfits. La déception est vraiment là, elle est vraiment palpable. J'ai pas l'impression que les Rogues se soient particulièrement foulés. Donc l'heure est au travail. Effectivement, et il faut revenir plus fort la semaine prochaine du côté des Misfits et sortir bien plus de perfs peut-être, comme la Game 3, tout simplement. Nous verrons bien. Demain, Fnatic G2, 16h30 pour le pré-show, 17h pour les matchs, si je ne m'abuse. Mais également parce qu'il y a la journée en Europe et les demi-finales de la LCK qui commencent. Alors, devinez qui joue demain du coup ? Je me demande bien qui joue demain. Bah, je sais pas, non, tu peux nous annoncer l'affiche s'il te plaît. T1 Raclure. T1 contre Kwangdong Freaks, c'est le match que nous regarderons, que nous observerons à 9h demain pour la dernière fois. Oui, effectivement, parce que dimanche on passe à 10h du matin. Pour Genji Damwon. Effectivement, le week-end en LCK. Banger. Le week-end en LCK s'annonce incroyable. Hein. On vous recommande chaudement de ne pas vous coucher trop tard ce soir et demain parce qu'il y a de la LCK de haut niveau à déguster. Ah, complètement. Ça va être plaisir maximisé. En plus de ça, il y a le LEC derrière. Donc, on va passer un très, très bon week-end à la maison, tranquillement devant OTP et devant nos joueurs préférés. Ah, que demander de plus avec le printemps qui revient? Quoi de mieux que de s'enfermer chez soi? Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Mais oui, pas de pollen à la maison. Volet fermé, pas besoin de lunettes de soleil. Que demande le peuple? Trop bien. Voilà. Devant des BO de League of Legends, de fous furieux sur OTP LOL. Demain, T1, Kwangdong Freaks, demi-finale de la LCK, suivi de G2 contre Fnatic. Donc voilà un immense samedi de League of Legends. On vous souhaite tous une bonne soirée. Préparez-vous, couchez-vous tôt, bien sûr, pour la journée de demain, parce que ça risque d'envoyer. Bonne soirée à tous. À demain pour du grand League of Legends.